Jamais j'ai gameplay, ça m'a dit non, c'est pas pour moi. Chut, pas ça. Ouais, c'est Ouais, spécial je quand sais t'aimes pas. bien les Dragon Ball à l'ancienne avec l'écran séparé Ah là. ouais, oui, moi c'est Tenkaichi les Budokai, hein, c'est que j'aime moi. Mais ils ont Les essayé quelque chose, Budokai. hein. Ils ont touché un public peut-être plus compétitif. Non, c'est pas ça, Peut-être. c'est en direct, en direct c'était un truc version Street Fighter, entre guillemets, quoi. Ouais, Qui je était sais la pas. version, qui était un petit peu bizarre. C'est pas J'ai pas celui-là qui aimé le avait été fait concept. par l'équipe de GetiGearX? Je sais pas. Je sais pas du Je sais tout, j'ai plus pas du trop tout, franchement franchement, testé. je sais pas du tout. Les DBZ, les derniers que j'ai testés, c'était vraiment pas ouf. Problème, c'est que c'est un peu. Ils sont propres, graphiquement, tout ça, la jouabilité, c'est sympa. Mais c'est le reste, quoi. Le Toute façon, Kakarot, c'était vraiment la Kakarot, tu vois. Ah, moi j'ai été très déçu, surtout sur la version avec le DLC où j'avais le perso qui était au max du level et je me faisais défoncer la gueule par Beerus. J'ai dû laisser tomber, j'en avais ras le cul. C'est normal, le virus, il faut le viruser. Ouais, non, fait le Beerus, tout à On lui fait. fait la transformation God virus. Ben non, mais quand tu prends le jeu avec les DLC et que tu peux pas jouer au DLC, autant pas les acheter, tu vois. Moi, je pense Ouais, qu'il c'est devait vrai. y avoir un truc à faire, mais moi j'ai poncé le jeu deux fois quand même. Une fois sur Xbox et une fois sur Switch avec le DLC. Parce qu'il y a quand même des DLC dans certains jeux, tu es obligé d'activer un truc. Il y a une condition à faire aussi pour activer des DLC. J'ai vu des jeux comme ça. Après, j'en Tant sais que t'as pas pas plus. fait ça. Non, mais pas forcément sur GBZ, mais sur certains jeux, pour activer les DLC, t'es obligé de faire un truc. Il faut un truc dans le jeu. Tu regardes le DLC de Forbidden West là, de Horizon, t'es obligé d'avoir fini le jeu, la quête principale, pour activer le DLC. Il faut finir la dope pour pouvoir profiter du DLC. Oui, t'es obligé, oui, mais non, Ah, parce que, non, parce que, dans Ghost non. of Tsushima, il faut que tu aies fait la moitié du jeu. Oui, non, mais c'est parce que, en fait, c'est la suite, en fait, le DLC, c'est la suite du jeu, en fait, c'est la suite directe, en fait. Je vais pas expliquer le Ah, et DLC, alors? je vais pas vous Bah, spoiler, mais c'est la alors, Ghost suite. of Tsushima, que tu veuilles ou pas, l'île d'Iki, c'est une Oui, dinguerie. c'est la suite, mais c'est entre guillemets une suite, et on t'explique en gros, il y a des trucs qui te posent, voilà. Après, Ah, bah écoute. ça peut être un sacré frein parce que le pourcentage de gens qui ne finissent pas leur jeu est énorme. Donc, s'il faut avoir fini le jeu. Mais non, mais c'est juste la 60% quête des gens. principale. C'est juste la quête Non, mais, principale. Hein. non, mais Pas même, la... hey, 70% des jeux, 70% des gens finissent pas leur jeu. Après, ça c'est leur... Ouais, mais ça, c'est leur problème, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils achètent des jeux Oui, mais ça, c'est et leur problème. ils les stockent sur les étagères. Et ils les laissent sous blister. Mais Enfin, ça, à c'est donner leur de nom, problème. mais comme quelqu'un Ah non, non, non. qui achète Oui, Zelda mais. Breath of the Wild qui le déblise 3 ans après. Oh là là, mais pourquoi tu fais des. Oh là là, Romu, oh Ah, là il est là. ben, je Ça, suis je les accepte. désolé. Elle est typique, celle. Ça, elle est typique. Salut, il est quoi? Il est sur Discord? Il est sur Discord, oui, typique, celle. Il s'est pointé. Salut à ma poule. On l'entend Bonsoir. pas. Comment ça va? Est-ce que toi qui es aussi dans le JV et qui a passé le JV, qu'est-ce que t'en penses du JV en ce moment? Est-ce que le JV devient fou? Ou même le monde? Oh, c'est général. Je pense que la société est malade. Ouais, je pense qu'on est en déclin. Alors, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Sur la chaîne, je sais pas combien de tests, t'as combien d'avis sur cette machine. Je t'invite à regarder la dernière vidéo qui a fait 100, 120 vues. Les problèmes de son sur la console. Comme ça répondra à ta question. Une Super MT en 2024, si tu la touches au prix des scalpers, pour moi, ça vaut pas la peine d'acheter. Je te donne le fond de ma pensée. Veux savoir si la machine est bien, oui, mais si tu la touches au prix des scalpers, c'est-à-dire entre 4 et 500 euros, parce que c'est le prix que tu vas la payer si tu la veux, voire même plus, ben pour moi, je vais te donner un conseil. Attends quelques temps, attends de voir ce qui va sortir, et je pense que tu me diras merci d'environ 6-7 mois. Attends, sois patient, sois patient. Et je pense que tu risques d'être surpris. Attendre, oui. Alors, je vais t'annoncer quelque chose qui est passé inaperçu et que beaucoup de personnes ne savent pas. Tu as une boîte qui t'a sorti la rétro 5, là, tu sais, la rétro 5. Ben, ils sont en train de bosser sur des machines avec des puces FPGA.
pour pas cher. Donc attends. Pour toi, C'est un c'est conseil combien pas d'ami. cher? Je dirais dans les 250 balles, 200 balles la machine. Sinon, je vais te donner même encore un conseil. Alors de te casser les robinets à aller acheter une Super NT, à part si t'as beaucoup de cartouches. Achète-toi le Pi FPGA. Et puis voilà quoi. Gratos cousin. Pas cher. 200 balles. Et prochainement, vous allez en entendre parler sur la chaîne. Dès que c'est dispo, Romu commande. Voilà, j'ai les 200 dollars. Bon, alors revenons à nos moutons. Excusez-moi, j'ai fait un saut. Revenons au sujet principal. Est-ce que le monde devient fou? Ou le JV est devenu fou? Bah moi personnellement, si je peux prendre 5 minutes, c'est que je vais vous expliquer, c'est que moi je trouve que justement il y a un petit retour en fait dans la bonne direction par rapport aux jeux vidéo. Alors moi j'ai l'impression que pendant une dizaine d'années, on a un petit peu délaissé pas mal de personnes, notamment les gens de notre génération, en se focalisant sur les trucs cosmétiques, les trucs que tu achètes en plus sur le jeu, les jeux multi-réseau, machin bidule. Et là, j'ai l'impression que ce retour de séries comme Metal Gear, comme Silent Hill, qui sont pas toujours, a priori Silent Hill, ça a l'air assez mitigé. RE4, c'est bien, mais c'est pas aussi bien que ce qu'il y avait à l'époque. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez fort pour remontrer. Hein, on se plaignait qu'il y avait des suites, mais bon, finalement, mieux avoir un remake d'un jeu que d'avoir quelque chose bah, qui a aucune consistance. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez positif dans ce monde du jeu vidéo. J'ai vraiment l'impression que la génération qu'on a connue là actuellement, c'est vraiment une génération qui a été perdue, où en fait, alors peut-être le Covid a aussi fait son grain de sel par rapport à ça, a peut-être chamboulé les plans, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de puissance et finalement, il n'y a pas de maîtrise de cette puissance. Il y a des moteurs là, comme l'Unreal 5 qui sont en train d'être utilisés à foison. Alors ça, bien sûr, quand il est maîtrisé, bah, du coup, ils vont pouvoir sortir de vrais jeux, quoi. Donc moi, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu et que en fait, les annonces qu'ils font, les PS5 Pro et tout ça, c'est juste pour flouer un peu les gens, pour les faire patienter. On leur remet des jeux comme Metal Gear Delta, histoire de à dire, hey, vous inquiétez pas, on va vous refaire des jeux. Et en fait, je pense que d'ici 2-3 ans, on va peut-être avoir des vraies bonnes nouvelles expériences du monde du jeu vidéo. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse la parole, je vous dirai mon avis après. Petit Pixel, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je prends ça avec des pincettes. Bon, à première vue, ça a l'air de bouger un peu, même chez Xbox, ça a l'air de bouger un petit peu avec l'histoire du nouveau studio Halo. Je pense que ça se réveille un peu. Mais maintenant, moi, je ne crois que ce que je vois. Ça a l'air de bouger un peu parce que maintenant, il y a un nouveau moteur. Le fameux Unreal 5.5. Donc, soi-disant, les développeurs pourront faire beaucoup plus de choses avec. Il a même augmenté, Mais il a là même développé. aussi, ouais, mais là aussi, je ne crois que ce que je vois. Je suis comme Saint Thomas, parce que depuis le début, déjà, on nous avait promis de belles choses avec ces nouvelles machines, et il n'en est rien, encore à l'heure actuelle. C'est pas Donc, moi, quand je verrai, je en dirai fait. OK. En fait, t'es putatif, en fait, et tu restes. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'on a été Salut tellement Bikil. déçus, Salut Bikil. et je ne pense Salut. pas que beaucoup diront le contraire, que ce soit toutes bécanes confondues, hein. Oui, On non, a mais été ça c'est sûr beaucoup, que si beaucoup tu vois déçus. avec les promesses là et tout, Voilà. Tant de tu vois, promesses constructeur, pour rien que du du tout, vent, quoi. quoi. Constructeur Bah après, c'est Voilà. comme ça qu'on fait le commerce, hein, c'est avec le fait d'avoir confiance, d'acheter une Oui. machine, hein. Ils peuvent pas Oui, dire. c'est que marketing, hein. Ils peuvent pas dire, C'est que bon les gars, marketing. n'achetez pas nos consoles, faut attendre 3 ans pour avoir un jeu, tu vois. Ils sont obligés de les vendre leurs consoles. Hein. Cette fameuse PS5 Pro, ce n'est que du marketing. Ah Certes, non, c'est pas oui. vrai, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle allait avoir les jeux en 60 FPS. Ils seront plus en 60, Ben. ils seront en 60 et ils seront plus en 1024, ils seront en 2K. Deux quarts. Ah Comme merde, c'est deux Skyline. quarts. T'imagines?
payer le double d'une console actuelle pour juste avoir du 60 FPS. En plus, quand tu sais que le fameux GTA 6, il serait même pas en 60 FPS. Bon, Et c'est après ils ça vont le peut-être problème. encore l'optimiser, qui sait, hein. Oui, mais c'est pour ça, tout confondu, hein, Alors, que ce soit l'un ou l'autre, hein, la question, Microsoft ou. la question, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as payé 500, 550 balles, par exemple, pour moi, pour ma Xbox Series X Halo, ou que tu as payé ta PlayStation 5 500 balles, que tu l'as eu Day One, hein, on parle Day One, on parle pas que tu l'achètes maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, quand avec le recul, sur les quasiment les 4 ans qui se sont écoulés, parce qu'ils sont sortis en 2020, les consoles, quand même, ça passe le temps. T'as pas l'impression qu'on t'a vraiment pris pour, bah, excuse-moi l'expression, pour un connard, pour un dindon. Moi je pense pas dans le principe que finalement la génération PS4, PS5, pareil pour Xbox, moi je les vois comme des intergénérations parce que on a gagné quand même du confort avec les disques durs, on a des résolutions qui sont quand même meilleures, etc. Mais c'est triste de se dire que finalement, comme je dis toujours, et j'entends même ça chez Padawam, la meilleure PS4, c'est une PS5 Pro. C'est que en fait ça optimise, en fait c'est un peu, on reçoit ce qu'on aurait dû avoir, donc on n'est pas lésé par rapport aux jeux qu'on joue, parce que de toute façon on joue sur des jeux qui ont 10 ans, voire il y a des jeux comme GTA, ils ont 3 générations quand même, hein. Mais en fait on a juste des versions améliorées, et c'est des choses qu'on aurait dû avoir dès le début à les entendre, mais par contre Oui, ouais. mais C'est là que tu parles. le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu t'arrêtes sur la. Enfin, la fanbase de Sony, ils sont un peu spéciales, la fanbase de Sony. La fanbase de Sony, ils sont matrixés. Sony, il fait Atchoum, tu sais, ils sortent le Kinect, ça, tiens. Ouais, mais quand tu es quelqu'un qui en a rien à foutre des marques, qui est ni pro Xbox, ni pro Sony, comme Ouais. moi, tu vois, T'es nous. pas dans les produits élitistes, en fait, tu Nous, rejoins une nous, chose. nous, moi, je te dis, moi aujourd'hui, tu vois, j'ai eu les deux machines à la maison. La seule qui me reste, c'est la Xbox Series X. Et je pense même à la D. C'est-à-dire que j'ai mis de l'argent sur la table. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de m'avoir fait flouer. Mais franchement, moi, je le sens comme ça. Comme quoi que j'ai été floué. On m'a promis du 60 FPS, je ne l'ai même pas. On m'a promis de la 4K, je ne l'ai même pas. Et moi, j'ai cru. Et moi, même au tout début. Pour les gens qui me suivent depuis le début de ces histoires de PlayStation, bah, je l'ai dit, vous n'aurez pas des jeux en 4K 60 FPS avec le Trick Tracing. Mais Les gens me disent, ah, mais tu dis n'importe quoi, tu sais pas de quoi tu parles. Bah, 4 ans après, ils sont obligés de vous sortir une PlayStation 5 Pro pour vous sortir des jeux en 60 est-ce FPS. que c'est pas un combat perdu d'avance de toujours vouloir avoir des résolutions supérieures? Est-ce qu'on Le pourrait pas problème. non mais se contenter du 1080p et 60 FPS et c'est bon? Oui. Mais tu veux un autre avis, hein, parce que y a pas beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Les jeux qui sont cross-platform, donc où tu peux jouer sur console et avec les joueurs PC. Il y a un gros problème aussi par rapport à ça. C'est que la plupart des jeux sur PS5 ou même Xbox sont à 30 FPS. Moi je te donne l'exemple avec Tetris Effect. Moi je suis sur PC, je tourne à 60 minimum ou 120 FPS. Mais quand tu tombes sur un joueur PC qui a 30 FPS, t'as ce qu'on appelle l'input lag. Le mec il te colle 10 barres, t'as les 10 barres qui arrivent 10 secondes après. Tu vois le problème? Donc des fois je me suis dit que Non, mais. c'est pour ça que les joueurs sur Tetris Effect, les joueurs PS4, tu n'en vois plus. Ils ont été Non, retirés de mais la c'est pour plateforme. ça que ça rejoint ce que Vicky dit, parce qu'il y a une joueuse, il y a une personne qui dit que quand elle est en mode compétition, elle joue que sur console, parce que sur PC, il y a moins de temps de latence. Elle fait ça hors de son temps, quand elle est en mode compétition, elle joue que sur console. Ah ouais, Elle bah peut moi, pas jouer sur ça, ouais. Tetris Effect, je l'avais sur PS4, tu ne me verras plus jamais jouer sur la console, hein. C'est injouable. C'est trop long, quoi. Oui, c'est Et, mais, ça, par quoi. contre, avant, le jeu était cross-platform. Maintenant, tu as encore les joueurs Xbox qui viennent de temps en temps. Parce que Xbox est considéré un peu comme PC, donc eux, ils sont encore autorisés à jouer sur Tetris. Mais par exemple, tu tombes sur un joueur VR. Le joueur VR, lui, il est en 60. Mais tu as encore un putain de décalage, mais c'est un truc de fou. Tu te fais niquer, par exemple, tu as un joueur qui a 2000 points, toi, tu as 10 000 points. Tu te fais niquer la gueule parce que lui, il a moins de latence que toi. Enfin, il y a plus de latence chez lui, alors que toi, sur PC, t'en as moins. Donc ça provoque un décalage, quoi. Mais un décalage, ça pas beurre, Un pas la peu thune, comme quand tu joues à Street Fighter sur la Nintendo Switch, que hein. le mec en face, il a une connexion de lapin, Ça aussi. de lapin en maillot de bain, et que toi, tu lui mets une pêche comme ça, tu lui mets un coup de pied. Le mec, il sent rien. Toi, il te met une gauche, toi, tu sautes en arrière, t'as mangé la gauche, et tu envoies une boule de feu. La boule de feu passe à travers lui, tu te dis, mais
C'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est qu'il a esquivé ta boule de feu avant, mais toi, tu le vois seulement après. Et Voilà. tu ne Ouais, mais attends. le vois même pas. Mais Et comment vous c'est décalerez. possible? Comment c'est possible que sur des jeux, je sais pas moi, de Dreamcast, là, Unreal, tu pouvais Non, jouer parfaitement et puis sur les jeux modernes, tu peux pas? Bah, c'est c'est parce parce que qu'avant, tout le monde jouait sur la même console. c'est des serveurs en bois, mec. Bah ouais, Bah, on avait l'archive. la même console avant. Avant, tu pouvais pas jouer avec un joueur Dreamcast ou un joueur PC. Donc une fois de Bah, plus, regarde. c'est le problème du matériel. On n'a Non, mais pas. regarde, même un truc tout bête. Tu joues à Mario Kart. À Mario Kart. T'es en train de faire ta game. Il y a 5 mecs dans ta game. Il y en a qui se déco. Pouf! Hop, on est tous éjectés de la game, on se retrouve dans le menu. Et on doit relancer la game. Ouais, si c'est toi le propriétaire que Tu tu vois? déconnectes là. Mais si par exemple. Sinon, on joue à Smash Bros. Sur la Switch. Avec un mec qui a une connexion en bois. Si t'as des cheveux à la fin de la soirée, t'en as plus, tu t'es tout arraché. Moi par exemple, Mario Kart, ce que je trouve un peu. Enfin, bien et pas bien, c'est que par exemple, Le Big Boss. admettons que tu es le propriétaire de la game, je me déconnecte, bah tu as toujours mon personnage qui est présent dans la game, quoi. Et enfin, c'est le bot qui reprend le relais, quoi, tu vois. Bah, c'est un peu normal. Bah moi je trouve qu'il devrait carrément éliminer les joueurs, quoi, tu vois. Oui, mais non, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Bon, parce que des fois, t'as les bugs qui sont plus forts que le joueur Bah, tu lui-même, sais, donc. quand t'as eu l'habitude de jouer à Solitaire Fortune et que tu te pointes dans un serveur qui a 30 personnes et au bout de 20 minutes, quand les mecs ils voient qu'ils sont en train de se faire laminer et qu'ils s'en foutent, bah, t'es obligé de finir la game. Quand le mec il se déco, c'est un bot qui reprend. Et je peux te dire que les bots à l'époque, ils étaient pas. Même il y avait des fois les bots, ils étaient même plus forts que les mecs. Au Oui, moins, parce que ça Mario c'était Kart, intéressant, ça donnait du challenge. Bah quand t'as 30 bots en face de toi, mon gars, je vais te dire c'est chaud. Hein. Salut la c'est ça la panthère, merde. Motilis. Ouais. N'oubliez pas les petits pouces, hein. Vous pouvez mettre des pouces, les gars. Mettez des pouces, partagez. Hein. Voilà. Ce soir, est-ce que le monde devient fou? Enfin, le monde du JV, on va rester dans le monde du JV parce que je pense que c'est pas l'endroit pour parler du reste. Ouais, parce que le monde est déjà fou depuis pas mal d'années, je crois. Ouais. Je Non, mais de toute reste dans les façon, on bottes peut des pas gens. dire que le monde il est du jeu vidéo il est fou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le game, tu vois. On peut dire, je sais pas, il y a un constructeur qui fait n'importe quoi, des studios qui si tu t'achètes des studios où tu fais pas de jeu, enfin, il y a des tas de choses comme ça. C'est surtout des erreurs de stratégie. Si tu veux parler, si tu veux parler d'une boîte qui a acheté plein, plein, plein de studios et qu'aujourd'hui ils en font rien, parler d'Xbox, ils attendent quoi pour sortir des jeux? Ah bah si, ils font plein de choses, ils font le ménage par le vide, ils sont en train de liquider tout le monde. Ouais, bah, En fin de soi-disant, compte, ça devrait arriver. ils ont des grands bureaux, il reste la femme de ménage pour faire le nettoyage, le jardinier pour arroser les plantes et le vitrier. Et j'ai oublié l'agent de sécurité pour surveiller le parking vide. Bah moi je Je pense qu'Xbox en fait à mon avis, c'est mon avis personnel, ils ont racheté les studios, c'est même pas pour faire des jeux avec, c'est tout simplement pour empêcher les concurrents de les racheter et d'avoir de la concurrence Ouais, justement. mais racheter des studios, c'est pas racheter le personnel. Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Ou même licence, hein. Tu peux revendre. Regarde l'histoire de Rare, par exemple. Ça servait à rien d'acheter Rare. Hein. Oui, bah là, bah oui, bah regarde T'as bien. Rare, ça a été T'as racheté par Xbox, Rare a coulé. Hein, Bien eu aussi l'histoire de Lara Croft qui a été vendue. Qui a été vendue. La licence, elle a été vendue par en morceaux. Tu peux acheter des trucs, t'as eu même des collections, t'as eu des trucs collector. Konami Castlevania, c'est que du pixel pour mettre dans tes jeux. Aujourd'hui, tu sais, c'est une génération en mousse. Mais c'est même pas que c'est une génération en mousse. Moi, je sais pas, regarde, aujourd'hui, tu joues sur une Xbox Series X, tu joues à comment il s'appelle? À Warhammer 40 000. T'as du bottleneck, mais ça va encore. T'as des baisses de frame, mais ça va encore. Tu regardes des tests sur la PS5, le jeu sur la Xbox, il est en 60 FPS, il descend à 40, il remonte. Sur la PS5, il est à 55, et d'un seul coup, paf, il drop à 20. Et avant que ça remonte, bah t'attends 10 secondes. Et quand tu vois un truc tout bête, tu joues à d'autres jeux, ça bronche pas à la PlayStation. Il y a vraiment un problème. Ouais, bah c'est pour ça que
T'as Rockstar qui a dit pour le GTA 6, le jeu ne tournera pas en 60 parce qu'ils ont regardé le même processeur. Il a juste été gradé au niveau puissance, mais ça reste la même machine, enfin, ça reste le même moteur, on va dire. Ouais, en fait, il est plus rapide, mais pas en calcul, il est plus rapide pour faire ce qu'il doit faire. Ouais, bah, En il n'est fait, pas il est assez puissant. optimisé. Voilà. Il est... Ouais, mais il ne sera pas assez puissant pour faire tourner le GTA 6 à 60, quoi. Ouais. Et ça, c'est un Mais communiqué officiel si, mais de... si, mais si, tu auras GTA 6 en 60 FPS. Mais attends, il y a les modeurs sur PC, ça marche. T'inquiète, Ouais, ça marchera. ils vont te le modder. Ils vont te Ils le vont modder. overclocker le processeur de la PS5 Pro. Ouais, tu l'auras en 60 à condition que tu achètes deux PS5 Pro et tu les Et branches tu en câble. les mets En ensemble. série. Voilà, tu les mets en dual sync, en dual shaggle. Dual... Ouais. Ah là là, dual ensemble, Ouais, là. et puis après, on va voir Poutine qui va arriver chez toi. Il me dit, oula, t'as une grosse arme de destruction massive, c'est trop puissant. Hein. Ouais, revois ça. On va téléguider des missiles. Moi je vois surtout que c'est devenu le monde du JV, un monde à pognon, comme tout. Ouais. Vite, vite, on s'en fout des jeux bâclés. Hein, on a eu l'exemple hein, sur pas mal de jeux. On les sort, même s'ils sont pas finis. Voilà. On les Bah, ça, je le... patchera par la suite. Ça, je l'ai remarqué avec un studio que j'adore, hein, c'est Revolver qui sort des jeux pour le Game Pass. Quand tu vois la qualité des jeux qui sortent, tu pleures. Hein. Et Ben qu'avant, c'est sur comme les PC, machines. ils sortaient des pépites, mais de fou, mais maintenant, bah, c'est parce qu'ils sont obligés de sortir des jeux. Il faut qu'ils remplissent le Game Pass, qu'ils ont un contrat avec eux. Oui. Oui, les jeux, Là, ils les n'ont pas le jeux choix, quoi. et les machines. Et les machines. Où on a vu ça? C'est comme tu achètes une voiture. Ta voiture, plus elle prend de l'âge, moins elle est cotée. Les consoles. Mais là, c'est au contraire. Plus elles prennent de l'âge et plus elles sont chères. On augmente le prix des consoles. Au lieu que ça diminue, on les augmente. Non, c'est devenu un monde de business. C'est triste. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien comme à l'époque dans les jeux vidéo. Mais Voilà, c'est la course au pognon. On rachète des studios, on s'en fout, on est gourmand. Après, finalement, mauvaise stratégie, on se casse la gueule, on est obligé de licencier des gens. C'est devenu n'importe quoi, ce monde du JV. là, si tu cherches, là, tu vas sur Odyssey, tu tapes dans Google Odyssey, tu tapes Pac-Man, tu arrives sur la chaîne et tu as tous les lives. Les retransmissions de live sont là-bas gratos. Je te le dis, je suis même pas obligé de te le dire. Mais le problème avec la PS5 aussi, bon, qui a raté toute la route, enfin, bon, j'espère, hein, en tout cas pour celui. Mais c'est les développeurs derrière, est-ce qu'ils ont les compétences, Voilà. ou le Eh matériel oui. déjà pour sortir les jeux par rapport à la puissance de la machine? Parce que Non, mais regarde, avec la Dreamcast, mais on tu a as dit déjà eu le coup toi-même. avec la Dreamcast. La Dreamcast était tellement compliquée avec le système de double Eh oui. processeur qu'on avait des jeux pourris dessus, donc ça avait été exactement pareil, quoi. Non, mais moi je Oui, c'est pense les jeux. que la PS5, en fait, y a la grosse différence, c'est que les mecs, ils ne devront pas trop brider, tu sais, quand ils ont les consoles kit développement, ils ont des trucs plus puissants. Tu vois, peut-être que la seule grosse différence, c'est ça, c'est que les mecs, ils vont pouvoir être un peu plus libres. Mais il Oui, mais faudra... est-ce qu'ils ont les machines, enfin, est-ce qu'ils ont le temps et le Voilà. matériel nécessaire pour faire des jeux, Ça. quoi, toi? J'espère Parce pour eux. Hein. que le temps, c'est du pognon, faut pas Parce que l'oublier. le et surtout, Bon. il y a toujours cette sale contrainte qu'il faut que le jeu tourne sur la console normale aussi. C'est Oui, toi, il bah faut oui, bah satisfaire tout le c'est. monde et en fait, tu arrives à satisfaire personne. Moi je pense qu'on est passé à un cap, tu vois, c'est comme dans le cinéma. L'autre fois, je regardais une émission sur les années 80. Dans l'année 82, il y a un nombre incroyable de films de qualité. Et bon, on a toujours eu des bons films, mais on n'aura jamais autant de jeux de qualité. Est-ce que c'est pas le même problème qu'on a? On a eu tellement de très très bons jeux. Qu'est-ce que tu veux de plus dans le monde du jeu vidéo, à part le côté technologique? Oui, Oui, peut-être bah parce qu'on est ça. trop exigeant. Alors, les C'est un gens, cycle. tout ce qu'ils Ça, voient, ça, ça, c'est la technologie. ça, Donc, il faut du ça, c'est fric. ça. Ça, c'est bon ce que tu dis, Jerry. Ça, c'est bon. Ça, on n'a jamais entendu ça. Est-ce que le joueur n'est pas devenu trop exigeant? Oh, Moi, si, on a déjà parlé. je pense que ça, c'est le fond de l'histoire. Alors, pourquoi le joueur est devenu aussi exigeant? Pourquoi Parce exigeant? qu'il est devenu comme le Pourquoi? joueur PC. Moi, dans les Non, années 2000, c'est ça. non, C'est pas on forcément vit comme avec ça. notre temps, mais on achète des bécanes qu'on nous promet monts et merveilles, Ouais, et c'est ça le problème. puis voilà, Ouais. on évolue quoi, Mais c'est donc ça. on voudrait que les jeux ben, évoluent en même temps que les bécanes. Il faut qu'à chaque fois, ce soit beaucoup plus puissant. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je vois pas mal de clips là, par rapport à l'iPhone, où tout le monde se fout de leur gueule parce qu'il y a telle technologie, c'était sur tel téléphone il y a 10 ans, machin bidule. Bah ouais, Oui, c'est Samsung, ouais. on est à la fin, les mecs. On peut pas faire plus, tu vois.
Ouais, bah les joueurs sont devenus. C'est pas que les joueurs sont devenus exigeants. Ils veulent juste avoir ce qu'on leur, enfin, ce qu'on leur promet par rapport à la console, quoi. C'est tout. Ils veulent se sécuriser en fait en voyant que le L'être truc est mort. humain insatisfait éternellement. Mais c'est ça la Alors vente. Et... oui. Alors je suis d'accord avec toi en disant, ouais, Oui, l'être il a pas humain, trop tort. il est insatisfait, d'accord. Mais derrière, quand tu as Sony qui te dit, nous, on va faire une machine qui sera que next-gen. Le jour de la présentation de la PlayStation 5, il était hors de question que les jeux soient mid-gen. Rappelez-vous, hein, vous avez eu la conférence de Sony. Nous, il n'y aura que des jeux next-gen. Ils se foutaient même de la gueule de Microsoft parce que leur machine faisait du mid-gen. Et que les jeux, ils étaient rétro-compatibles. En gros. Dans la nuit, rétro-pédalage, après la conférence, un communiqué de presse sort en disant, ah bah si, il y aura des jeux mid-gen. Parce que quand tu as vendu 100 millions presque de PS4, tu ne peux pas t'asseoir sur 100 millions de personnes. Bah ouais. Donc, quand vous dites la Xbox Series S, ça fout la merde chez Xbox parce que ça tire les jeux vers le bas. Oui, si tu vas par là, ok, mais ta PS4, que tu veuilles ou pas, bah elle tire vers le bas la qualité de tes jeux. Tu ne peux pas sortir un jeu qui est avec une qualité de ouf sur une PS4 Pro, que sur une PS5 qui fait quasiment. Elle fait quoi la PS4 Pro? 2 teraflops. Là, t'as en fait 8 de plus de puissance. À la fin de la conf. Oui. Et encore le... Et tu vois la Oui, mais. différence est encore plus grande entre la PS4 et 5 que la série X et S, hein. Mais aujourd'hui, en réalité, la PS5, c'est une PS4 améliorée. Parce qu'il y a quasiment plus de temps de chargement, mais il y en a encore. Et l'ergonomie de la manette. En fin de compte, comme tu disais, c'est du bon luxe. C'est du confort en plus. C'est pour Mais ça que... visuellement, tu as un petit gap, mais c'est pas folichon. Et des jeux, Si, quelques là, jeux sur les suffisent. derniers jeux qui sortent, oui, tu prends Black Myth Wukong, tu prends le dernier jeu là qui est sorti, là, je sais plus comment il s'appelle, là, sur la Play, tu regardes, ah ouais, là, d'accord, là, tu commences à avoir réellement quelque chose qui t'arrive à te mettre une claque dans ta gueule. Mais Mais est-ce que 4 ans c'est après. pas l'impression que vous avez aussi eu l'autre fois, je regardais une vidéo de Marcus où il parlait de God of War 2. Et le jeu était tellement beau que quand la PS3 est sortie, le mec, il avait fait la réflexion que bah, à quoi ça sert une PS3? Normalement, ils sont censés avoir tellement travaillé sur l'hardware de la PS4 que les jeux devraient être au maximum. Et en fait, le problème, Ils c'est sont ça. déjà au maximum. Tu prends les jeux, par exemple, tu prends un, comment il s'appelle, un Last of Us Partout 2 sur PS4 Pro. Tu le mets dans ta PS5. Tu le lances. Tu vas avoir aucune amélioration. À part si tu prends le nouveau là qu'ils vont te refaire. Mais tu auras quoi de plus? Moi j'étais mort de rire. Ils ont sorti le premier en remasterisé. J'ai regardé des mecs qui le streamaient le remasterisé. Il y avait plus de bugs dans la version PS5 que dans la version PS4 Pro. Mais moi je rigolais. Des problèmes de caisse. Ah oui, hein, graphiquement, tu vois l'update. Hein. Ah oui, tu vois l'update. Mais il y avait plein de bugs. Ah mais c'est normal, c'est parce qu'ils ont adapté un jeu PS3 sur PS4. Donc, Non, mais il était déjà sorti sur PS4, gros. Le Last of Us Partout 1 Donc remasterisé. ils l'ont fait en remaster et après ils l'ont refait encore. Ouais, ils ont sorti la Ouais, version bah, de toute Deluxe. façon, tous les gros jeux sortent en fin de génération. Hein. Non mais c'est fou Le comme seul ils... qui n'est pas sorti en fin de génération sur PS3, c'était Heavy Rain. Parce que Heavy Rain, c'était un jeu qui a été commandé pour montrer aux gens la puissance totale de la PS3. Ah ouais, là-bas, Mais c'était censé être une démo en celui-là, fait. Hein. mais celui-là, il n'est pas sorti en fin de génération. Le seul qui est sorti en fin de génération PS3, c'est The Last. Mais elle a regardé la vidéo de Dr. JVT qui vous dit que de toute façon, sur votre PS5 Pro, vous n'aurez pas de jeu en 60 FPS en 4K natif avec la Ray Tracing. Il vous le dit. Et c'est un programmeur. Et c'est pas un vendu à Sony. Ah, mais moi je suis sûr que c'est à cause des gens. Ils en demandent de trop, alors qu'ils devraient se concentrer sur l'histoire, le gameplay. Mais il n'y a même plus d'histoire, Ben oui, il n'y a même justement. plus ces histoires de gameplay. Mais à Aujourd'hui, il n'y a quoi ça plus sert de d'histoire de faire une histoire? gameplay. De toute façon, les gens finiront pas le jeu, alors. Tu sais qu'il paraît qu'il faut mieux avoir un très bon début de jeu qu'une bonne fin pour que les gens qui finissent pas le jeu aient une très bonne, un très bon souvenir du jeu, vu qu'il a fait que le début.
Tu Ouais, vois, mais je c'est sais pas. en fait, le comportement des gens est tout à fait contre-productif. T'imagines si t'avais un mec comme De Vinci, il a dit, oh, bah, c'est le décor derrière la Joconde, oh, c'est pas grave, de toute façon, les gens regarderont que la meuf, on fait un truc à la Coréenne. En fait, faut faire tout bien ou rien du tout. Et ça, c'est ce qu'on avait, on avait avant, et que Mais Nintendo... marketing, marketing, je suis d'accord avec vous, les gars. Le marketing, c'est bien. C'est ça. C'est bien le marketing. Pas de problème. Mais aujourd'hui, vous avez payé des machines à 500 balles. Vous l'avez acheté Day One, 500 balles. Aujourd'hui, vos machines, elles sont à 600 euros. Hein. C'est 600 balles que tu veuilles pas. Hein. La Slim, c'est 550 plus 20 balles pour le socle. Que tu veuilles pas, ça fait 600, ça fait presque 600 balles. Là, tu as une PS5 Pro qui sort, tu n'as même pas de bloc optique. Tu veux la machine avec le bloc optique, c'est 950 balles. 950 euros une machine. Et elle fait, oui, 33 teraflops. Mais les teraflops, c'est comme d'hab, c'est que de la puissance de calcul. Non, mais les jeux PS5 Pro, il va y avoir quoi de plus par rapport à une PS5 Bah, ils classique? seront un peu plus améliorés, un peu plus stables, un peu plus. Mais regarde, il y en a, il me fait rire. Il y en a, il me fait rire. Il achète une PS5 Slim. Et là, il fait une vidéo, il dit, ah, écoutez le bruit de la PS5, écoutez le bruit, il dirait Ouais, un j'ai bien aspirateur. vu. Il dirait un J'ai vu la aspirateur. vidéo. Le mec, ce qu'il oublie de dire, comme quoi qu'il est de mauvaise foi, dans la machine, il y a un CD. Est-ce que tu entends, c'est le bloc optique qui tourne? Mets un DVD, enfin, mets un Blu-ray dans ta Xbox ou mets un jeu et laisse tourner la Xbox. Bah, le bruit du bloc optique, il fait autant de bruit que sur la PS5. Enlève ton disque, allume ta machine. Alors oui, hein, Tu la parles de la PS5, série X là? tu l'entends. La Non, PS5, oui, la tu PS5. entends. J'entends le ventilateur de la PS1. Et il dit, ouais, la PS5, elle est plus bruyante qu'une PS4. Le mec, je l'aurais en face Ah de moi, je lui non. dis, mais Ouais, mais t'es vraiment attends, de mauvaise ça foi. dépend aussi de Moi, quelle j'ai eu la console tu as. PS4 Pro. Parce que tu sais, moi j'ai acheté une console d'occasion qui faisait du bruit. Et là, j'ai dû en changer, j'ai dû en acheter une autre qui ne fait pas de bruit. Et ça reste la même machine, hein. Il faut aussi voir si elle a morflé avec la chaleur et tout Le le bis. quoi? Hein. Une Xbox Série X? Là, moi, je te parle des Mais... Tu veux PS4. rigoler? Tu vas voir le live de fois quand il jouait à Spider-Man 2 sur la PS5 qu'il était parti aux chiottes là. T'entends la console, t'as l'impression que la console va traverser le Mais mur. sur ma dernière PS4, la première PS4 que j'avais, je streamais souvent avec les gens en VR. À un moment, les gens, ils n'arrêtaient pas de se plaindre parce qu'ils entendaient que la ventilation. J'ai arrêté le stream à cause de ça. Hein. C'est normal, mec. Moi, j'ai eu la PS5 classique. Elle était à côté de là, où il y a ma Xbox. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit, ouais, c'est quoi le bruit d'aspirateur qu'on entend? J'ai jamais entendu un bruit comme une PS4. Tu mets une PS4 Pro, tu mets un gros jeu dedans, tu joues à Last of Us Part 2 sur une PS4 Pro, la console, tu as l'impression qu'elle va s'envoler. C'est vrai. T'entends? Ouais, Tu bah c'est pareil. l'entends? Bah, la Elle PS5, est c'est pareil. cinématique. Mais non, pas la Elle est PS5, arrête cinématique. de dire ça. Bah, va voir le live de. Arrête, moi j'ai Bon. eu la machine. Tu me Bah, fais va voir rire. le. Oui, va voir le live. Si le mec il prend son micro et qui pose son casque Ah ou qui oui, pose son super. micro à côté de la console, tu vas l'entendre. Mais il a un micro comme nous, enfin, sur une perche. Bah, si son micro il est mal réglé. Regarde Paco, il a un rot. T'as sa bonne femme qui est derrière, qu'elle est en train de gueuler, tu l'entends. Elle est à 10 mètres, tu l'entends gueuler, t'as l'impression qu'elle est en train de gueuler dans le micro. Bah oui, bah si, mais oui, après, si tu mets un filtre anti-bruit, bah là, tu auras plus de bruit de console, forcément, oui. Ah bah oui, bah voilà, tu vois. Moi je mets aucun filtre, t'entendais pas la machine qui décollait. Faut pas déconner non plus. Alors venir dire quoi, la PS5 fait plus de bruit qu'une PS4 Pro, mais je dis non, faut pas déconner. Ah, Non, mais. Ah si tu prends ton micro, que tu le colles sur la console, tu vas l'entendre. t'es pas qu'une PS4 Pro, mais elle fait pas mal de bruit. Moi, j'ai écouté le live de Fouad, je peux Mais t'assurer que la console, arrête! tu Mais l'entends. arrête! Tu sais le problème. Tu sais, regarde, Biki, moi je vais te dire quelque chose. Tu viens et t'es tellement de mauvaise foi qu'à des fois que tu me casses les couilles. Parce que là, tu viens et tu dis, ouais, moi j'ai écouté le live deux fois. T'as eu la machine chez toi? Est-ce que t'as eu la machine chez toi? Bah, on Est-ce que l'entend, c'est Non ce que mais tu dis, est-ce quoi. que tu as joué? Est-ce que t'as eu la machine chez toi? Non, Est-ce mais que t'as. tu parles des gens quand ils se disent que tu dis que les gens ne sont pas dit qu'on n'entendait pas le bruit de la console. Ben moi j'ai été voir Fouad, j'ai entendu le bruit de la console. J'ai été voir d'autres personnes sur Twitch, on entend le bruit de la console. Arrête Sauf de s'ils dire mettent n'importe quoi! Mais s'ils arrête de mettent dire des n'importe filtres anti-bruit, quoi! c'est Ouais, tout. mais aussi le Ouais, problème bien des sûr. PS5, tu as 36 modèles de ventilo aussi, hein, Ah voilà, ça aussi, c'est pour le préciser. autre Mais c'est même pas que ça! Xbox, tu n'as qu'un seul. Hein. Non, mais on s'en fout, c'est même pas que ça! Faut pas être Non, mauvaise mais foi ça y non fait plus. quand même aussi, Dire un que la peu. PS5 a fait plus de bruit qu'une PS4 Pro, faut pas déconner.
Ah Et non, j'ai moi pas j'ai dit qu'elle eu la faisait plus de PS4 bruit Pro. qu'une PS4 Pro, j'ai dit qu'elle fait du bruit aussi. J'ai pas parlé de la PS4 Pro ou la PS4 Pro ou mes Arrête, couilles. Je Adrien. parle juste du bruit. Bah, moi, écoute, j'ai écouté des lives, j'ai entendu du bruit, c'est tout. Ah, c'est Point. bon. Ça plaît Non. pas, bah tant mieux. Moi, je m'en fous. Et puis c'est tout, merde, c'est bon, quoi. Eh, c'est bon là, pète un coup, sinon dégage, viens pas me casser les couilles. Bah, je te dis, si tu viens pour foutre du drama, casse-toi. Bah, c'est pas de drama, je dis juste Ah que j'ai mais si écouté tu le live, j'ai entendu viens, le bruit. si tu viens et tu dis blanc, vert et que tu t'encores, tu montes sur tes grands chevaux, casse-toi. Si tu viens pour faire des dramas, casse-toi. Il n'y a Si pas tu de viens drama. pour foutre le J'ai bordel, dit qu'on a entendu casse-toi. ce bruit. Si t'es pas d'accord, casse-toi. Je m'en bats les couilles, Si tu mets un casse-toi. filtre, forcément, on n'entendra pas. Si tu mets des Non filtres, mais je te dis, si t'es pas content, casse-toi. Non, mais on est en train de débattre là. Chacun donne son point de vue. Ne nous Non mais c'est interpelle pas un point pas. de vue. Le mec, il a jamais eu la machine entre les pattes, il ouvre sa gueule. Il a jamais eu chez lui, il ouvre sa gueule. Moi c'est Mais. ça, moi qui m'énerve. Le mec, j'ai entendu. T'as entendu quoi? Un Ah, mec mais qui dans passe son ton. micro sur sa console et qui te dit, ça fait du Ouais. bruit. Moi la machine, je l'ai eu presque 2 ans la machine à la maison. Et j'en ai eu deux ou trois modèles. Alors viens pas me dire que la machine a fait du bruit. Oui, bah oui. Bah oui. Comme d'habitude. Blabla. Puis, Non non Paul, mais là, il a pas un là. micro-casque, hein, Là, il a un micro comme moi, sur un là, pied. là, là, là. Oui. Il a un micro-casque. Quand il joue sur sa console, il branche sa console sur la tête, il branche sa console sur son PC. J'ai pas dit Il qu'il. a un Non, micro, il a un casque micro comme ça, tu vois. Un casque micro. Le mec, il a sa console. Le moindre bruit, tu pètes, tu rotes, tu grattes le nez, tu baves, on l'entend. Avec ses micros de merde. ouais, bah j'ai été. Bah, maintenant, Ah sur bah des lives sur Twitch, tu verras, mec, il m'a circondé de micro-casque, on n'entend oui. pas le bruit. Des micro-casques. Pourquoi? Parce qu'ils mettent des filtres dessus, c'est tout. Oui, c'est des ingénieurs. C'est des ingénieurs venus de l'espace, c'est vrai. Mais c'est vrai Bah, que moi, je sais pas, moi, je les connais pas, mais moi, je sais prends une que chez PS4 Pro, certains, tu t'entends pas le bruit, l'allumes, d'autres, tu t'entends le prends une bruit, c'est PS4 Pro, tu l'allumes, tu prends tout. ton micro-casque, tu branches sur la console, t'as même pas. Tu parles, on t'entend même pas. Hein. On t'entend pas, Ben, t'entends je juste. sais, j'ai jamais dit le contraire. Hein. T'as une PS5, le mec il a un micro-casque, tu l'entends. S'il Oui, a bah j'ai jamais dit le le contraire. casque de merde de Sony, t'as l'impression qu'il est à 30 mètres sous la terre. Bah j'ai jamais dit le contraire, j'ai jamais dit que la PS4 Pro ne faisait pas de bruit. Là, je parle pas de la PS4 Pro, je parle de la PS5. Hein. Oui, bah la PS5, c'est pas une PS4 Pro. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Parce que c'est ça qui me fait rire. C'est les mecs, oh moi j'ai entendu, j'ai eu la machine, j'ai vu. C'est son Moi, micro je. à pote qui faisait du bruit. Mais bien sûr, t'as qu'à écouter quand il vient sur mon Discord qu'il a avec son casque de merde là, sur son téléphone. Ou avant qu'il avait son casque de merde là, sur sa console. Écoutez, hein. C'est comme comment il s'appelle Strunch là quand il est avec son casque de merde là. Le mec, il faisait. T'avais l'impression qu'il avait crié dans le micro. Il a un casque micro, le micro, il est devant sa bouche. Ah oui, hein, la PS5, tu la prends, tu mets un micro-casque, t'es à côté, ça capture tous les filtres, ça capture tous les bruits de merde. La PS5 Façon, Pro, j'espère qu'elle sera silencieuse. Mais elle sera pas silencieuse, c'est la même chose qu'une PS5 classique. Ils ont juste changé le pros. Ils ont grossi le pros comme ça, il est plus gros. Ils t'ont rajouté 24 coups d'accord, c'est tout ce qu'il y a. Ils ont rajouté de la RAM. De stockage. Moi, de toute façon, j'ai la PS4 Pro aussi. Il a pas été gravé en plus petit le pro, ça? Non, pas d'après ce que je peux croire. Non. Non, il paraît que non, c'est Oui, exactement c'est le le même. même. Donc il y C'est le aura. même, il a juste été optimisé plus fort. Il t'a 1, je sais plus Voilà, il combien était un peu boosté. Voilà, il était il juste boosté, quoi. Ouais, était. mais Boosté beaucoup quand même, gros. Hein, parce que de Ah oui. 10 passer à 33 teraflops, elle y va, hein, la Et mémoire. apparemment, grâce à Ah l'IA, oui, il tu y a pourras la tout, la RAM, tout, faire. quoi. Il a tout kiffé, hein. Bah avec le truc de l'IA de Sony, il a Oui, carrément fait le tout. PSSR, oui, le Ouais, le PSSR. voilà, ouais. Le PSSR, le PSSR. Sur leur Peut-être que tu as truc. l'impression que c'est un truc pour vendre des pacemakers, le PSSR. Avec mon PSSR, si tu arrives à battre plus bien, beaucoup plus mieux, ouais, tu vas te sentir bien, bien. Quand tu auras mis 800 balles et tu seras là devant, tu feras. Ah ouais, putain, gamma ça, c'est enfin en 60 Mais FPS. le problème qu'il y a, c'est que, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, c'est qu'il faut qu'il y ait la télé aussi qui fasse ça aussi. Il Oui, il y a ça aussi. y a la télé aussi, Mais la non, mais la télé qui. Mais télé, non, non, le c'est pas. jeu. Mais non, et le jeu, surtout le jeu. Non, 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 Le non. jeu qui va avec. T'as rien compris. Tu prends une PS5 Pro et tu la branches sur un tube cathodique. Oui, Et ah oui, ah oui. là, Ah tu oui. seras au top de la Ouais. technique. Ah ouais, putain, ouais. Parce que le problème qu'il y a, c'est que Ils les gens ont parlent de la fichu console, la métallique. Où tu as vu cette information, Mastercock?
J'aimerais bien que tu m'envoies le lien. Salut, Earthquake. C'est toujours du métal liquide. Hein. Bah, j'aimerais bien que tu m'envoies la news. Eh ben salut, alors. Salut, coucou en speed. Ah, coucou en speed. Va faire ton Alan Wake 2. J'ai vu que tu l'avais commencé. En 2K. Pourquoi tu fais pas en 4K? Ah, t'attends la PS5 Pro? Lui, il va acheter la PS5 bien... Pro. Parce que c'est bien beau d'avoir une machine sur tout ça, mais il faut que tu aies la télé et tout ça qui fait le truc, qui traite ça. Mais la télé, c'est bon. Toutes les télés que tu achètes maintenant, elles font de la 4K. C'est bon, hein, de nous casser. Oui. Ouais, bah si, toutes les télés que tu achètes, c'est des 4K minimum. T'as plus de télé en 1080p. Non, mais quand je te dis la 4K aussi, il faut acheter le truc dedans aussi. Pas que la 4K. Silence Hill 2, il est très bon. Arrête, tu vas craquer, tu vas revendre ta PS5 Slim pour aller acheter la Pro. Je te connais, tu l'as déjà précommandé. En plus, t'as pris le pack collector à 1 800 € à la Big Pikeman 30e anniversary. Eh ben, c'est ça, les mecs me cassent les couilles pour avoir des packs, je leur donne le contact, ils ont personne à appeler. Sur les 7, il n'y en a aucun qui a pris contact avec la personne. Donc, à la PS5 Pro Julien Chies Edition. Ah, tu veux ce modèle-là? Est-ce qu'elle a le mode Easy dessus? On va rechercher ça. Avec sa tête dessus. Oh là là. Je peux te la faire hein, si tu veux. Ce modèle-là, je peux te la faire. En sérigraphie. Je demande à. Voilà, je te fais une gravure laser dessus sur le côté. Oh putain. j'en aurais une spéciale Batman, mais c'est pas Batman. Ah, tu veux une Batgirl, toi. C'est ça. Tu veux une Batgirl. Ouais. Ah, ça me fait rire. Ça me fait rire. Moi, la seule chose que j'ai vue dans les lives de Fouad, c'était pas le bruit de la console, c'était les ralentissements. Les quoi? Les ralentissements sur le boss de fin. Et ses lunettes sont offertes. Ouais. Est-ce que vous voulez des news? Est-ce que vous voulez des news sur la Nintendo Switch 2? Est-ce que ça vous intéresse? Vous voulez des news sur la Nintendo Switch 2? Des news d'insider? Moi, si j'ai des insiders, des gens de l'industrie. Est-ce que vous voulez des news? Vous voulez des news? Moi, je veux la version. Ah là, là. Le problème de la PlayStation benzène, c'est qu'elle est dangereuse. Elle peut exploser. C'est que le benzène, quand ça monte en pression, les bouteilles peuvent exploser. Hein. T'as jamais vu les transports de train là, quand il y a trop de pression dans le wagon qui se rétracte sur eux-mêmes. T'as le wagon, il est grand, mais d'un seul coup, il fait « Ouais !» Comme ça. Vas-y, fais péter quoi? Les news de la Nintendo Switch 2? Bah, la Nintendo Switch 2, quand je vous avais dit qu'ils étaient en train de bosser avec Google, bah, il y a peut-être du vrai. Il y a peut-être du vrai. Il y a même une personne qui en a parlé dernièrement qui a repiqué les infos. On peut pas le nommer, c'est EMB. Il a fait une vidéo, la Nintendo Switch 2 avec du VR. Et c'est pas du VR. Ce sera de la réalité augmentée. Ouais. Ah. Et le pire, c'est que ça va certainement cartonner, parce qu'à chaque fois que Nintendo, ils font un truc qui flop, quand ils le refont, ça marche. Les consoles, maintenant, c'est surcoté. Mais non, c'est pas surcoté, c'est toi qui surcotes ton PC. Ton PC, aujourd'hui, tu joues à des jeux qui sont même pas optimisés pour la qualité de ta machine. Tu veux une version EMB Collector? Bah, je t'ai dit, tu vas le voir. Ils te donnent des news, ils te sortent. Ah bon, putain. J'ai pas envie de parler de lui parce que là, dernièrement, le pauvre, il s'est fait bolosser là, sur X. Parce qu'il a donné la recette d'une pâte à tartiner, le pauvre. Je vous ai dit, c'est plus un cuistot qu'un joueur maintenant. Maintenant, il vous fait des petits beignets, il vous fait des comment faire des crêpes, la mayonnaise aussi. Ouais, la mayonnaise, comment non, faire monter la mayonnaise. Il y a vraiment des gens qui ont besoin d'une vidéo pour faire de la mayonnaise, purée. Bah, pour faire la mayonnaise, ça dépend. Hein. Ouais. Est-ce que tu mets du sel ou pas? Est-ce que tu mets du poivre? Faire de la mayonnaise. Est-ce que tu mets un œuf ou pas? Il y en a qui font pas d'œuf, hein. Ah, moi, j'ai une recette super pour faire de la mayonnaise, c'est que j'écris sur ma petite liste de courses. Et bizarrement, 2-3 jours plus tard, il y en a dans le frigo. Ouais, tu l'achètes. Non, c'est ma copine qui m'en achète.
Ouais, et puis après, il faut essayer de faire un bonus aussi quand ta femme c'est mensuel, hein, parce que là, c'est une bonne chance. Hein. Je vois pas le rapport, mais bon. Bah, ça ne montera pas, tout simplement. De quoi? Bah, la mayonnaise, on montrera pas, elle va Ouais, mais retomber. ça, c'est des idées reçues. C'est comme l'histoire avec les ours et Ah les non, non, serpents. non, non. Tu sais que les femmes, par exemple, une femme qui a ses, c'est pas, qui a ses règles, est interdite de rentrer chez Orval, par exemple, parce que ça peut faire tourner la bière. Comment ils Ah, le font? fromage plutôt. Ils peuvent pas embaucher Le une fromage femme. d'Orval. Non. Ouais, Eh, tu sais, mais ça, c'est véridique. Hein. C'est véridique, ça. Les nuits de pleine lune, les femmes accouchent plus que les nuits normales. C'est parce vrai, qu'il y a hein. plus C'est à cause de l'attraction de la lune. Ouais, Ah, bah ça, la c'est. lune, il y a plein de choses comme ça avec la lune. Ouais, la lune, ouais. Il faut pas planter tes carottes quand c'est lune montante. Il faut les planter quand c'est lune descendante. C'est rien, hein, tous ces trucs-là, c'est vrai. Hein. C'est dans les livres. Dans les livres des vieux. Et c'est que bientôt, c'est la fin du monde. Là, on arrive à la fin du cycle. Voilà. Le monde devient fou. Regardez, c'est la guerre partout. Là, vous avez Trump et l'autre taré là qui veut aller sur Mars. Ils sont main dans la main. Musk. Ah ouais, ça y est, c'est bon, t'inquiète, hein, c'est bon, c'est le prochain président. Il a dit que s'il était élu, il allait faire un truc de ouf. Il allait déclassifier tout ce qui était sur les ovnis. Il va aller au Pentagone, il va prendre tous les dossiers. On va apprendre des trucs de fou. On va apprendre un truc de ouf. On Mais va le apprendre problème, qu'on c'est est. que. Ouais, ça, là, ce qu'on vit, c'est une vie virtuelle. Non, mais le On est dans problème, un. et Comme dans Matrix. Romu, comme le dit dans les lives de DG, en fait, s'il y avait énormément de choses qui étaient cachées, et que le jour où les gens, d'un coup, ils apprendraient que tout ça, que tous les trucs qu'on t'a dit étaient faux, les gens comprendraient plus à rien du tout. Et en fait, ils seraient complètement perdus. Je pense que c'est pas une bonne chose s'il y a des trucs cachés de tout montrer d'un coup. Eh ben. Ah si, ce sera juste Moi, la goutte d'eau qui fera déborder le vase. je vais juste. Je Imagine crois. ça. Et Ça imagine t'arrive, quand. les amis. Imagine quand te, quand, que tu as la preuve que si tu es mort, tu te réincarnes. Alors ça voudrait dire que si tu as une vie de merde, tu te dis, bon bah allez hop, je me suicide, hein, c'est pas grave, je serai dans la prochaine vie. Le problème c'est Ah que non, si. parce que Bah si si. tu te suicides, tu finis en enfer. Hein, ça Ah s'est non mais marqué non mais dans le si, livre. moi je te parle de réincarnation, je te parle pas de. Tu sais, il y a plusieurs choses Ah oui, possibles. bah. Non mais Ceux si qui tu sont enfermés ne savais. sont pas Bah, si tu réincarnés. savais que tu allais revivre sous une autre forme, bah, si ta vie de merde, qu'est-ce que tu fais? Les mecs, ils sont partis dans des débats. Ouais, je crois en la réincarnation, je crois à la planète Non mais Zagzoug. moi là je te donne juste des exemples pour Non, c'est pour parler hein. mais en réalité, la seule chose qui est sûre, c'est qu'en réalité, on vit dans un monde matrixé. Voilà, c'est la matrice. Voilà, Imagine, tu te on prend des réincarnes pilules. en mouche à merde. Ouais. Et en plus, tu sais quoi, tu vas butiner la grosse bouse qui vient de sortir du fion de la vache. Mais c'est bien Quel parce que vu malheur. qu'il Et n'y a plus tu d'abeilles, il roules faut bien que quelqu'un butine quelque chose. devant Benzen. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est possible que Benzen veut se réincarner en Batman. Ah ouais. C'est possible. C'est le Batman Mais Beyond. en modèle homme ou en modèle femme? Faudrait lui poser la question. Est-ce qu'on fait un hashtag Batman? Batman ou Batgirl? Hashtag. C'est marrant Bah, ça. elle peut pas être Allez-y sur. Batgirl, elle aurait pas la Batmobile. Non, mais elle s'en fout, elle veut peut-être le Bat God. Non. Tu vois ce que je Oh veux dire? là, oh là là, oh. Ah! Ça, j'ai dérapé, c'est pas. J'ai le droit à un carton rouge ce soir, Mais je me mets. c'est pour ça que Julien il veut le mode easy, c'est pas parce qu'il a pas le mode God. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais. Pour ça que ça n'a pas marché. Tu vois, il y a tout qui est en train de prendre forme. Tout s'aligne, les planètes s'alignent. Tout est dit. C'est. Voilà. Et là, on est en train de se casser la tête à débattre sur des sujets. Peut-être que dans 10 minutes, il y aura une bombe qui va nous sauter dessus, on est mort. Moi, si tu peux abréger dans la minute qui suit, moi, ça m'arrange. Comme ça, j'ai pas besoin de regarder le compteur défiler jusqu'à 10. Moi, je vote pour, hein. Moi, je Oh là vote là, pour. quel malheur. Quoi, quel Imagine le malheur. bombe. Mais Tous ceux non! qui ont, tous ceux qui ont commandé la PS5 30e anniversaire, Oh putain, t'imagines, ils ils pourront l'auront pas en même pas. profiter. On n'a pas le temps de la déballer. Oh T'imagines tous putain, les quel mecs qui ont malheur. acheté des jeux, leur compte, il a été explosé, tu sais, avec les ondes, quand t'as une bombe nucléaire et tout ça. Il n'y a que le Mike. démat qui marche. Positif, les gars. Ben non, mec, moi je suis sincère. Moi, si Réaliste. on pouvait arrêter toute cette merde du jour au lendemain, là. Non, et, va voir Poutine, dis-lui qu'il y a Romu, tu lui donnes la valise, lui, il appuie sur le bouton, il cherche même pas à Mais en comprendre. fait, chaque fois, c'est pire Ah, que. moi je serais en train.
Tu sais quoi? Je fais un live, j'ai dit, regardez les gars, ça c'est la valise. Je vais faire exploser la planète. Ouais. C'est pas la valise Incapton des Souza. Tu vois, j'appuie dessus. Et je dis, vous reste 2 minutes, les gars. Profitez-en. 2 minutes à vivre. 2 minutes? Oui, c'est à peu près le temps qu'il faut. Vous faites quoi? Si vous avez plus que 2 minutes. Moi, je fais le décompte. Tu peux même pas jouer, il faut que tu télécharges la mise à jour d'abord. Non, je me fume une dernière clope et je bois un café. Voilà. Et je me branle en direct. Je vous encule tous, bande de pédés. Au moins, si tu gaspilles ces 2 minutes, tu t'en voudras que jusqu'à la fin de ta vie. Quand je te dis, je me branle, voilà, comme ça. Je rigole, toi, je m'en branle les couilles, quoi, tu vois. Pas sexuellement, quand je dis je m'en branle les couilles, c'est voilà, tu vois, je me fous de vos gueules pendant 2 minutes, je rigole comme un gros taré. Vous allez tous y passer. Ouais. Ça peut-être arriver, hein. Hein, et ça, ça... Oh, on s'en fout, nous, on sera sur Mars. Donc. Ouais. Ah, tu seras sur Mars avec Elon Musk, t'aurais pu. Et la PS6 dans les mains. Ah, la PS8. Il y aura peut-être la PS8 là-bas. On est des malades, mais ouais. Écoute, si aujourd'hui on a plus, si on... aujourd'hui on n'a plus le droit de rire. Déjà, quand tu ouvres la fenêtre, tu regardes dehors, c'est gris, il pleut en ce moment. On t'a dit il y a 15 jours, c'est l'été indien. Et c'est clair. Là, t'as un pull, plus un autre pull, plus un autre pull et un autre t-shirt parce que tu te payes les couilles chez toi. Non, mais c'est parce que les Indiens sont morts, alors c'est comme ça. Ouais, c'est non, ça, mais ouais. La semaine prochaine, ils annoncent 20 degrés en Belgique. Moi, on m'a dit que. À partir de cette semaine-ci. Et ce matin, on m'a dit que c'était le jour le plus chaud de la semaine, alors. J'ai pas le moral, alors. Guiri, là, il est 22h12 chez moi, il fait 14 degrés. C'est pas terrible. Hein. La PS8 sera invisible. Ah, 14 degrés à 22h, on peut dire, alors qu'on est censé être en hiver. Ouais. Ici, il fait 22. Imagine, toi. Ouais, toi, ouais. Bah ouais. Toi, t'es dans le sud. Hein. Ouais, mais bon, 22. Je débarque chez toi, là, chez moi, dans ma chambre. 17, 17, 4. Et le PC, il tourne. C'est grave. Ah, mais enlève le PC quand il est éteint. Mais non, mais la PS5 Pro, elle va nous chauffer. Y a pas de souci. On va enlever le ventilateur. On va enlever direct, tu sais, pour que ça surchauffe. Non, mais c'est pas mal, parce que les mecs, ils auront mis tellement de fric dans les consoles qu'ils pourront plus payer de chauffage, donc du coup, ils vont jouer. Oui, la grosse tempête, c'était soi-disant un ouragan. Après, c'est une tempête tropicale. Maintenant, ça va être une tempête normale. Ouais. Moi, j'ai 25 dans la chambre avec le PC. Mais t'as 25, t'as la chance. Il a 25. Là, j'ai le PC qui est juste au-dessus des thermomètres, alors. Ah bah ouais, ça fausse un peu les données. Hein. Ouais, ah ouais, bah, beaucoup c'est... même. Ouais, la tempête, la gueule de ta tempête. Je comprends pas, moi j'ai 35, mon thermomètre est sur mon feu. Attends, j'ai monté à 35, j'ai allumé la PS3, hein. Et la PS4 en même temps, là j'aurai 40. T'allumes toutes les PS, tu verras quel qui fait plus de bruit. Bon, ben là, je pourrais pas si j'allume plus TPS. Là, j'ai l'Union Européenne qui vont me dire, monsieur, réchauffement climatique. Ça serait marrant que t'as un message comme ça. Ouais. La légende dit que Supercopter se serait inspiré de la PS4. Oh, purée, pas mal. Ouais. Ouais. Hey, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que l'année prochaine, tous les mecs qui ont une PS5 Pro, ils ont un message. Oui, nous sommes en hiver, il n'y a pas beaucoup d'électricité. Nous allons brider votre console en PS5 normale. Non, mais attends, quand ils vont allumer leur PlayStation 5 Pro, que ça va consommer 450 watts en pic, le mec, il va gamer, tu sais, en haut, ils vont intégrer un compteur avec combien tu as consommé d'électricité au prix du courant. Tu as joué 1h30, ça te revient 12 balles. Ouais, ils vont mettre un compteur liquide. Le mec, il va débrancher sa PS5, il va allumer sa Super Nintendo, il va dire au moins ça consomme que dalle, je peux jouer des heures. Ouais. Bah sinon, t'as vu là, pour faire une aparté vite fait, t'as vu la nouvelle dinguerie de l'Union Européenne? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bah ils veulent empêcher des voitures, enfin ceux qui ont des collections de voitures, de les réparer. Donc si t'as une bagnole de collection, bah tu pourras pas les réparer. Non, mais c'est incroyable. Ah ouais, en quel honneur. C'est... Bah parce que c'est comment est-ce qu'ils ont dit ça? Ce ne sera plus la voiture d'origine, ce serait une voiture, pas une voiture, une ancienne voiture, mais qui ne sera plus, comment dire, qu'on n'aura plus des pièces d'origine parce que tu la répares à chaque fois, donc ils veulent l'interdire, ça. Ils sont un peu à la masse, hein. Ils n'ont pas compris le système de faire les pièces à la chaîne. Hein. Bientôt, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont te mettre dans ton cul, ils vont te mettre un filtre, parce que quand tu pètes, tu pollues la planète. Ouais. Même dans le cul des vaches, hein, ils vont mettre un filtre, ils vont visser dans le fion de la vache, et quand la vache va péter, ça va faire...
Bah, il y avait un Vas-y. Anglais qui a été payé pour ça. Oui, Pour ça avait été analyser fait. une paie Hein. des vaches, et il a dit si toutes les vaches du monde entier pètent en même temps, il n'y a plus de couche d'ozone. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a une certaine Ah, mais partie bientôt, il y aura. du Bientôt, de toute façon, il pourcentage n'y de la aura plus de vaches. pollution qui est due à ça. Non, mais il y aura plus de vaches bientôt. Parce que pour 1 kg de viande, il faut 100 litres d'eau. Et comme il y a moins en moins d'eau, ils ont décidé d'arrêter les élevages. Bientôt, on va manger des farines D'asticots. d'insectes. Ça arrive. Mais tu Bientôt, tu sais, et mangeras en des Alsace, BL avec en de la Alsace, t'as farine. deux boulangeries qui font du pain avec de la farine là, de trucs de verre de farine là. Ouais, de la Ouais, les farine vers de de culture, là. ouais, purée, non Non, mais moi je vais pas c'est là-dedans. comment ça s'appelle? Du verre, c'est pas des verres, c'est des. Comment t'appelles ça? Bah, je sais pas, C'est des trucs blancs, là, c'est c'est des des asticots, hein, asticots c'est. blancs. C'est des vers Ah, de lune. Ils appellent ça des vers de lune. Avec des Mais tu petites sais pattes, c'est. que y a un reportage qui avait été fait, en fait, dans certains aliments, par exemple la sauce tomate, tu as toujours un petit pourcentage de ces asticots qui sont dedans, par exemple. Donc en fait, on en a tous mangé à un moment ou à un autre. Oh, bah écoute, hein, moi j'étais à la pêche, ça m'arrivait d'en manger. Oh, pas de goût, aucun goût. Tu crottes la tête, t'enlèves la tête avec les petits yeux, là, tu vois. Tu le vides et tu le manges. Aucun goût. Ça a aucun goût. T'as jamais mangé des scorpions ou des trucs comme ça. T'as Peut-être jamais pas essayé les les spécialités. Asiatiques qui te mettent ça dans une petite gelée, tu sais, ça te fait un bonbon, un bonbon, je sais pas, aux asticots. Ouais, c'est ça, ils vont t'implanter dans la PlayStation 6 un lecteur de cartes. De carte Et tu seras bleue. obligé de payer. Et ouais, lecteur carte bleue. Ah putain. Carte bleue. Non, sans contact, avec ton téléphone. Arrive, tu poses le téléphone dessus, tu luttes. Mais T'as c'est mis bien, avec le 5 sans heures de contact, t'as même pas besoin de te lever, tu vois. Ça c'est ah, bien. t'as même plus besoin de t'emmerder. Ouais, et le CD, tu le mets où hein? N'y a plus de Dans CD. l'araignée fesse? Mais non, mais Dans enlève le l'araignée fesse? CD. Ça sera du CD, tout est en démat. démat. Et en plus, il ne sera même pas stocké sur ta console, tout sera stocké dans le cloud. Ben ouais, donc. Mais c'est qui ce Claude là? Parce C'est le que nuage, Claude. l'autre fois, il y a un mec qui m'a dit, tes photos, ils sont dans le Claude. Attends que je le chope celui-là. Et après, tu as eu Madame Claude, mais elle, c'était pas dans le même business qu'elle travaillait. Hein. Ah, non. Le lecteur de QR code. Mais non, ce sera pas du QR code, ce sera avec une puce NFC. Ben non, ça sera Ton avec la téléphone, rétine. le sans contact, c'est une puce NFC hein, qui c'est dans ton téléphone, c'est le truc sans contact, c'est la puce là. Tu passes, ça fait bip, mais c'est bon. Et après, quand tu sais, tu devras Et quand acheter un. le mec, il est à côté avec son téléphone, il est en train de capter, toi t'arrives, tu sais, tu prends ton téléphone, tu mets devant la borne, ça fait tulut. C'est bon. Mec, il a scanné ton code et il peut aller faire les courses et il fait tulut, 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 tulut. Et toi, ton compte bancaire, après, il fait la gueule. Ou tous les mecs qui ont une carte bleue dans le portefeuille, comme ça, puis le mec qui passe avec le scanner, il scanne toutes les cartes bleues, avec les puces, sans contact, il scanne toutes les cartes. Il sort, il met ça dans son ordinateur, il fait check. Après, il fait les cartes, il arrive, pip, 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 pip. Et après, Ah, tu mais on y reçois. arrive. Hein. Mais ils avaient fait, hein, une expérience dans le On y arrive. métro. Dans le La métro puce, parisien, ils veulent ils avaient. t'implanter. Il y avait un mec comme ça, il avait un lecteur, et en fait, il arrivait à prendre les informations d'une personne sur 10. Que j'étais en train de dire. Ça va être génial, non, mais. Non, mais t'inquiète, bientôt, de toute façon, tu n'auras plus d'argent liquide. Ils vont te mettre la monnaie machin, la monnaie Mais ça, a dématérialisée. priori, ils l'ont retardé un petit peu en France pour l'instant. Mmh, on Oui, va être tous pucés. Et comme voilà. ça, en haut, quand ils appuieront sur le bouton, ils désactiveront tout le monde. Eh, c'est clair. Ah, ça va Imagine une puce dans le cerveau comme ça, tu vois. Ben, T'en dis pas ça en train rigolant. de... C'est comme la Suicide Squad, quoi. En train de faire un live, tu dis, ouais, Macron, c'est un con. Et là, t'as le robot Voilà, qui allez, boum. Paf, ton cerveau qui pète. Et t'es Ah, mais là. ça c'est quand on dit la Ça va arriver, vérité, hein. ça porte préjudice. La Franchement, puce les gens. dans le cerveau, ça existe déjà. C'est Elon Musk qui l'a inventé. Ils ont fait le premier implant sur un mec qui avait la maladie de Parkinson. Et pour l'instant, ça lui a permis de réduire ses tremblements à peu près de 30, de 40%. Ça, je te dis, on va y arriver. Oh, on va y arriver, ouais. On va y arriver. Et tu Ah, mais seras commandé, je dis. bientôt, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Augmentation de l'électricité, augmentation du gaz, la bouffe, on dit, ah, Ah c'est ben bon, oui. l'inflation, elle descend. L'inflation, elle descend, ouais. Mais les prix, ils descendent pas, ils continuent à monter. Hein. Parce qu'en Ah ben fait, chez moi, non ils mais ont. il y a un économiste, il a expliqué que le fait que l'inflation diminue,
Ça veut pas dire que les prix descendent, ça veut dire qu'ils augmentent moins. Moins vite. Ouais, tu vois, donc tu vois, les gens, à chaque fois quand ils s'expriment, ils te disent des choses qui sont pas vraies. Ah, je comprends Oh, pas, c'est les pas prix grave. descendent pas. Mais non, c'est une inflation. Non, mais c'est pas grave. Et puis pour l'année prochaine, après la variante du singe, tu auras la variante du gogol. Ouais, ou du pangolin. Salut! Ouais, le pangolin, il va revenir. Il va fourniquer avec la chauve-souris, avec le Gogolton, et après, ça va faire un nouveau variant. Ce sera le variant X. Le Voilà. variant. On va tous se transformer comme dans Resident Evil. On sera tous des zombies. C'est Et on fera. excellent. Puis tu auras l'autre qui nous tirera des balles dans la tête. Et ce sera Resident Evil 9. Bravo! Resident Evil 9. Tu vois, il faut faire comme chez moi, le carrefour de chez moi, ils ont refait tout le carrefour là, ils ont fait les pavés et tout. Les prix ont augmenté au moins 10%, facile. Et les caddies, ils ont réduit, ils sont plus petits qu'avant. Comme ça, quand t'as l'impression que tu fais des courses, ah ben regarde, pour 50 balles, j'ai un caddie plat. Oui, bien sûr que le caddie est 2 fois plus petit qu'avant, quoi. Ah ouais, toi, t'as le caddie enfant en fait. Ouais. C'est excellent. En France, ça dépend, il y a des trucs qui sont moins chers, mais je crois que c'est les légumes qui sont moins chers, tout ça. Et la viande aussi. C'est moins cher en France qu'en Belgique. Ah, Et t'as vu ça où, mon le petit pays de la Pixel? taxe. Ah bah ouais, Un ils vont système mettre la hybride. TVA plus chère. T'as vu? Hybride, ils parlent de hybride. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Mi-liquide et autre chose? Parler de quoi là, hybride? De la Bah, PS5. il paraîtrait que la PS5 Pro, elle a plus de métal liquide. Un système hybride. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là? En fait, le système, il est bridé, en fait. Bah, ce sera peut-être un refroidissement, une partie en refroidissement par air et l'autre partie ben, avec autre chose, mais quoi? Ouais, mais le système Peut-être. Hein. du métal liquide, c'est que ça dissipait genre 6 fois plus de chaleur. Donc, s'ils ont Ah pas ben oui. plus de place, et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils mettront, après de mettre le métal liquide, ils mettront de l'eau, quoi. Ouais. Non, mais Bah, c'est pour ça. il doit Non, avoir. mais c'est pour ça que moi j'avais cru comprendre que c'était légèrement plus petit les soudures. Donc, Non, c'est du water cooling. C'est un water cooling. water cooling. Ah, ça, c'est Pas un pas. truc hybride. C'est bizarre parce qu'ils n'en ont pas parlé de ça. Et pourtant, c'est un bon argument. Si, c'est du water cooling. Mais moi, je mets la console dans le frigo, ça, c'est facile. Ouais, tu mets la console. Oh, bah Bah, il y en a un sur Facebook, là, il a dit, je suis parti ce matin, ma console, elle dormait. Et je suis rentré ce soir, elle dort toujours, il a mis la console dans la baignoire avec un 30 cm d'eau. Ah bon, là, ça oui, bah marche un oui, peu bah oui, moins, bah hein. oui. Vous voulez voir ma dernière acquisition? Vas-y, fais Est-ce que péter. vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir? Attends, on va faire un sondage. On va faire un sondage. On va poser la question aux gens. Ah. Oh, j'ai tombé et je vais regarder la photo. J'ai un doute sur ce que c'est. Quoi? J'ai un doute sur ce que c'est. Un parles doute? de quoi? Ouais. Est-ce que c'est en deux parties? Comment ça en deux parties? Est-ce que c'est la dernière acquisition? Est-ce que. Ah, mais moi je sais, moi j'ai entendu quand tu Est-ce étais. que c'est cette console est en deux parties? Est-ce que les éléments s'emboîtent l'un dans l'autre? Non, c'est pas un méga CD1, c'est ce que tu Ah crois. merde, ah merde, non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il y a eu une vidéo sur ma chaîne qu'il y a un méga CD qui arrive, parce que à 500 euros, j'achète pas. Bah alors. Et est-ce qu'il y a une sortie HDMI? Non. Non. Ah. Une partie composite. Est-ce que c'est japonais? Oui. Est-ce que ça vient de là-bas? Non. Est-ce que ça lit des CD? Oui. Est-ce que c'est deux fois plus rapide que. Est-ce que c'est deux fois plus rapide que la Neo Geo CD classique? Même beaucoup plus. Est-ce que c'est une Neo Geo? Alors le problème est réglé. Il y en a un dans le chat, il a trouvé. Ah! Saturne. Bah allez, bah, je te la montre. Une 3DO? Non. Oh, c'est une Saturne. Je te la montre. C'est une Saturne hybride. Salut, salut Benoît. Ah, mais là, ça, il a Ça déjà la Saturne. abuse de Saturne. Oui, mais c'est spécial, là. C'est un mélange de Saturne et de Dreamcast. Alors, en réalité, la photo que tu vois, il manque quelque chose en dessous.
T'as marqué Sega Saturn, mais en dessous, t'as encore autre chose. Ah. Sega Saturn. Effectivement, c'est bien une Saturn. Et il y a dessus. Je Ah. vais t'aider. Je vais t'aider. Ce Sachi? personnage est dans Les Feux de l'amour. Les feux de l'amour. Ouais, il sortait avec Nikki au début. Oh alors là, Il y a un peu comme ça Victoire. m'aide pas beaucoup, hein, moi. Oh là là, ouais, Est-ce que ça. tu as le nom de l'acteur? C'est Human. Je te donne son nom. Je te donne pas son prénom. Ah, Son purée. nom de famille, c'est Human. Ouais, bah c'est Victor. Victor! Victor! Voilà, il a Victor! trouvé. C'est Victor. Une Sega Saturn Victor. Pourquoi Victor? C'est une série spéciale. La Victor. Victoire! Ouais, bon. Combien, Romu, t'as acheté ça? À votre avis, combien je l'ai payé? Je dirais dans les 250 balles. Mais tu es malade, toi. Non? Mais tu es taré dans ta tête. T'as fumé la C'est Ganja, toi. une série spéciale. Mais tu es taré. Mais tu es un taré, mec. 200 balles une console? Mais tu es fou. Comme Combien? moi, je 50? redis 250. Mais tu es C'est taré. la Victory Gold. Ouais, je crois. C'est Google. Mais t'es un fou dans ta tête. Ouais, me dis pas 250 500 balles. Mais t'es malade. Ouais. Tu veux savoir le prix? Ouais. Je vais te montrer le prix. Tu vas péter un câble. T'es prêt? Comment on fait des affaires? Bah, tu fais des affaires comme ça. Ah, il y en a un qui dit 220. Mais vous êtes tarés, les mecs. 220 euros. Allez, Oh, accrochez-vous, je pourtant. vous mets le prix. Attention. Ah, vous avez le prix. Vous voulez que je vous l'agrandisse? Vous ne voyez pas? Non. Bon, il y a Voilà. le décalage, de toute façon. Voilà. Il en voulait 59, je lui ai proposé 48. Il a dit oui! 48 balles. 50 balles. 50 balles. 50 balles. 48! Ça fait 56 avec les frais d'envoi. Bah, dis donc. Quoi? Business, mec. Chapeau, hein, parce que moi bon, j'étais parti ici sur Acheté. le prix que je t'avais dit, parce que T'as moi, dans les acheté une. 60, 170 balles, là, En celle que plus, j'avais et achetée, la en PAL. plus, c'est un modèle spécial parce que c'est pas, c'est un modèle V01. Un modèle spécial parce que le BIOS dessus, il est soudé en transversin. Que sur certaines, il est juste posé. Ensuite, je me suis trouvé une petite machine. Petite machine. Je vais vous montrer une console très très rare. Très 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 rare. Et je l'ai payée 70 euros. Elle vient du Japon. Elle aussi. En boîte. Non, ça là vient pas du Japon, ça là vient de l'est de la du sud de la France. Pas très loin de chez toi. Ah ouais, ça va. Donc, vous allez voir une console qui vient du Japon. Ensuite, vous allez voir arriver un truc, vous allez être surpris. Allez voir un truc jamais vu nulle part. Vu nulle part, comment ça? Vous verrez, vous allez halluciner. Pour information, si ça intéresse des gens, contactez-moi là, dépêchez-vous, j'ai des consoles analogues à vendre. J'ai deux Super MT et j'ai deux Mega SG à vendre. Toutes neuves dans le blister. Pas cher! 500 balles pièce. Le prix est ferme et non négociable. Alors, les Super NT sont noirs et les Mega Drive sont version européenne. Alors, dépêchez-vous, parce que ça se vend comme des petits pains. T'as trouvé ça où? J'ai acheté ça en Russie. En Russie, j'ai acheté les consoles. Voilà, dépêchez-vous, 500 balles, ça vous intéresse. Elles sont toutes neuves. Même pas dépistées. 500. C'est la Poutine Game que j'ai acheté. Voilà, c'est la Grave. Poutine Game. En réalité, c'est des consoles Mister FPGA avec à l'intérieur la valise diplomatique pour appuyer sur le bouton pour que ça explose.
Donc, quand tu branches ta console et que tu mets une cartouche et que tu allumes, tu as la possibilité de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Vas-tu prendre ce risque? Il y aura à l'intérieur, bien sûr, un papier warning. Attention, cette machine a été développée avec la technologie russe des anciens missiles atomiques. Non, je plaisante, j'ai pas de console analogue, les gars. Non, parce qu'il y en a tout à l'heure qui m'a posé la question. Romu, tu sais bien la supériorité. Mais non, achetez pas les consoles. Attendez la fin du monde, c'est pour bientôt. Économisez, hein, pour payer vos factures d'électricité. Ouais, mais si après sa fin du monde, t'as plus besoin d'économiser, t'es mort. Non, mais faut économiser un peu pour payer tes factures. Faut Ils pas vont te laisser encore un an, tu vois. Bah, je sais pas. En plus, c'est la catastrophe où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de bouffe. Moi, j'hésite de prendre l'avion, tu vois, et de me barrer, à Las Vegas, claquer mon PEL, mon plan d'épargne logement, tu vois, en une soirée ou deux, tu vois. Jouer 10 ou 12 heures d'affilée, tu vois, devant le truc. T'imagines, après, tu gagnes, tu deviens millionnaire. Oh, la blague. Alors là, je suis encore plus dans la merde. Putain, j'ai des ronds, maintenant, c'est la fin du monde. Tu verras, t'auras beaucoup d'amis. Je vais aller voir, si je vais au stage, j'irai voir Elon Musk, je dirai, tiens, j'ai 3 millions, j'ai 5 millions de dollars, tu m'envoies sur Mars. Il dit, ah non, il manque des zéros, c'est 50 milliards. Hein? Ah bah, pour aller sur Mars, c'est 50 milliards. Non, mais ça serait bien qu'il s'occupe de la Terre au lieu d'aller ailleurs, quoi. Ça. Ah non, mais Elon Musk, il rêve d'aller sur Mars. Ouais. Il croit que sur Mars, il y a des martiennes. Mais tu sais que dans les nouvelles études qu'ils ont fait, soi-disant, on est originaire de Mars. Ah oui. À mon avis, lui, il veut retourner à la maison. Ah. Tu sais, en ce moment, je regarde plein de trucs. Il y a des trucs, mais complètement claqués au sol. Ah ouais, non, mais c'est le festival en ce moment. Ouais, c'est le festival, c'est le festival. Ouais. C'est pour ça que quand je dis le monde devient fou, le monde, il est fou. Ah, il y a des mecs qui sont complètement fous. Ils achètent les jeux, ils les laissent sous blister. Et hume le plastique. Non, mais quand tu réfléchis... Tu sais, quand j'ai vu la vidéo là cet après-midi là sur le youtubeur qui fait les grosses vidéos là par rapport à l'histoire du piratage, on a accès à tellement de jeux avec un simple PC. Il y a des mecs qui se sont cassés la tête pour hacker les consoles, pour améliorer les émulateurs, pour télécharger les BIOS et tout le bins. Pourquoi est-ce qu'on achète sans arrêt? Non, mais ce qui m'a fait rire, c'est l'hypocrisie qu'ils montrent dans cette vidéo. C'est-à-dire... T'avais Sony et Nintendo qui faisaient la guerre aux émulateurs à Blim. Blim. C'est Sony qui a fait fermer Blim. T'as Nintendo après qu'ils ont attaqué. Et quelques temps après, sur leur machine. Regardez, vous avez le virtuel, mes couilles, vous pouvez jouer avec des vieux jeux. Mais tu vois, moi depuis que ça a fuité, qu'il y aura des versions améliorées, des jeux suite sur la suite jeu, moi je suis sûr qu'il y aura du code source de Yuzu là-dedans, sur la suite. C'est possible. Ils vont faire une application. Comme ça sera à part de la console de base. Ah, du upscaling en DLSS. Mais non, mais c'est quand même hallucinant que les mecs, ils font des émulateurs qui améliorent les jeux et que quand t'as les constructeurs, ah non, on n'arrive pas à faire de la 4K, non, non. C'est pas qu'ils n'arrivent pas, c'est que c'est la machine qui est techniquement pas capable. Ben ouais. Nintendo, ils sont trop forts. Mais Nintendo, ils ont qu'à faire des PC. Et voilà, Sony fait un PC, un vrai PC. Mais non, t'as déjà Steam là qui se lance. Ils vont sortir une Steam Deck spécial PC. Avec un Ryzen 9, carte graphique intégrée, 2 Tera de stockage. Et c'est quoi, c'est encore les consoles portables là? $650. J'ai entendu ça. $650. C'est-à-dire que le ce serait un espèce de mini PC à 650 balles, il serait plus puissant que la PlayStation 5 Pro. Excellent. Alors là, tu vois, ce serait le plus beau pied de nez qu'il pourrait faire Steam. Après le Steam Deck, ils te sortent la Valve, le PC, tu vois, la box Valve, le PC Steam. Et là, t'es mort de rire. T'as Sony qui est en train de chouiner. Ah bah, écoutez les gars, fallait vous réveiller. Ouais, mais nous, notre processeur, il date de 2018. Ouais, bah nous, on s'en fout. Nous, on a pris le dernier de chez AMD. Et en plus, AMD, ils sont contents, ça finit les stocks. Ce serait marrant, ce serait beau.
Non, mais c'est pas la première fois qu'il y a des trucs comme ça. Bah, t'auras peut-être Steam qui dira à Sony, tu veux mettre ton store dessus? Pas de problème. Bientôt, T'imagines? on aura la possibilité de jouer partout, avec toutes les consoles, tous les jeux, et on sera toujours pas content. On sera toujours en train de chouiner. Ouais, regardez, le jeu, il y a du popping, il y a du clipping. Oh, il n'est pas en 60 FPS, pourtant je suis sur une PS5 Pro. Ah, sur PS6, il sera en 56 images, ça va. 56 images. Non, mais moi je pense qu'ils laissent de la marge, tu sais, comme ça, ils pourront sortir le remaster du remaster, et là, tu pourras vraiment avoir 60 images par seconde. Les mecs, en fait, ils vendent les jeux en deux fois, tu vois. Ah non, plus que ça, mec. Même pour la même plus. Non, Tu regardes le celui avec la nana avec son arc là. Il Horizon. est sorti sur PS4. Après, il est sorti sur PS5 compatible machin. Et maintenant, ils te ressortent le Eric. remasterisé. Yo. Après, ils te font le Salut, 2. Eric. Salut Eric. Non, mais c'est génial. Moi, je pense que les jeux, on va Salut les Eric. avoir à vie Je maintenant. voulais passer sur le Discord. Bah, tu peux venir. Hein. Viens, la Panthère Nautilus, c'est open bar. Tu viens, tu fais un coucou sur le général, dans discussion générale, et on te prend. Est-ce que c'est pas une façon de tuer le rétro, de ressortir sans cesse les mêmes jeux? Sais pas. C'est de la nostalgie. Bah non, mais s'il ressort GTA sur, je sais pas, une quatrième fois, il ressort GTA, bah il sera jamais considéré comme un vieux jeu. Ah. C'est magnifique quand même de ressortir les jeux. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des nouveaux, ils nous ressortent les mêmes en mieux. C'est le manque de créativité surtout. C'est ça qui manque. Le Bah en manque fait, d'innovation et de créativité. ce qui devrait Merde, on manquer, c'est tourne en d'argent pour rond. racheter les jeux, encore une fois. Il le ferait peut-être Bah, pas. c'est partout pareil. Même dans le cinéma, on a fait le tour de Ah oui. l'Afrique et puis Ah les jeux bah vidéo, c'est ouais. pareil. Non mais c'est ça, on est coincé. Alors qu'est-ce qu'on a? On va devoir faire avec pendant des années et toujours être en train de pleurnicher, nanani, nana, alors qu'il n'y aura rien qui va changer. Normalement, là, tu vois, tu vois, on est radio libre. Ouais, mais s'il va sur le restream, faut pas aller. Ah, pas, il est pas sur le stream. D'accord. Montre-nous tout, tout quoi? Tu veux voir quoi? Ta console? Tu l'as pas vu? Bah non, j'ai voté. Hein? Il y avait un vote. Vous voulez voir ma console? J'ai dit oui. T'étais pas là? Bizarre, je l'ai montré. Ouais, il a montré, c'est une T'as sature. pas fermé le moteur. Montre-lui surtout le prix. Oui, laissez le prix, je vais montrer. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Il a vu en plus la console, c'est lui qui m'a montré l'annonce. Ah, d'accord. Ah, voilà, on partage les bons coups, hein. Ah, j'ai dû Ah la mettre normalement dans le bon oui, coup. Et voilà, on dit pas ça aux potes, Non. sympa, hein. Ah non, c'est pas celle-là que j'ai mis. C'est une GameCube que j'ai mis sur le bon coup. T'as mis une Ah, GameCube. j'ai commandé une. Ouais, la photo que tu m'as envoyée. Bah, Alors, dans le j'ai coin pas. des spéculateurs, il y en a une. J'ai pas compris ton histoire de la GameCube. Tu m'as dit, j'ai essayé un truc, j'ai vu une GameCube noire. Tu as Oui. pimpé ta GameCube qui était orange, tu as mis la coque noire? Non, la tienne. Quoi, la mienne? Mais celle qui était que j'ai gardée. Ça y est, il est Ah, qui 40 t'a balles, ouais, ça va, on lose. Celle que je t'ai gardée? Dis tout le monde. Celle où j'ai changé la coque. Ta GameCube. Ah, nouvel arrivant. Comment Ah, ça, salut, t'as Tilus. Salut Nocil. Bonsoir tout le monde, plutôt. Salut. Ouais, bonsoir. Ça va, t'entends? On t'entend, ouais. Salut, Bah, salut. yo, salut. La console que j'ai vendue à S, là, j'avais acheté 60 balles en boîte à l'époque. Non, mais t'as vu la gueule de ta GameCube, toi, 40 balles. T'es fou. T'as vu l'état qu'elle est. Bah, il dit en très bon état, le gars, donc moi je le crois. Hein. Ah oui. Ouais, mais t'es sérieux, la console, il dirait qu'il s'est. Ah, il a passé Pourquoi la pas machine à GameCube? laver, la console. GameCube en très bon état, câble d'origine et carte mémoire sans manette, 50 balles, à 40 euros. 40 J'en ai euros, c'est acheté pas une à cher. 20 balles, j'ai acheté 20 balles la même ou 30 balles. C'est la tienne, console, que j'ai pimp, celle que j'ai modifiée. Comment ça? La photo que tu m'as envoyée, c'est Alors la je mienne. vois le Oui. titre, c'est Le monde devient fou. Ouais, est-ce que le monde devient fou pour toi? Le monde est déjà en folie depuis un mot.
Non, mais j'ai l'impression que ça s'est accéléré là. Ben, ça va pas ralentir, c'est Mais clair. Non, mais là, ça devient ouf là, mec. Bah après, on est quoi dans le contexte quand même jeu vidéo ou... Ouais, pour Moi, je prends l'instant. exemple, moi qui viens d'arriver sur PC, ça va faire ma deuxième année. Ouais. Mais c'est... Je veux plus voir une console. La photo que tu m'as envoyée, c'est pas la console chinoise, ça. Celle que je t'ai envoyée, c'est ta console à toi d'origine où j'ai changé la coque. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Oui, c'est le CRS de la coque d'avant, ça. Voilà, c'est la coque d'avant. Bah, ça va, elle est pas si éclatée que ça. Voilà, quelques rayures. Avec un bon coup de papier de verre, c'est bon, c'est reparti comme en 14. Yes. En grain 80. Vas-y, ponce là. Et après, tu l'as pas en jaune fluo. Ah, je te l'ai envoyé. T'as envoyé? Ben oui, je te l'ai Mais renvoyé. il y a un problème parce que tu mets 3,5 kg. Oui. Moi, j'avais mis plus que ça, j'avais mis 8 kilos, je crois. Ou 7 kilos. Bon, bah, c'est bon, T'avais mis 4 kilos de saucisson et du coup c'est pour ça. garde la différence des sous comme ça, Tu c'est rajoutes tout. un peu de sable. Ouais. Tiens, Eric, je t'ai envoyé ce que j'ai commandé sur l'Express pour la PS2. 2 €. C'est pas cher. Ouais, on parle de business, là, on est désolé, les gars, on est sortis du sujet. C'est quoi cette merde? C'est un prix Spiritel pour remettre la console sur la bah, sur en Péritel parce que j'ai plus de cap Péritel comme ça. Une Péritel sur la PlayStation 2? Il n'y a Bah pas de Péritel. oui, parce qu'il faut parce qu'il y a De une Péritel. base, c'est du RCA sur la PS2. Oui, ben bah, moi il me faut l'adaptateur Péritel pour pouvoir la rebrancher sur Mais mon mon tu pourras convertisseur pas. Parce qu'elle est Péritel pas rentrée HDMI. en HDMI. Mais Pourra pas. tu vas être en composite. Tu Bah pourras oui, pas. mais de là, moi, je pourrais avoir l'affichage sur la télé pour la remettre pour que je puisse la faire retourner avec le Il convertisseur. fallait que ta Ah, en PS2 il la YQE. fasse en mode RGB. Mais elle est en RGB, sa PS2. Non, elle n'est pas RGB. Bah si. Non, la PS2 est composite d'origine. Elle fait Bah du non. 200, elle fait du 480i. La PS2, il y a un mode RGB. Mais la PS2 elle est RGB, moi elles sont mes câbles ils sont RGB, je les Ah non, configurais avec le mode RGB. si de base tu passes par les coaxiales, là, les câbles Ah oui, les jaunes, machin et coaxiales, tout, oui. c'est pas du RGB, c'est du coaxial. Oui, c'est du C'est pour ça que ben, parce que. dans ton menu de merde, dites-moi, tu veux la mettre en quoi? Non, Mais mais. tu Parce que avais des moi, Péritel à l'époque, si j'ai toi, il demandé à faut que tu la Paris. mettes en YQB. C'est ça que tu voulais Ouais. faire. Pour pouvoir la mettre en Ben, oui. YQB, t'as acheté ce machin-là pour pouvoir la. D'accord. Parce que là, j'ai un convertisseur, tu sais, c'est un convertisseur Péritel qui repart vers HDMI. Alors, en mettant comme ça, ben, je vais pouvoir faire le changement. Parce que sinon, j'ai pas d'affichage. Parce que sur ma télé derrière, j'ai plus les câbles. Ah, Les branchements. si tu me la payes, la Navi Saturn, si tu me la payes, vas-y, fais-toi plaisir. Paye-la moi. C'est un billet de 1000 balles. Il y en a sur eBay, 1000 balles. Fais-moi un don de 1000 euros et je l'achète. Je t'en ferai le unboxing. Donne-moi 1800 euros, je te fais le unboxing d'une PS5 30e anniversaire. Et après, je la mets en vente sur la chaîne ou je te l'envoie. Donne-moi 1800 euros. Ça sort de ta poche, pas de la mienne. Et Eh si t'es ouais, c'est grand ça. prince, tu me fais 3K. Non, allez, si t'es grand prince, fais un don de 10K à Romu. Comme ça me paye mes consoles que je veux m'acheter, plus un jeu, plus mon Surround que je veux acheter. Voilà. Un Surround, c'est 5005. Je te ferai des petites vidéos dans la forêt. Je pourrais même m'acheter une GoPro. Finance. On voit le pognon. Pas de problème. J'ai une question, Romu. Oui. En y réfléchissant, Je t'écoute. ça fait depuis combien de temps qu'on achète des jeux qui n'ont pas été créés, c'est-à-dire les précommandes? Bonne question. Parce que je constate qu'on me donne des chiffres et le jeu il est même pas sorti. Ben c'est normal. Et en plus, tu n'auras que les versions des maths. Et les collectors, il n'y a que les codes de téléchargement maintenant dans les packs collector. Et maintenant, il y a même Il y a des une autre jeux, il y a question même des là à ce moment-là. collectors. Attends, si c'est pas des maths, comment on précommande? Bah, quand tu précommandes, c'est que c'est pas encore pressé. Il faut attendre. Après, tu reçois ta galette. De toute Mais quoi, façon, même les les collecteurs de magasins, ils le font? maintenant. C'est une réservation, quoi, en fait. Bah oui, parce Réserve, que oui. moi quand j'ai acheté le DBZ, c'est écrit précommandé. Hein.
Ah, t'as précommandé? Moi, je l'ai T'as pas. précommandé, mais t'as précommandé quand? Parce que le jeu, il finit quand, en fait? Bah là, il sort le 10 ou le 11, mais je crois qu'il y a Non, même. le 11. Il n'y a Le pas un 11. accès anticipé de 3 jours? Livraison prévue Dragon Ball Z le 14 octobre, ma poule. Waouh, moi c'est le 11. Moi, j'étais habitué que les précommandes, c'était des démos. C'est-à-dire, t'avais la démo qui Non, allait non. sortir. Non, Et non. après, t'avais le jeu et tu. Ah Non, non, mais non. c'est terminé ça maintenant. Non, 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 non. Il y en a encore des jeux, il y en a encore des démos sur la Nintendo Switch. Tu peux télécharger des démos avant d'acheter le jeu. Même sur Xbox. Non, sur Xbox, il n'y en a pas de démos. Sous Quoique si. PlayStation, il y en a aussi, hein. Ouais, il y en a quelques-uns comme ça de temps en temps de Et démos pourtant, comme les ça. démos, elles n'étaient pas gratuites, puisqu'elles Si, étaient si. vendues avec le magazine qui était Non, non, dedans. non. Les démos, ça a toujours été gratos normalement, les démos, gros. Ah, c'est Les le démos, c'est principe que. même de la démo, c'est ça, d'être gratuit. Bah, moi, je trouve que ça rend fou de faire des précommandes, les gars. Ça rend malade d'acheter un jeu en attente que c'est même pas sorti. Et puis, ce qu'on t'a vendu, ce que tu as regardé sur la publicité, à la fin, quand tu as la machine, tu as le produit dans les mains, bah, Ouais, mais faut pas oublier que quand tu fais on des s'excuse avec des précommandes, mises à jour. des fois tu as des petits goodies en plus ou un personnage en plus, hein. Et tu l'as payé combien ton Dragon Ball Z Sparking Zero sur ta Xbox? Moi, je l'ai payé 60. Tu l'as acheté où? Bah, Leclerc, c'est bah, généralement ils garantissent le prix le plus bas. 60? Ouais. C'est bizarre, sur Amazon, il est à 63. Après, toi, t'as peut-être l'envoi qui est inclus. Ah non, non, moi j'ai le Prime, donc l'envoi, je le paye pas. Ouais, parce que moi, je vais le chercher quand même. Non, mais il y a des fois, ça arrive, ça. Tu sais, t'as le jeu, il a 63 balles, et le jour de l'envoi, ils le mettent à 59,99, ils te Ouais, remboursent la c'est différence. parce qu'en fait, quand ils achètent, je sais pas, 1000 jeux, donc ils ont un prix fixe. Et si jamais ils en vendent 1200, du coup, ils vont en prendre plus, donc il va diminuer un petit peu le prix. C'est Parce pour ça. que moi, je Parce m'en que fous. quand même, là, c'est pas un fruit qu'on vend, tu vois, parce que le fruit, certains objets, on sait ce que c'est. Une bagnole, ok, on sait ce que c'est. Mais là, on a un produit pas sûr de sortir comme il est, comme tu l'as vu. Non, mais de toute façon, il sera sorti bugué, ne t'inquiète pas, c'est comme De d'hab. toute Il sera façon, bugué, il faudra ça fait attendre depuis les jours. plusieurs semaines que les sites professionnels ils le tâtent. Et puis il y a pas mal de gens qui se disent que c'est l'un des plus gros jeux, peut-être même le plus gros jeu DBZ, hein. Ça sera Ben, pas ce un mauvais matin, jeu. j'ai écouté un peu, je me suis fait une cure de Spiking Zero. Ouais. Déjà, première chose que j'ai remarqué, c'est que tout le monde dit Budokai Tenkaichi, c'est ça? Ouais. Or qu'en fait, Oui. Budokai, c'est un programme, Tenkaichi, c'en a un autre. De quoi tu parles? Oui, ils ont fusionné, mais Budokai, c'est un jeu où sur le même écran, on voit les deux personnages. Tenkaichi, c'est un programme où tu vois un seul personnage. Je sais pas comment expliquer ça. Non, parce que Et il faut un avais deux. tu avais les Budokai et puis après tu as eu les Tenkaichi et le vrai nom en japonais c'était Sparking Zero. Donc en fait ils ont remis le nom de la licence de base, tu vois. Ok. Eh Donc en fait ben, bon, c'est on va comme voir si ce tu que avais ça le donne. Hein. quatrième opus qui sortait Non, maintenant. mais c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'est le 4 en fait. Ce que tu vois là, c'est la suite en fait des questions. C'est la suite, c'est le Sparking Zero, C'est c'est la la suite spirituelle des jeux tout buggés. C'est la suite des jeux C'est la Alors, suite spirituelle des jeux tout buggés, c'est tout. spirituel, bien dit, spirituel. Le truc est religieux. Il n'y a pas un gars qui critique le jeu. Le jeu est bon partout. Le jeu est bon partout. Moi, je l'ai acheté, et s'il est pourri, t'inquiète pas que je te ferai une critique. Bah, Hein. moi je comprends pas comment est-ce qu'il pourrait Et tu faire sais un ce que jeu je veux. pourri. Et tu sais ce que je vais faire. Et je te jure, ça, je vais le faire. Si le jeu, il est pourri, je le prends, je le mets dans la boîte Amazon, je retourne le colis. Ben, il pourra pas être pourri, Romu, parce Pourquoi? qu'il a une avance sur certains, c'est par rapport à InGen, c'est un nouveau programme, c'est sûr Non, qu'au attends, niveau attends, beauté, attends. ça va être plus puissant. Attends, 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 attends. Vends pas le cul de la crémière avant de l'avoir serré. Hein. Non, mais Sur le et, graphisme, au je parle, pire, hein. il Sur va le être graphisme. bon, c'est tout. Il va pas être Ouais, pas exceptionnel, être il bon. va être bon. Moi, je veux la C'est que. perfection, c'est tout. Parce que j'ai l'impression que c'est Kakarot 3. Non, parce Oh non. qu'ils l'ont dit, le mode histoire, c'est pas le principal truc du jeu. C'est quelque chose que les gens, ils ont envie, ils l'ont mis. Il y a même des scènes dans Super où t'as carrément c'est des cinématiques, en fait, c'est des diaporamas. Mais le jeu, c'est avant tout un jeu de baston. Et moi, je pense que c'est bien, parce que entre FighterZ, entre là, le truc de cartes, le Heroes, entre
il y avait quoi, le Kakarot, on a eu à chaque fois des jeux un peu différents. Et là, maintenant, ils ont dit, bon, on n'a pas arrivé à faire mieux, on va reprendre le truc de base et on en fait une suite. GOTY 2024. Eh les gars, moi je vous dis, c'est qui GOTY 2024? Ce sera pas DBZ. Je vous dis. Ça va être un jeu Sony là qui va sortir d'ici la fin de l'année. Ouais. Non, ce sera, comment il s'appelle? Indiana Jones. Non. Indiana Jones, c'est la baise maudite. Oh purée, ouais. Encore le petit robot là. Le petit robot, ça va. Ouais, ça va être exactement. Ça va être Astrobot Playground. Astrobot. Le GOTY de l'année, c'est lui. Parce que je le sens bien. Tous les influenceurs, ils vont recevoir la liste et il y aura des jeux Sony. Et en plus, dans la liste, le jeu Sony, il y aura un chèque de Sony. 15, 20, 30 000, 40 000 euros. Donc, pour 40 000 euros, bah, tu votes pour un jeu de merde. Enfin, un jeu de merde. Un chèque, pas le meilleur jeu. Et la console. Et la console. Et la PlayStation. Et la meilleure, la GOTY de l'année, c'est la PlayStation 5 Pro. Ah, moi, je pense que c'est le plus... Avec des... Avec, ce sera la première console mondiale avec un water cooling intégré à l'intérieur. Et en plus, moi, je donnerai le prix du meilleur cale-porte. Vous imaginez, quand la console va avoir une fuite, il n'y aura plus de médicaments, il y aura du liquide. Vous avez un PC 2.2, les gars. Et un PC 2.2, c'est quoi? C'est une manière de dire que vous avez un PC qui est beaucoup plus puissant qu'une console. Pas On moi. Est d'accord. C'est pas depuis ce matin. Moi, je viens d'arriver sur PC, mais quand je regarde l'économie, mon compte en banque voit bien que je suis plus sur la console. Hein. Ça dépend des cartes graphiques. Hein. Ça dépend des cartes graphiques. Franchement, aussi, hein. Tu sais quoi? C'est moi qui disais ça à chaque fois. L'abonnement est un assassinat sur les consoles. C'est grave. Vu au prix qu'il achète le jeu en plus. Ah ben oui. Le jeu, il l'achète plus cher et il a un abonnement en plus. C'est criminel. Pardon, ah oui, mais les gens ils tombent dedans. Et en plus, il ne t'appartient pas le jeu. Il ne t'appartient plus. Comment non seulement tu le payes. Attends. Comment ça il t'appartient? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben quand tu prends un jeu, c'est du démat. Hein. Il t'appartient pas le jeu. Hein. Du jour au lendemain, s'ils veulent te l'enlever, le jeu ils te l'enlèvent. Hein. Ah, tu dis enlever. Mais s'ils m'enlèvent. Attends. S'ils enlèvent le jeu sur moi, ils l'enlèvent à combien de personnes? C'est ça le truc. Donc. Bah, regarde, un jeu comme The Crow, là, il fallait jouer en réseau. Eh oui. Bah, du jour au lendemain, ils ont déconnecté le truc pour faire des économies. Eh oui. Bon, les gens, ils ont gueulé, ils l'ont remis en place. Mais en fait, tu peux c'est un jour. C'est pas le serveur qui l'a déconnecté par hasard? J'ai pas entendu. Ce serait pas juste le serveur qu'ils ont déconnecté, en fait? Bah ouais, mais si tu joues que en serveur, tu peux pas jouer, du coup. Bah. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je pense encore par rapport à ton compte, le jeu il t'appartient quand même. Ben non, en fait, le jeu n'a jamais appartenu à la personne qui l'a acheté. Voilà. Et tant qu'il n'y avait pas internet, en fait, il n'y avait pas de mise à jour, il n'y avait pas de connexion internet, etc. Donc il ne pouvait pas faire grand chose. Il pouvait pas. D'ailleurs, le fait de louer un jeu, ça a toujours été illégal en France. Et le fait que tu le vends n'a jamais été officiellement. C'est jamais été légal. Oui, tu vois. C'est une façon détournée, quoi. Et maintenant qu'il y a Internet et tout ça, que les gens sont dépendants, en fait, ils appliquent en fait, le truc qu'ils voudraient, c'est d'avoir le contrôle 100% bah, de ce qu'ils ont fait. Mmh. C'est ça. Bah, moi, quand je suis arrivé sur PC, je me suis fait douiller sur un truc. C'est-à-dire? Je me suis fait douiller sur, tu sais, PlayStation, quand tu achètes un jeu, Ubisoft, je sais pas, tu vois, t'achètes un Assassin's Creed, c'est ton premier Ubisoft, tu crées un compte Ubisoft, sinon tu peux pas jouer au jeu, tu vois. Il te force à créer un compte. Ok. Ah ben oui. Là, ok. J'arrive sur PC, j'ai toujours la même adresse email, j'ai rien changé. Comment ça se fait que je suis obligé de réacheter, le jeu? C'est normal. Et voire même ma sauvegarde aussi, elle est même pas là. Ouais, elle est dans le plateforme. Cloud. Tu vois, c'est ça. C'est pas la même plateforme. C'est des subtilités. C'est comme moi, il y a quelques années, il y avait un bug avec la Switch. Et moi, j'ai aussi les Xbox. Les Xbox, elles sont sauvegardées dans le cloud. J'allume ma série X, je joue un jeu, je vais sur ma One, je récupère la sauvegarde. Moi, j'ai dit, bon, je fais un reboot de la machine, c'est pas grave, je récupère mes trucs, mes sauvegardes. Eh ben non, en fait, chez Nintendo, il faut payer pour avoir cette option. Tu vois, même tes sauvegardes ne t'appartiennent pas. C'est ce que je constate, même les sauvegardes, c'est hard. Hein. Et c'est hallucinant, hein. Même le temps que tu as passé, on va te dire, c'est à eux que ça appartient. Et tu te dis, bah alors qu'est-ce qui t'appartient à part le billet que tu leur donnes?
C'est ça, c'est là que ça devient grave. Parce que Et le rien que pire, les j'ai perdu sauvegardes. ma notoriété sur un jeu à cause de ça pour une sauvegarde. Non, mais tu peux perdre, je sais pas, des jeux comme Skyrim, j'ai perdu je sais pas combien d'heures de jeu, putain. Et ouais. Ouais, ça c'est chaud. Mais par contre, ça fonctionne pas par l'autre côté. C'est-à-dire, genre, t'étais sur PC et tu récupères ta sauvegarde si tu passes sur console. Après, je sais qu'avec les multiplateformes, il y a des subtilités, mais c'était il y a Ah 3, ouais. 3-4 ans, tu vois, Il il n'y y a a. que sur Xbox. Sur Xbox, tu achètes un jeu sur le store de Microsoft. Par exemple, sur la Xbox, tu achètes un jeu dans le store de la Xbox. Tu peux le lancer dans le store de ton PC. C'est la Ah, seule ok, plateforme qui fait d'accord. ça. C'est Bah, tu plus vois, Microsoft qui fait ça, en fait. ça aussi, C'est le ça seul. fait grand bruit. Je crois que les Uncharted sur PC, il faut que tu fasses un compte Sony. Ah ben vive Microsoft les gars, désolé de dire ça, hein. Je suis pas. Et pourtant je suis un gars de PlayStation, mais moi j'avoue. Que moi, j'ai Moi. Ah acheté ouais. des jeux, dans le store. La dernière fois, là, je regardais s'ils installent l'application Microsoft, je peux récupérer mes jeux sur mon PC. Ce Et que en j'avais plus, pas. même. Et c'est lié aussi avec Steam, parce que moi j'ai un. Alors Steam, non, c'est pas pareil. Steam, quand tu as un Ouais. compte Steam, c'est les jeux, ils sont que dans ton compte Steam. Tu peux pas les Ouais, importer sur Xbox ou ça sur part Steam, PlayStation, ouais. tu peux pas. Ils sont Ah, que dans d'accord. la bibliothèque. Ouais, mais attends, moi je peux ouvrir, genre j'ai Sea of Thieves, je le dis mal, hein. L'anglais, moi, ça fait 40 T'en personnes. fous. Nous aussi, Le de toute façon. jeu, je peux l'allumer avec Steam, par contre. Alors là, j'en sais rien. Ouais, c'est-à-dire je peux l'ajouter dans en tant que jeu qui n'est pas Steam et je peux allumer via Steam. Et le jeu il tourne plus vite hein, via Steam. Steam c'est puissant ça. C'est pas que c'est puissant, c'est que c'est ta machine qui rend le jeu plus puissant. C'est tout. Tu t'es acheté un nouveau PC, t'as investi. Non, je t'ai écouté, j'ai acheté un PC. Ah Voilà. bah, il veut La bien dernière fois qu'on trouver s'est vu, quoi. j'étais sur PS4 et effectivement là il y a 20 galaxies de différence, c'est même pas comparable. Eh, t'as fait le bon choix. Même Non, mon non, compte en banque me le dit. non. Non, 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 non. Il me dit, waouh, c'est cool, on n'est plus au rouge. Bah, c'est simple, hein, de toute façon, t'as acheté des jeux PC, et puis après, tu sais, si t'es quelqu'un d'intelligent, tu joues gratos. Hein. Ouais, tu peux. Si t'es à la FIB, tu joues gratos. Hein. Ah Ça, oui. c'est le problème de là où je suis aux Antilles, la fibre. C'est Ah! pas encore prêt chez moi, mon gars. Ah ouais. Ah Ouais. bah, il faut dire à Macron qu'il développe la fibre. Hein. On y Voilà. travaille. Ah, On y pourtant, travaille. je crois que dans les préfectures, il y a la fibre. Hein. Oui, Oui, moi j'ai la fibre, moi j'ai la toutes fibre. les Hein. mairies, elles sont branchées en fibre, Bah, tu fais un truc sauf tout le bête, particulier. tu vas dans la Père mairie, Racorès. tu lui dis, là tu dis qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, je tire un câble jusqu'à dans ma case. Sur le câble. Tu le mets Pas dans sûr. les arbres. Pas sûr. Les voisins me surveillent, c'est pas sûr. Bah écoute, tu dis, bah, les gars, j'ai la fibre, venez, branchez-vous tous, là, c'est gratos, cousin. Ils vont fermer leur gueule. Même pas. Même pas. Même pas, ouais. Je suis sur une île, on se combat plus pour que tout le monde reste au même niveau, qu'il y en a un qui soit au-dessus du lot, quoi. Ouais. C'est pas une mauvaise Ah là, je chose. sais pas si c'est comme ça pour vous, mais. Ah non, mais attends, et l'invention? Un mec qui sort du lot pour nous rapporter quelque chose de mieux, ça veut dire qu'on doit l'éliminer parce qu'il est meilleur? C'est un peu pas progressif. What? Ouais. Le mec, il vend. Mais t'es un fou, toi. Je vais pas mettre 210 balles. Oh là là, il est chiant de mettre des Et trucs à 200 balles. Les gens qui ont pris le Sparking Zero, c'était quoi votre dernier Dragon Ball en fait? Bah moi j'ai fait le Moi c'était le cacahuète. cacao. C'était le C'était cacahuète. caca crotte. Caca Caca caca. crotte. C'était caca D'accord. crotte. Et alors, caca crotte, la caméra, elle était comment? Bon, Claqué. il y a mieux. Claqué. Il y a mieux. D'accord, Le on jeu est d'accord. claqué. Claqué. Tout Non, était et puis claqué dessus. Je peux vous dire. moi j'ai aimé me balader, moi j'ai aimé me balader. Sparking Zero va vendre des manettes, mon gars. Mais non, moi de toute façon je m'en fous, je vais jouer avec une manette incassable. J'ai la manette. J'ai la meilleure manette, regarde, elle est invisible. T'as déjà vu ça, regarde, une manette invisible. Une manette Invisible. invisible. Oh, il y en a invisible là. Eh, ça Ok, s'appelle d'accord. Donc il n'y a Kinect, hein, rien la à manette voir. invisible. Regarde, elle est invisible. T'as juste le X que tu vois. La manette, elle est C'est invisible. Elle est transparente.
comme le sous-marin, c'est l'injoignable. Et là, quand tu la retournes, elle est blanche. Et quand tu la mets de l'autre côté, elle est transparente. Ouais, enlève le fond vert. Ah, oh, mais t'es chiant, toi. Tu peux pas te taire. Non. Il n'a pas beau. Mais non, Sinon, j'ai. elle est en métal liquide, c'est pour ça. Et le pire, Oh, j'ai la mais même attends, attends, robe, attends. la même C'est une robe, manette Xbox? tout en noir. C'est une manette Oui, Xbox? c'est une Xbox Ah, blanche. c'est la jaune là? C'est la Volt, la La Volt Volt. Electron. La Volt, Ouais, la verte. celle à 40 Mmh. balles. Elle est Non, très t'es ouf. bien. Pas Arrête. celle-là. 40 balles, c'est pas Non, cher ça. 70 balles. Je l'avais Je l'ai acheté eu à 60 balles. 40, moi. Ouais, t'as fait une affaire. Gamecast. C'est pas l'électron? Non. Si, c'est ça l'électro-volt, je crois qu'elle s'appelle. Elle est pourrie cette manette. Tu veux une vraie manette? Allez, je sais. Qu'est-ce Je qu'il va sais nous laquelle montrer? il va chercher. Qu'est-ce qu'il va nous Attends, montrer? bouge pas. Oui, je sais laquelle, t'inquiète. Bouge pas. Les manettes PlayStation, ça me donne mal aux mains. C'est fait pour des petites mains, en fait. Allez, va Ouais. prendre la manette à l'eau. Je pense pareil que toi. Les Xbox, par contre, là où les deux joysticks ils sont, c'est nickel pour moi. Là, je sens. Je peux passer plus d'heures. Tiens, fais pas la gueule. Elle est là, tiens. Elle Ouais, est là. j'ai du retard sur le stream, moi. Tiens, elle est là. Eh Prends ça. ouais. Ça là que tu veux. Le temps que moi je voie, Elle il n'est y a un même pas encore décalage, levée, notre là. loup. Elle est là. Ah, moi oui. Il Moi oui, est quand là au même. Il fauteuil. cherche, Ah, moi. Il est derrière ce fauteuil, là. c'est marqué, là, 20e anniversaire. Elle est belle, celle-là. Ah, t'as la Voilà. PlayStation? T'as vu Voilà. la... Voilà. T'as vu la poussière qu'il y a dessus? Donne, Waouh. Enfin... je l'enlève. C'était Elle est belle. Donne-la-moi, je te C'était la le rends. tremble à Je te Londres, la ça, dépose. non? Quoi? Quoi, ils font aussi des manettes comme anniversary Xbox? Bouge pas, Ouais, je me j'ai la chauffe. même. À pile, elles sont Ouais, c'est immortelles, à les pile. 20 ans Ah de. ouais, à pile. Moi, je trouve que Eh c'est oui, mieux les 20 d'avoir à ans pile, d'immortelles. franchement. C'est le top. Quand t'as des Mais non, bonnes des vieux. piles de bonne qualité, c'est nickel. Des Bah, quand piles. toutes les piles, hein, T'as une c'est tête nickel. de pile. Faut pas mettre des piles, faut mettre ça dans ta manette. Mettre des Oula, batteries. attends, vas-y, Oui, montre-nous. les batteries, Ah, oui. oh, les batteries, l'adaptateur. au bout d'un moment, elles sont crevées. Au moins, les piles, Mais tu les t'es. tends, Alors, t'en as d'autres. par contre, ce qui est con chez Xbox, c'est que malheureusement, tu es obligé d'utiliser un transport pour les recharger. Tu peux pas Tu peux recharger pas accéder directement sur la manette. à la console. Ouais, ça c'est con, ça, par contre. Non, mais tu sais quoi, moi je te dis. Ah, c'est pas mal ça, je suis d'accord avec, hein. Quoi, Ah ah, oui, c'est le top, ça. c'est vrai que toi, t'es pas venu plus longtemps sur la chaîne, t'as pas vu. Bah, j'avais pas de micro. Non, mais regarde, j'ai la manette. Mais regarde aussi ce que j'ai. Eh ouais. Eh oui. La console avec. La Halo, la collector. Je la vends, si tu veux, je la vends 800 euros. Pas cher, cousin. Maintenant, on va falloir que je rajoute 30 euros pour la récupérer, c'est chaud. Ah non, pas 30 pour les orer dans les Antilles, tu peux mettre au moins 150 balles de frais de port, mec. C'est cher, les frais de port. Je le sais, Ouais. j'ai envoyé une console. Attends, Combien? 80 balles, je crois. tu l'as converti au PC et Combien? puis tu veux lui vendre une console, t'es Combien sadomaso. on avait payé la Super Nintendo, on voit dans les 80 balles, il me semble. Else. Un jour, je crois que 60, ouais, peut-être 70, 70 80. balles, ouais, 70 balles pour envoyer une Super Nintendo. Bon, et Ice, il va falloir qu'on se fasse une grillade un de ces quatre, Ice. Hein. Mais t'habites où? Mais j'essaie de faire ta vie, gros. Mais ça, je suis à Saint-Pierre, négro. Ah ouais, c'est un peu. Ah ouais, non, mais c'est ouais, c'est pas. Ouais. Et lui, c'est trop loin, lui, il habite de l'autre côté de l'île, il sort pas de sa Non, case. non, 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 Il non, non, sort pas de non, sa case. ils sortent pas de Non. sa case. Mmh. Non, après, il a pas tort, hein. Ça devient compliqué de sortir ces jours-ci, là. Ça... Mais non, ils sont Oh. bloqués, il y a la vie chère, ils sont en train de bloquer les routes. Ah ouais, non, Ah, non, c'est ça rigole dégueulasse. pas, là, il y a des blessés Ah au non, mais niveau là, du ah oui, non, mais il y a la guerre, hein, Ah c'est la bah, guerre. on travaille pour la fibre, vous inquiétez pas, on va l'installer, là, on va choper 2-3 CRS, ça va être réglé. Oh putain, il... Ah ben, Ah non, hey, mais ces jours-ci là. les Non, gars mais rigolent allez pas, en. frère. Non, mais. Ce Non, soir, mais allez en. il y a bordel. T'imagines ce soir, il y a deux mecs qui sont dans la même île, qui sont sur le même Discord. Ah, C'est mais. ça. Non, mais. Non, mais Et tu ils te rends se sont compte jamais que. rencontrés. Qu'est-ce que vous attendez, les gars? Ah, c'est bloqué, frère. On bloque la Non, rue aujourd'hui. non, tu Ah crois. ouais, mon gars. Et Paul on est en mode Brod. gilet jaune fois 10 Ah ici, non, là. mais laisse tomber là, mec, c'est l'enfer, je crois qu'il. Ah non, mais. Ah, Non, mais je c'est sais que c'est le l'enfer bordel là-bas. Elle là. devient technique pour Ah non, faire ses mais coups. putain, non. On dit rien, Ah non, mais. putain, c'est rien, mais putain. Ah ouais, c'est chaud, quoi. Et les gars, sérieux, sérieux. Vous savez ce que vous pouvez me rendre un service? Est-ce que vous pouvez Quoi? me rendre un service? Vous allez Quoi? faire des courses? Oui?
Ouais, Est-ce c'est qu'on pouvait prendre, genre, je sais pas, 3-4 photos, par exemple, le prix d'un tube de dentifrice, un paquet de pâtes, Ah, pour comparer. Un tube du de fromage, dentifrice, des 4,80 €. un kilo, du, je sais pas, du fromage blanc, combien ça coûte du fromage blanc? Il paraît que c'est super cher, tout ce qui est Ouais, fromage. l'étage, c'est cher. En fait, dis-toi bien, il y a un seul truc qu'il faut que tu saches, c'est que tu vois, on a les mêmes produits, c'est-à-dire que la bouteille d'huile, on l'aura en 1 litre et 2. Et les grosses bouteilles de 5 litres, c'est très rare. Et tu la payes combien ta bouteille d'huile? Ah, on est Ouais. déjà à 3 balles, 4 balles, Ouais, mais mon frère. faut manger local en fait, c'est ça le Non. problème. Tout est exporté, donc c'est Non. plus cher. Pas forcément, Donc, non. Regarde, je vais le te double, donner quoi. un exemple. Je vais te donner un exemple. Le bidon de gaz, en fait, tu vois, s'il est fabriqué chez nous, eh bien en Guadeloupe, c'est moins cher, donc c'est nous qui le fabriquerons. Donc va chercher l'erreur. Ouais, Il vous n'y a, inquiétez y a pas, les pas gars, de bientôt, problème à faire, mon dégât. je vais faire des lives, là. Je vais reprendre des lives sur l'agitateur, vous aurez le droit de venir. Vous aurez même le droit de venir montrer. Vous aurez le droit de vous mettre en cam et vous Mais montrer Romu, en train de tout rappelle-toi, casser ou quoi que ce Romu, soit. Venez, tu te s'il vous plaît, rappelles venez. pas, Romu, tu te rappelles pas, une fois, on parlait de ça il y a un an, de ce que j'avais montré une photo de ma fac, de ce que j'avais pris, le prix total. J'étais allé faire mes courses une fois, je t'avais montré, je t'ai envoyé sur Discord, Ah en ouais, c'est MP. vrai que. Je t'avais envoyé sur MP, j'avais dit, regarde le sac, mec. J'ai à peine acheté un tour, regarde combien. Je t'avais envoyé une photo, parce qu'on parlait de ça, ça m'a fait penser à ça, donc je t'ai envoyé la photo, genre là. 20 euros de course si tu fais une semaine avec, t'es un warrior. Mais non, 20 non, j'ai pas fait 20 euros de non. course. T'as rien, Non. 20 euros. T'as rien C'est du un tout, mec. warrior. Même Ici, ici, t'as rien à 20 euros. attends. 20 euros, tu 9 dis que t'as euros. rien. 9 euros 80, un sachet de 20 steaks. Et sachant que un sachet de pâtes, on est à 1,80 € presque 2. Mais non. Oui, Ça dépend. mais quand Alors, même, 20 c'est balles. cher. Tu dis 20 balles, tu fais pas la semaine. Moi, avec 20 balles, je fais plus que la semaine. Hein. Ça Moi, dépend tout de ce que tu prends. seul, Ça dépend de ce que tu prends. Ça dépend. tout seul, 20 balles, 20 balles, Attends. je fais plus Oui, que la semaine. mais Romu, soyons sérieux. 20 balles, tu manges une semaine la même chose. Ah oui? Bah, Ah tu me dis, t'es un Warriors. Moi, je suis un Warriors. C'est. Ah, ouais, bah, t'es plus que Warriors là, mon gars, mais hey, c'est comme ça, ouais, t'as pas tort. Tu prends tu ouais tu prends le premier prix, le premier prix, ouais, tu bouffes ah ouais. Tu bouffes, oui. Après là, oui. Tu Ah, bouffes y a pas une beaucoup de lancée frais non plus, hein. des pâtes. Ouais, bah, à ce moment-là, 10 balles, tu fais la semaine, tu prends des paquets de pâtes, 2-3 pots de sauce, et puis c'est bon, Non, quoi. c'est clair qu'avec 20 Mais balles, c'est on en. bon. Attends. Dites-vous bien que si on en arrive à une intelligence pour faire ses courses comme ça, c'est que c'est chaud. Mais non, c'est. Pourquoi le mec, pourquoi tu me spammes? Pourquoi est-ce qu'il est là que je l'engueule, Eric? De quoi? Je te Pourquoi tu me spamme pas? spammes? Mais si tu me spammes là, arrête de m'envoyer des trucs, j'ai pas l'argent pour acheter. J'ai pas spam, j'ai mis dans le bon coin. Mais c'est pas dans le bon point que t'as mis. Après, c'est Alibaba. Ouais, L'ai mais mis où? Je attends, me suis trompé. attends, je lis le commentaire là, continuez à acheter vos jeux en démat. Ouais, mais en même temps, on ne donne plus beaucoup de choix, Ah tu ouais, vois? ça Moi, serait je pense bête. que, comme je t'avais dit, on a eu cette discussion-là. Je te dis, ça va finir en box free avec une manette et un abonnement. Enfin, tu vas payer ta free et tu vas peut-être, je sais pas, mettre 5 balles de plus. Ils vont te dire, tu vois, c'est moins cher par free et tout. Tu as ton abonnement et Tu puis veux pas tu joues prendre à le tous tien les qui est jeux. déjà tout monté, Eric, comme ça Ben coûtera moins cher. De toute façon, tu t'en oui. sers pas. Si, si. Bah arrête de mytho, tu joues à la PS2, tu t'en fous de ton Mister. Donne-le à Romu. Pour Noël, tu as fait un cadeau à Romu. Et je t'offre une PS5 30e anniversaire. Ah, la pro. Ouais, la pro. Elle arrive là sur Alibaba, là, je te l'achèterai. Je te la ferai livrer chez toi. Dans la PlayStation 5 Pro, toute pourrie. Il y aura 40 La millions de jeux dedans. GS6 Pro qui Pro, arrive. là. Va Ouais. falloir que tu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, là, tu m'as terminé sur ton dernier live là où tu expliques en gros, si j'ai bien compris, qu'en fait, cette PS5 là, elle est moins puissante que la PS5, la première là, de base. Non, non, j'ai jamais dit ça. Non, elle est pas moins puissante. Non? J'ai jamais dit ça. J'ai pas parlé de puissance. J'ai jamais parlé de puissance de la PS5 Pro. La seule chose que j'ai dit sur la PS5 Pro, c'est que j'ai dit les gens font le ouin-ouin, mais le prix qui est demandé pour ce qu'il y a dans la machine, c'est le prix justifié. C'est la seule chose que j'ai dit. C'est-à-dire, elle est à combien exactement? 900? 800, 800. 800. 800?
Vu ce qu'il y a si tu dedans, veux, ouais, c'est une mise des RPG manettes. 4000 T'as quoi? fois Une grand. manette? T'as Non, quoi? mais 8... si tu prends Non, la si tu prends en puissance 33 teraflops, en gros, c'est aussi puissant qu'une 4060. sans Windows. Sans Windows. Ça veut tout Voilà. dire. Pour moi, elle vaut son prix. Mais bon, à partir du moment où si c'est pas exploité, si c'est pour jouer un jeu Oui, PS5, ça sert à rien. je peux comprendre jouer gratuit, mais moi, jouer Pour gratuit, ça m'intéresse pas. le PSVR 2, apparemment, il va l'exploiter, d'après ce que j'ai compris. De quoi? Ben, la PS5 Pro. Mais c'est pas un problème, c'est pas un problème de puissance, le PSVR 2. Ben, PSVR 2, apparemment, si. Sur certains jeux, ça pose problème. Mais non, t'as rien compris. C'est que il n'y a pas de développeurs qui sont payés pour faire des jeux, c'est tout. Ils vont te sortir un PSVR 2 Pro pour la PS5 Pro. Et Et il sera pourtant, à les développeurs, 499 euros. Il sera à 500 balles. ils préfèrent plus développer des jeux sur console que sur PC, en PS5 fait. est arrivé. Qu'est-ce qu'il Ouais, raconte? puisque PS5 est arrivé. c'est une machine qui est stable. Tu vois, c'est-à-dire que le gars, il va pas changer de pièce, il va pas changer de carte graphique ou un truc. Donc normalement, Mais voire écoute, même, il devrait être plus alors, puissant que sur PC. par avec, il vient et il fait son connaisseur en informatique. Par avec, il dit une 4060, c'est 200, de 200 à 300 euros. Entre 200 et 300 euros, t'as une 3080. Wow. Moi, j'ai été sincère avec toi. Alors, prendre une 4060, je préfère prendre une 3080, tu vois. Ah oui, c'est sûr, oui. Ça, c'est sûr. Ah, je te le dis tout de suite. Là, je devrais changer de carte graphique. Je n'irai pas acheter une 4060 ou une 4070. On a une 3080 dans ma machine. Parce C'est que la clair. différence, mon pote. Ah, si, ah pour avoir quoi? 10 FPS de plus? Bon, merci. C'est son. Ok, j'avais pas vu ça comme ça. Ok. C'est son frère. T'es le frère de part avec. Bah, une 4060, je suis désolé, hein. 4060, premier tarot, je crois que c'est 360 balles. Même pas, 330. Tu prends En AMD, je sais pas. 460, 300 balles. Salut Itachi. 460, 300, 360. Et tu prends 4070, et je crois que t'es un peu plus, tu dois être dans les 400, 450 balles. Peut-être même plus. En tout cas, je reprends tous les jeux que j'avais sur console. J'ai l'impression que je revis les jeux là, carrément. Ça Ah, il y n'a a rien certains à jeux, voir. c'est certains Là, jeux, c'est ah intéressant. ouais, je me suis dit, mais j'ai jamais joué au jeu en fait. Ah, tu dis Ouais, mais tu as une chier de réglage. Hein. une 4070, t'es plus près des 700 balles. Hein. Donc, d'accord, ok, donc le prix, il est justifié. Ok. Enfin, Oh, il est justifié, oui, il est certainement oui, justifié, oui. si tu regardes niveau puissant des matériaux et tout, c'est le prix en fait. Le Donc, prix. autant prendre la PS5 de base, elle est nickel. Oh bah oui. Ça va, ça passe, en fait. Et en Franchement, il plus, suffit largement. il y a le CD Oui. en plus, il y a le lecteur Bah CD dedans en voilà. plus, non? Et puis c'est Voilà, pas. tu vois. Le PC, c'est la vie. Le PC, c'est la vie, oui. Le PC, c'est la Désolé, vie. les jeux ils vont J'entends pas sortir ce que sur tu as. PC, alors quoi ça sert? C'est C'est quoi la polyvalent. Tu différence peux entre une faire tout avec. 3080 Ti et une 3080 Super? Bah Moi, j'ai des. la Ti elle est au-dessus de la Super, je crois. C'est une histoire de fréquence d'horloge. C'est tout. Mais c'est les mêmes pros, hein. La même chose, la même architecture. Et je crois que tu as plus de RAM sur une que sur l'autre. Le truc, attends, je vais répondre. Le truc sur console, les gens sur console, je comprends exactement de quoi vous parlez. Vous savez qu'est-ce qui fait que vous restez sur console? C'est la liste d'amis que vous avez. C'est tout. Ah Comme mais c'est même différent pas. sur Non, PC, t'as l'impression que c'est compliqué pour rejoindre tes potes. y a pas que Mais c'est ça. toujours le même principe. Et c'est ça qui fait que les gens y restent. Parce que moi, quand je suis passé sur PC, mais j'ai perdu un paquet de potes qui étaient sur Ah ben console. oui, c'est sûr. C'est fini, je me suis retrouvé tout seul. Mais Oh. ça me déplaît pas. Ah, mais l'avantage des consoles, c'est du plug and play. D'ailleurs, tu allumes, tu joues. Console, Voilà. tu joues. Le C'est fait pour jouer PC. une console. Bah, tu Voilà. sais quoi? Tu iras acheter ta 5000.
T'as 5000 qui n'est pas encore annoncé, moi je te donne déjà le prix. Tu veux une 5080, le prix d'entrée sera 2000 euros. Tu veux une Attends, 5080 5080, tu parles quoi, de cartes graphiques? Oui, les prochaines cartes graphiques de chez Nvidia, ils seront entre 2000 euros pour une 5080 et 2800, voire 2900 pour une 5090. Moi, je suis en 6500 AMD. Ouais, c'est une carte graphique qui a déjà 2 ans, mec. En Windows 11. Oh, Windows 11. Quelle merde, quoi. Moi, je suis encore sur Windows 10. Hein. Ouais, j'en veux pas de Windows 11, hein. Moi. J'ai pris comme ça. T'as bien raison, tu as sur Windows 11. Il y aura le 12. Heureusement qu'il y a Mais heureusement qu'il y a mis sur Je viens de rajouter des RAM, j'ai rajouté de la mais mémoire. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Sur une console, tu peux pas jouer clavier-souris? Ben, sur une Xbox Series X, je prends mon clavier, ma souris, je la branche dessus, ça fonctionne. Hein. Les deux fonctionnent, manette et souris. Frère. Oui, bien sûr, tu peux mettre un clavier, bien sûr. Après, je pense que le PC, c'est pas fait pour des gens qui aiment la configuration. Tu prends je veux même dire, une Dreamcast avait déjà un clavier à l'époque. Ouais. Voilà, merci. Il y en a même un sur GameCube à clavier. Les premiers claviers, c'était sur l'Atari Jaguar. T'avais une manette toute pourrie, t'es en dessous, t'avais plein de boutons, on aurait dit un clavier. Ceux qui vont, sur PC actuellement jouer, c'est les joueurs de console frustrés. Je suis d'accord avec lui. Oui, parce que tu moi, peux par changer contre, moi, ma fils, console, elle est tombée en panne. Mais je suis d'accord, c'est vrai. Beaucoup. Tu peux mettre aujourd'hui, des filtres, les mecs sur manette, tu peux mettre des filtres audio. Les mecs qui jouent à la manette, ils éclatent les meilleurs mecs sur Counter-Strike avec clavier souris. Hein. Ça a été prouvé. Hein. Les mecs qui jouent à la manette, ils éclatent les mecs à Counter-Strike ou à Fortnite, ce que tu veux. N'importe quel FPS. Hein. Mais attention, il y a déjà eu des combats comme ça. Hein. Le meilleur mec manette et le meilleur mec clavier. Les jeux de À la fin, c'est le mec manette qui met clavier, la... le mec qui sourit. Hein. Les jeux de voiture, la manette est meilleure. Oh, ça n'a rien à voir. Ah, si, si. Mais non. Ouais, les jeux de simulation, tu veux dire. Ouais, non. Parce que, ouais, voilà. C'est-à-dire que par rapport au joystick, il est plus précis. Pour les jeux de simulation, oui. Pour les FPS, tout ça, il y en a qui préfèrent le clavier-souris. Non, mais clavier. Et petit. Tout le monde croit que le clavier souris sur les FPS, c'est mieux. Bah ouais, c'est plus réactif une manette. Les petits pixels. Attends. Romu. Tu as un curseur. D'accord? T'as une flèche, t'as un curseur. Le joystick, il faut que tu amènes ton joystick au front de l'adversaire. Or que sur une souris, tu cliques sur le front. Il y a au moins entre 0,2 et 0,3 secondes d'avance sur une manette, c'est clair. Ah non, mais moi je m'en fous, je joue pas au FPS sur. Moi ça dépend de quel moi les FPS tout ça, moi c'est pas. Ah, moi je ne peux pas jouer au FPS sur sur console. J'ai essayé. J'aime pas les FPS. Moi, j'aime pas les jeux à la Call of, à la Battlefield. Non, non, quoi, tu vas me dire qu'avec les compétitions de Counter Strike sont. Moi je suis sur le narratif. Counter Strike, je te parle des FPS, tu sais ce que c'est les FPS? Oh là là. Doom. Quake. Ouais. Aussi. Allô. Counter Strike. Faut pas oublier que la Dreamcast c'est la première console qui pouvait se connecter à Internet aussi. Non. Non, non. C'est... Jouer avec un BlackBerry. La PlayStation, non. Le jeu. Non. La première console avec une. C'est la Panasonic. C'est pas la Panasonic? Non, c'était la NES. Quoi? Il y avait la Panasonic aussi qui l'a fait. Si tu déboîtais derrière, oui, le branche. Oui, oui. La première. Laquelle Panasonic a issouné la 3DO? Oui, exploiter la technologie, la CDI, la Panasonic CDI, je crois, il me semble. Panasonic CDI, qu'est-ce que tu racontes là? C'est la Philips, pardon, c'est la Philips. Je sais pas, je confonds avec la Panasonic, moi, c'est la Philips. Ouais, c'était un Windows. Après les FPS. Pardon, je suis trompé avec. Les FPS, on avait un flingue dans les mains, les gars. Mais je m'en fous, moi! Je m'en taille que les mecs, ils se font aider sur leur machine. Je m'en taille! La première console qui avait Internet, c'était la NES.
Oui, non, mais moi, la fois que ce que je connais Et en fait, pour moi, ce que je Crazy, connais en fait. Tom Crazy, c'était vendu avec un pistolet ou que tu visais sur l'écran, en fait. C'était ça, moi, mes premiers FPS. Mes premiers jeux de shoot, pardon. Mais moi, je m'en fous, tu me parles, mais moi, je m'en Ah, fous. ça, j'ai connu ça même sur la première Master System, le De toute pistolet. façon, les nouveaux les jeux qui sont sortis, les FPS sur console, ils sont optimisés spécialement pour les consoles. Mais non, Il y a mais j'ai pas dit que t'as l'auto, pas il y eu. a l'auto-centrage. Tu prends ta manette, tu es comme ça, tu comme ça, la croix elle est directement dans la tête et t'appuies, ça fait hot shot. Qu'avec ton clavier et ta souris, il faut que tu montes. Il y avait un Il y a une modem. assistance. Il y a une assistance de vis. Manette, En c'était tout cas, bien la... pour les jeux de plateforme. Mais non, mais même pour les jeux de combat, tu dis de la merde. Un jeu de combat, ça se fait pas à la manette, ça se fait au stick. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, Biquette? Et c'est pas possible. On doit faire vos éducations. Un jeu de Bah, baston. en fait, il n'a pas été au bar et il n'a pas Où compris qu'il n'y avait que des arcades et il n'y avait qu'un voilà. joystick pour Un jouer à joystick. Street Fighter ou King of Fighter, tout Tout ça. ça. Les mecs, ils ont tous commencé au stick. Hein. Les FPS, clavier, souris. Mais non, pas clavier, souris. Mais non. C'est comme le premier Mais Street Fighter non. 2, on a joué en arcade, pas en console de salon. Ça dépend qui, hein. Exactement l'arcade qui est derrière Romu, là. C'est exactement cela. Non, mais moi, c'est Ouais. faux. Hein. C'est du fond vert. Hein. Je suis pas dans une salle d'arcade. Si, t'es dans une salle d'arcade. Pas forcément, on regarde Bah, avec. moi, je regarde, je te vois dans une salle d'arcade. Hein. À la Je base, le vois. Hein. de la base, à la base, si t'as 50 balais, les jeux de combat, t'as pas commencé sur manette, hein, t'as commencé sur les sticks. Hein. Oui, c'est clair. Et Et oui. oui, depuis Neo Geo. Si tu traînais dans les cafés ou dans les salles d'arcade, les jeux de baston, c'était avec un stick, hein, c'était pas qu'une manette. Hein. Alors si t'as eu Bon la stick, ben, La n'importe quel manette, jeu. j'ai connu ça après. J'ai connu ça après. Au début, c'était dans le bar. Et puis voilà, 2 francs, on y va. On regardait les Oui, scores. Elles étaient mais pleines. bon, là tu parles de jeu, mec, tu parles de N'y avait jeu. même pas de notice. Il n'y avait même pas de N'importe quel notice jeu. pour faire un Dragon Punch et un Hadouken, un truc, tout ça, là. On l'a trouvé tout seul. N'importe quel jeu, tu étais avec les sticks. Moi, j'ai connu Bubble Bubble avec un borne arcade. Aujourd'hui, ils ont Mais des oui. jeux avec la Bible de tout ce qu'il faut faire. Ils regardent rien du tout. Ils regardent des tutos. Moi j'en ai 50. Excuse-moi, mais il y a quand même un fossé de 10 ans d'évolution par rapport à moi au niveau du game, tu vois. Toi, t'étais en train de jouer, je sais pas à quelle console. Moi, cette machine-là, j'ai joué plus parce que j'étais parti sur autre chose, tu vois. Ça dépend de ton cursus. Moi, si je te dis que j'ai commencé sur Atari 2600 avec le bâton tout pourri et le bouton, et que quand Ouais, c'est t'étais en train vrai. d'appuyer, t'entendais clic-clic-clic-clic-clic, et à la fin, le bâton te restait dans les mains parce que tu l'avais explosé. Et ta mère J'ai connu te collait une ça. tarte dans ta gueule parce que tu avais cassé la manette à 350 balles. Et quand tu l'as démontée, tu regardais, c'était juste une PCB toute pourrie avec un câble qui arrivait qui était soudé avec des espèces de pastilles en plastique. Et en dessous, il y avait un morceau d'aluminium. Et à force, le truc, le plastique, il cassait. Donc tu remettais un bout de scotch et tu remettais le bout d'aluminium et ça refonctionnait. Et après, quand tu sais, t'achètes plus de manette. Maintenant, je me rappelle chez les potes, maintenant je comprends pourquoi il y avait ça sur leur manette. Ok. J'ai vu Benzen dans un FPS au secours. Romu, quel est le jeu pour toi le... Que t'as plus poncé. Le jeu que j'ai le plus poncé. Oh, que j'ai refait, 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 refait. Il est même... Plus. Alors, je voudrais pas te dire une connerie, mais il me semble que le jeu que j'ai refait, 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 refait en boucle, c'était Path of Olympus sur la NES. Celui-là, avant que tu as Zelda Breath of the Wild qui est sorti, je crois que celui-là, je l'ai poncé en long, en large et en travers. Tellement qu'il était bien ce jeu. Et il a commencé sur calculatrice scientifique. Sur les Casio. Et après, il est passé au Nokia 3310. Et je vois Snake. Nokia 3310. Si, joue avec le serpent. Le serpent, Snake, Snake, là. Splitter, c'est pas Snake, Splitter. le serpent, là. Ça, nous, on a Ouais. connu ça au brevet. Bah non, moi, le 3310, j'étais plus à l'école. Nous, avant les consoles, les Game & Watch à l'époque. On était tous sur les Game & Watch. Le plus dur Ouais. le plus dur que j'ai jamais fini,
Il y a un jeu que il m'a lobotomisé le cerveau, c'était Super Ghouls and Goblins sur la Super Nintendo. Ah Je oui. l'ai jamais fini. Il est dur, lui. Je crois que C'est ce que j'arrive j'avais dépensé. jusqu'au milieu du jeu et après je lâche l'affaire. Le fric que j'ai dépensé en borne arcade avec ce jeu. Ah, moi je te parle pas en borne d'arcade. Borne d'arcade, celui-là. Il y a celui-là, puis il y avait Willow sur borne d'arcade qui était super chaud. Je l'ai jamais fini sur borne d'arcade, je l'ai fini en émulation. Parce qu'il y avait les crédits illimités. Mais même en borne d'arcade, il est chaud, Willow. Mais Moi, ça. j'ai poncé tous les jeux de Street, King of Fighters, Dead or Alive, je les ai tous poncés, ceux-là. Ah ben Ah ouais. moi le je l'ai jamais fini hein, celui-là. Et jusqu'à maintenant, le meilleur jeu de combat, c'est Dead or Alive, ils n'ont pas fait mieux. Ils n'y arrivent pas. Hein. Ah ouais? Le meilleur jeu de tous les temps, Ah ouais. c'est Fatal Fury sur la Neo Geo. Ah ouais, De Fatal combat? Fury aussi. Ouais. Fatal Fury sur Neo Geo, c'était le vrai premier jeu qui était en face de Street. Jean, Oh le là. Fighter Z, c'est un ancien programme. Hein. Oh, le Jean, Soul Fighter Calibur, Z, c'était c'était bien aussi. un Street Fighter vs X-Men. Hein, c'était ça. Hein, c'était le pro. Voire même, c'était un X-Men. Non, c'est un X-Men. Guilty Gear X. Tu vois, ah, Guilty Gear même. Ah ouais, c'est Je eux. pense. Je crois que c'est les mêmes qui ont Ah, fait ce les jeu. mêmes, c'est les mêmes, c'est eux. Le Et c'est le même Resnick. programme depuis C'est Guilty Arc. Gear, en fait. PC Arc. Donc, Le Resnick. les bons programmes, les bonnes bases, ça marche toujours. Bon, les gars, je vais aller vous dire à plus. Salut. Ninja Gaiden sur NES, Ah sur plus stress. la Plus ça Xbox, ça roule. Ninja Gaiden, je ne l'ai pas fait moi sur la Xbox. Un Ah coteau. ouais, Ninja Gaiden. Je les ai tous faits. Non, pas fait moi sur Je les Xbox. ai tous faits, Ninja Gaiden, depuis Xbox. Ouais, hardcore, Ouais, ce qui hardcore. paraît, il est Alors ça dur. fait 100, On va dire, 140. bon, ce serait l'ancêtre de jeux qu'on appelle les Souls. Où Ça fait pas longtemps. les niveaux sont compliqués, quoi. Mis là dans le bon point, dans le truc. T'as pas loin de 500 balles. Ninja Gaiden. Ça, c'est dans la 300 lignée des balles. Shinobi, ça. Exact. Là, Tout à fait. C'était les concurrents Dead de or Alive, Shinobi. il est passé en free to play. Dead or Alive 10. Shinobi, c'était Sega et Ninja Ouais. Gaiden, c'était plutôt Nintendo. Vous êtes vraiment des putains de chiens de la casse, les mecs. Vous êtes putain des chiens de la caisse. Vous parlez de jeux de C'est baston. Romain. C'est de la merde, les jeux de baston. Et C'est Romain. des poufias avec des gros libards. Je parais que vous mettiez les codes de triche pour les voir à poil pour vous astiquer le poireau. Hein. Vous étiez en train de repeindre le plafond. Hein. Hein. Oh, Toi, c'est plutôt regardez les jeux solo à la Tomb Raider que vous mettez les gros nichons. T'as pas le temps de faire ça dans un jeu de combat, mon gars. pas les Dans un libards. jeu de Ouais, mais combat, les t'es premiers pas con. Tomb Raider, c'était vachement pixelisé, Ah hein, bah les ça, libards. J'avais du mal. c'était des vissements. Sur Saturne, Non, Dead or Alive 6, c'était dégueulasse. t'avais un code pour les C'était voir mieux en que poil. le décodeur de Canal+, hein. Ah, Ah, tu c'était moins m'étonnes. pixelisé, ouais. Ça, c'est les Ouais, derniers Dead or c'est Alive, mieux. effectivement. Dead or Alive Beach, Ah non, mais si c'est ça. Dead or Alive, c'était C'est un un jeu de petit jeu en volleyball, je boule. sais pas quoi. Ah, il est bien Ouais. celui-là. C'était un bon jeu. Ah, il était Le C'était jeu un avec bon la nana jeu. là qui courait. T'avais les cuisses, elle avait Ah des cuisses non, c'est comme une ça. vitrine Et ce jeu. elle avait des Nibas, il aurait dit des airbags de Porsche. Voilà, ah, je suis d'accord. T'as déjà vu des Ah ouais, c'est airbags de clair. Porsche, toi? Ouais, j'en ai vu des airbags de Porsche. Une fois dans une Porsche, mon pote il a eu un star, j'étais avec lui, mon pote dans une Porsche. Le truc s'est déclenché, je l'ai eu dans la gueule. Je peux te dire que je l'ai vu de près. Il m'a poncé le cerveau, là tu vois, j'avais une putain de brûlure sur le crâne et les lunettes éclatées. Hein. J'avais le nez explosé. Hein. Je peux te dire que ça marche bien. Hein. Sais, t'as le façade et puis sur le côté, le rideau là. Paf, paf, dans ta gueule. Hein. Tu ressors de la dent, t'as une tête comme ça. Hein. Et il a tapé à 40 à l'heure. Hein. Il roulait doucement, il est rentré dans le cul là. Paf! Ouais, les Japonais, quoi, les Japonais? À l'époque, c'était des vrais jeux. Faut dire, à l'époque, il n'y avait pas de mise à jour, donc ils n'avaient pas beaucoup Ouais, non, mais. De droit toute à l'erreur. façon, les gars, Japonais, ils aiment ça. vous êtes des bolasses parce que vous parlez de jeux, mais vous avez pas joué au vrai jeu. C'est Les quoi un vrai jeu Yakuza. alors? C'est Ah, quoi un vrai jeu, Romu? Balance! il vient de t'en nommer un, la Sansuya Kakuya. Ça, c'est des bons jeux, ça. T'as les C'est du nanas. solo, T'as les ça. nanas. Ça, T'as c'est. la Ça, nana c'est. qui recherche son code, qui est en train de faire comme ça, là. T'as l'impression, tu sais, il y en a, ils sont là. Oh oui, vas-y. Il y en a, ils jouent qu'avec ça. Attends, les jeux d'aventure où c'est en troisième personne et quand tu Non, avances, tu non, regardes que le cul de la meuf? Genre à la horizon? non, non, Ah,
Ça, les Sansa Kakuya, c'est des trucs un petit peu hot, mais sans plus. T'as pas intérêt à streamer un jeu comme ça, tu Mais veux si vous dire? voulez des vrais culs, si vous voulez des vrais culs, des vrais jeux de cul, de cucu, vous allez sur la PS Engine CD, les gars, cherchez où il y a des perles. Je vous en dis pas plus. Je les ai jamais streamés Ouais. parce que je peux pas les streamer, mais vous Ah avez non. que, les gars, 18 plus. La totale, hein. Vous avez la meuf Après, qui vous pompe, qui vous monte dessus et tout, les gars. Vous aurez de quoi faire. les Japonais, c'est eux qui ont inventé l'érotisme. Hein. C'est eux qui sont venus avec le porno. Je vous dis, hein. Avant, c'est pas les Américains. Hentai, ça veut dire pervers. Hein. C'est pour ça qu'ils sont puceaux à 34 ans. Les boules de Un quechua. petit peu jusqu'à maintenant, je pense. Bah, Des t'en as, ils en chances. ont pas compte, ils ont jamais collé un scud. Hein. Passionné. Voilà, ils sont hyper coincés. D'où les Moi, mangas. je pensais que ça venait des États-Unis, le porno. Ah Le ben non, porno, non, ça. ça, c'est non, non, Le c'est porno. asiatique, ça. Oh, non, ça vient pas de l'Asie. Hein. Kamasutra. Alors, vas-y, Si, d'où vient ça vient de l'Asie, c'est le, ça d'où vient de l'Asie, d'où vient les le films Kama Sutra? érotiques. Non, non, mais tout d'où vient le Kama Mais Sutra? non, ça vient de Jackie Michel. Non, d'où vient le Kama Sutra? Tiens, je vous attends là. Je vais rire. L'Inde, Dis-moi. End, Marlon end, end. Chiappa. Exactement. Bah Tout le ouais. monde fait la confusion. On croit que ça vient du Japon, mais ça vient de l'Inde. Bah non. Voilà, Meumeu. Allez, va dans l'espace. Tu reviendras un C4. Salut. On va écouter Qu'est-ce qui l'ascenseur. s'est passé? Et il est parti regarder du porno. Il est Ah parti non. dans le truc d'ascenseur. C'est En une salle salle d'attente. patate. Bien. Et pourquoi Oh tu mets pas une sonnerie, ça mou? En salle putain. d'attente. Non, mais il y a la sonnerie des meumeux. Eh Eh oui. oui. Voilà. Il faut mettre une salle d'attente où il n'y Putain, a que c'est de pas ça. possible. Donnez de donner, donnez-moi de la moulaga. Donnez. Bon, ça y est, j'ai passé la moulaga. Qui va faire un don? Personne. Faut que je me fasse un don sur mon live d'un euro. Est-ce que si je fais un don d'un euro, ça déclenche Hey, Baikil, tu m'as fait rire lorsque tu m'as envoyé sur Instagram tout à l'heure. Se faire un don, c'est pas le meilleur plan vu que tu dois payer des taxes et tout bien, ça. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, 52 euros un Samurai Spirit. Il est encore en vente? Ah non, ça c'est un jeu Neo Geo, ça. Ouais, Samurai Spirit, ouais, c'est vieux. Attends. Non, je pense qu'il a été vendu. Ah non, il est toujours en vente hein, sur Vinted. Faut dire, attends, le commentaire avant les jeux, on les consommait à mort, maintenant c'est du fast-food. C'est devenu du fast-food parce que c'est comme ça qu'on a envie de le consommer aussi, hein. Faut arrêter, hein. Maintenant, quand il y avait un gars qui avait fini un jeu, le mec il mettait son nom sur le t-shirt, on regardait les scores, on se disait ah ouais, c'est lui, mais maintenant il y a un jeu qui sort, tu l'as même pas fini, il y a un nouveau qui sort avec Tech, et puis après 3 mois avec un nouveau qui sort pour un nouveau qui remasterise, et on finit pas que dans les dernières versions sans jamais finir un jeu. En Puis gros, c'est ça, et puis ça. tu as le système du Game Pass, hein, les jeux comme ça, ouf. Et tu en fais un, tu en fais un autre, tu en refais un autre, après tu sais plus. Après tu Mais n'arrives plus à terminer après, aucun, quoi. en physique, ça marche Limite, il aussi, te dit hein. oui, c'est gratuit jusqu'à temps et tout. Donc et là, tu te presses pour finir parce que sinon, tu n'auras Eh plus ouais. le jeu. Ah ouais, non, les gars, c'est... Comment t'as dit ça? Le monde devient fou, ouais, on devient cinglé, là. Tu m'étonnes que le monde devienne fou. De toute façon. Finalement, les jeux vidéo sont au même niveau que notre président, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas faux. Ah ouais, des avenirs incertains. Il n'y a plus d'avenir. C'est bientôt la fin du monde. Là, je l'ai vu dans ma boule de cristal. L'avenir, c'est qu'est-ce que tu fais dans 2 heures, en fait. Attention, il a Non, dit que mais. les jeux vidéo, ça rendait les gens méchants. Attention, hein. Non, violent, 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 violent. Ouais, c'est. Violent, et après, il fait C'est rétro pédalage. Il dit en France, ouais, on c'est n'a vrai pas qu'on est de jeux violent, ouais. vidéo. Ouais, on est violent, ouais. Gros Ouais. dindon, moi je dirais plutôt, on nous vend tellement de cinématiques, tu vois, on voit les choses tellement magnifiques et tout, et qu'on oublie qu'avant qu'on nous vende un jeu, c'était manette en main. C'était Ouais, pas une avant, on te vendait cinématique. un jeu avec une boîte, je sais pas, genre Metal Gear, Une c'est jaquette, ouais. sur NES, Une t'avais jaquette. un truc de film, et dedans, t'avais un pauvre truc qui se baladait. Hein. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu T'achetais sur la racontes? jaquette. Mais qu'est-ce que tu racontes? Avant, tu sais, t'allais dans le magasin, tu vois, t'allais dans le magasin. Tu prenais
Tu prenais la boîte comme ça, tu vois. Tu prenais la boîte, tu regardais la face. Et à l'arrière, tu regardais les photos. Ah, tu regardais les photos avant. Tu avais des photos à l'arrière. Et puis à un moment, il y a eu et au moins, une photo. Tu avais des boîtes, qui ressemblaient à quelque chose. Tu avais des boîtes qui ressemblaient à quelque chose. Et surtout, avant, tu sais, quand tu prenais ta boîte et que tu l'ouvrais, ça sentait le carton. Le vieux carton, tu sais, le vieux, ça sent bon, vieux. Elle a dit ça, j'ai fait, ça sent bon, vieux. T'aimes aller dans les EHPAD? Peut-être, hein. Peut-être que le week-end, elle ne sait pas quoi faire, elle va dans les EHPAD. Vous dire, ça sent le plastique, c'est tout. Batman, il est à mettre dans la cave, c'est normal. Voilà, il y a de l'humidité dans la cave. Et à l'époque, tu vois, tu avais des petites notices. Ah ben, Batman, ça va dans la cave. Hein. Comme ça, tu avais des notices, tu vois, avec tous les trucs, tu vois. Et ouais, toutes les explications. T'avais tout, tu vois. Et l'histoire du jeu. Moi, je me rappelais, les gars, sur Final Fantasy, ils achetaient la Bible, ils achetaient des trucs, ils se prenaient la tête. Aujourd'hui, plus personne ne se prend la tête. Avant, tu attendais le console plus. Ouais, exactement. On allait chez la copine qui nous dit « Ah non, mais si vous achetez pas les magazines, vous n'avez pas le droit de les lire. » C'est vrai. Et la vieille peau, là. Ouais, exact, exact. La vieille peau qui nous dit « Si vous achetez pas, vous n'avez pas le droit de lire, les jeunes. » Même la map en carte. Alors, la vieille peau, à un moment, on lui a dit « Madame, comment vous voulez qu'on achète si on ne peut pas regarder ?» Ah ouais, s'il n'y a pas accès. Et après, la nana, elle a fermé sa gueule parce qu'il y avait une loi qui interdisait qu'on n'avait pas le droit de lire. Et là, tu as « vous n'avez pas le droit de lire. » « Mais madame, où c'est marqué? Il faut marquer, vous n'avez pas le droit de lire. » Pour les feuilles. C'est vrai. Donc, elle a fermé sa gueule, la vieille. On passait un quart d'heure ou une heure dans sa boutique. Mais par contre, ça a été remplacé par les influenceurs aujourd'hui. Maintenant, c'est c'est pas des influenceurs. Qui te dit, tiens, regarde, t'as vu le jeu, il est comme... Non, la démo, maintenant, c'est les influenceurs. Regarde. La démo, on le testait. Non, mais écoute bien. Influenceur. Selon Wikipédia, définition et cadre juridique en France. Selon le dictionnaire Larousse, un influenceur est une personne qui, par sa position sociale, sa notoriété ou son exposition médiatique, a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire sur les décideurs. Voilà. Demande à Google, est-ce que c'est un influenceur? Oui, donc on est bien d'accord, c'était des trucs de politique, en fait. Ça n'avait rien à voir avec les jeux vidéo. Non, plus tu as de notoriété, plus tu imposes des choses. Mais voilà. Et ouais. Oui, mais à ce moment-là, tu vends tout et n'importe quoi, en fait. Non, mais on n'a rien là, à voir avec... Eh oui, c'est lui s'en fout, lui, de ça. Si tu compares ça avec un magazine papier, si le magazine il est très reconnu, je sais pas, genre Game Cult, à un moment, c'était des mecs, soi-disant, ils étaient intègres, etc., leur avis avait plus de poids que le torchon que t'achetais. Tu vois, c'est toujours la même chose, c'est juste la façon dont l'information est diffusée. Eh oui. Puis tu as les enseignes qui sont derrière. Voilà. Tu influes mon jeu, et en contrepartie... Je t'envoie quelque chose. Franchement, moi, ce que je constate, dès qu'il y a un jeu qui sort, tout le monde est... C'est tout. Oui. C'est hypé. Et après, ouais, au lieu de dire que le jeu, il était nul, ils préfèrent pas en parler. Mais c'est normal, il y a les enseignes qui sont derrière. Si tu dis au mec qui te fournit des jeux que c'est de la merde, il va pas te fournir. En fait, le jeu vidéo, c'est ça qui est vicieux dans le jeu vidéo. Parce que quand tu vois les trucs... C'est un deal. Je sais pas, M6, là, Turbo, tout ça, eux, ils s'en foutent, ils testent la voiture, ils vont pas l'acheter. Toi, le jeu, si tu veux le tester, il faut que tu l'achètes. C'est un deal, c'est comme ça. C'est ça la grosse différence avec le média. C'est devenu très dangereux entre de ne pas aimer un jeu, tu l'as acheté, et en fait, tu vois, c'est pas ton jeu, et entre le jeu, il tourne pas. Ça, c'est chaud. Ton don. Alors, j'ai reçu un don dernièrement sur PayPal. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui m'as fait un don de 5,39 €. Est-ce que c'est ça le don que tu parles? Le dernier don que j'ai eu, 5,39 €. Par 15 euros, à jour minuit, j'ai payé Blaze, qu'il est. Ouais, 19, ça c'est Maxime Chao qui a mis la note. Est-ce que tu parles de ça? 5 euros et quelques. Ouais, donc en fait, il y a eu des influenceurs qui ont pris une notoriété sur les jeux, en fait. C'est tout. Pas que sur les jeux, hein.
Finalement, c'est eux qui vendent les jeux, les développeurs n'y arrivent plus. Mais dans la vie, tout le monde s'influence, même nous en discutant, en débattant, etc. On se donne une influence. Ton point de vue va m'intéresser, je vais peut-être voir ça différemment, tu vois. C'est ça, c'est la vie, c'est s'influencer. Attends. Moi, j'avais mes potes qui jouaient à Final Fantasy. J'aimais bien les regarder, mais jamais j'ai acheté ça. C'est pas une histoire, le jeu est nul, mais ça m'intéresse pas. Mais c'est intéressant. Mais ça veut pas dire que je vais aller l'acheter. Mais là, on a l'impression si tu l'as pas, t'es pas là, quoi. Je te remercie pour ton don. Faut être dans le move, c'est le jeu du moment. J'aimerais bien que tu m'expliques par où tu es passé pour faire ton don. Parce que tu m'as fait un don de 4 balles. 3,73 €, donc tu as dû faire 4 €. Même plus que ça, parce que je pense que PayPal est passé par là, il a croqué. De toute façon, PayPal, il croque toujours. Mais je reçois pas les notifs quand j'ai des dons. Donc je suis désolé, les gars, si je vous dis pas merci. J'ai pas de notif. Donc, bah merci. Je vais pas dire ton nom parce que je pense que tu veux rester anonyme. Bah merci pour ton don. Ouais. Et j'avais reçu aussi un don de 5 balles le 30 septembre. Et j'ai pas dit merci. Je suis désolé, les gars, je dis pas merci parce que je regarde jamais PayPal. Je regarde seulement quand j'envoie. Et j'avais eu un don aussi de je sais plus combien. 10 €, j'avais reçu aussi un don. Voilà. D'ailleurs, minuit 30. J'ai le Steam en 4K. Hein, ouais. À minuit, je le Steam en 4K. Il stream quelque chose en 4K. Je sais pas ouais. Ce que ouais, parce qu'ils ont dû prendre chose. La précommande. Le DBZ Sparking Zero, c'est ça? Bah ouais. Tu peux le streamer à partir de minuit. Tant mieux pour toi. Mais ça veut dire que t'as okay, 30 balles de plus alors. J'espère que le serveur va tenir. Hein. Mais parce oui, que du Dragon Ball, niveau visibilité, il y a beaucoup qui ont streamé. J'en ai jamais vu un, mis à part le Fighter Z. Il n'y en a aucun qui tient la route au niveau serveur en ligne. Bon, moi j'en connais un. Bientôt il va avoir du boulot. Il va encore faire la gueule. Allez, tu m'as fait un don de 4,20 €. 4,20 €. T'as donné 4,20 €, mais PayPal, il est passé par là. 3,73 €. Faut faire entre... Ah, tu peux pas entre proches. Ah, tu peux pas entre proches. C'est vrai que c'est la plateforme qui prend ça. Bah, merci. Hein. Ça paye un kebab, presque. Bah, ça paye un paquet. Ça paye un cornet de frites. Pas grave. Alors, le Sparking Zero en solo, il doit être nickel. Mais à mon avis, faire un match en ligne contre quelqu'un, vous allez vous arracher les cheveux. Mais tu peux faire aussi Instant en local. Hein. Tu l'as payé cher ton jeu sur Instant Gaming. Tu aurais pu le trouver sur Pingwicht. En local à... ouais. C'est-à-dire il y a un mode local avec deux personnes sur la même télé. 57 balles ou 58 balles. Bon, c'est avis personnel, hein, d'accord. Moi, j'ai acheté une grande télé. C'est pas pour la diviser en deux. Stream ouais, bon, voilà, c'est comme ça. Alors, faut jouer à FighterZ, hein, si tu veux pas diviser ta télé. Non, mais c'est réduit. Il y a deux personnages. Ah, oh, mais t'es chiant. Tu peux mettre le lien, tiens, je te mets. Tenkaichi avait un seul personnage, hein, donc est-ce ça que, va. Est-ce que tu peux mettre le lien du stream machin là? Ah, c'est la Deluxe, j'ai cru que c'était la version classique. Autant pour moi. Non, mais ils vont s'éclater sur le jeu, ils vont s'éclater. Mais après, dès que janvier va arriver, les autres jeux, ils vont sortir, c'est bon, comme d'habitude. Ouais, mais t'inquiète. Ils vont le mettre de côté, il va falloir inventer des DLC pour les faire revenir. Voilà, il y aura du SAV derrière, des packs voilà, saisonniers. Ouais, du SAV. Voilà. Oui, t'inquiète, le bouton carré va refonctionner, reviens. Après, le jeu, il va peut-être être compétitif, donc il va y avoir des communautés qui vont... Zéro, ils n'en ont pas parlé. Les jeux compétitifs, il y a déjà la compétition avant même que le jeu sorte. Ah ouais. Regardez Street Fighter V, les compétitions sont sorties même avant que le jeu sorte. Mais donc où t'as trouvé... Il peut pas. Où t'as trouvé le Stream Element? Il y a le Stream Element sur la chaîne. Ouais, il est épinglé. Je sais pas. Non, il apparaît même pas dans le. Dans le...
Là, même moi qui suis dans les jeux de combat, c'est pauvre. Un stream Il y en a element plus. big Pac-Man point type, ok pour moi. Il y a beaucoup de types de jeux qui se sont beaucoup appauvris ces dernières années. Il n'y a Je plus de jeux crois de que baston, il n'y a que des jeux de shoot. le Home 3D il marche plus. Ah, ce qui est marrant, c'est que c'est encore zone jeu rétro. Non, mais je ne sais pas si on se rappelle Street Fighter, les compétitions qu'il y avait. Aucun autre jeu a récupéré ce niveau. 184 persos directement sur le Sparking. Bah, les gars, si vous voulez voir du gameplay, allez sur la chaîne de Paravec à minuit, il va streamer. Au Sparking Zéro. Ah, il y a 2 minutes, il a fait du Lats Resort. C'est pas que les jeux sont de moins en moins bons. Moi, je Ah, parle plutôt en finalité, comment tu l'as ressenti. Est-ce que tu as pris ton pied? C'est là où je rejoins Romu. Comment toi, parce que ça, c'est notre avis personnel, mais est-ce que toi, tu as pris ton pied? C'est ça, en fait, c'est tout. alors, ce qui est bien, c'est qu'il fait du Lats Resort, mais il est en train de galérer pour paramétrer son émulateur. Le pauvre avec. Et tu parlais à qui Il du coup? galère! Il galère. Perso, beaucoup de Dark Souls-like en ce moment. Ben non, Black Myth Wukong, c'est plutôt un Kratos-like. Kratos-like, vous avez vraiment donné des catégories au jeu, les gars. Kratos. Je pense que tu as vu que Black Myth Wukong nous ressemblait à du God of War, hein, mais bon. Ça ressemble plus à du Elden Ring. Hein. Black Myth Wukong? Bah Ouais. oui. Il gère avec le système de pointage des adversaires. Est-ce que le jeu a été réputé comme un jeu dur ou pas? Oui. Est-ce que vous avez vu dans mon espace communautaire, j'ai partagé un truc. Vous n'avez pas vu? J'ai partagé un logo. C'est le logo des Cosmo 4. D'accord? Et je marque, c'est quoi? Il y en a, vous savez ce qui sort? C'est véridique. Hein. Faut le faire. Hein. Franchement, le mec aurait voulu le faire, il n'aurait pas fait. Un nouveau parti politique. Ou le logo de la PS6. Ouais, si tu veux. Ah non, c'est Endo en plus qui dit ça. Il sait même pas ce que c'est. AMD sur Endo. Oh, moi, tout à l'heure, je regardais une grosse merde, tout à l'heure. J'ai regardé Capsize, le live action. Et Vous avez pas connu les Cosmo 4? Attends, Wukong est un mélange de God of War. Ouais, ok. Mais ce qui serait le plus dur, c'est qu'il rate un jeu solo. Un jeu solo raté, c'est chaud. Oui, dans la structure du jeu, c'est un God of War, mais ça ressemble plus à Elden Ring. Tu veux ou pas? C'est pas un. Attends, Elden Ring, dans Mais quel à quel Elden Ring, niveau? mais même À quel niveau? Elden À Ring, quel c'est pas un God niveau of War, non. la mécanique, le fait de pointer son adversaire, la difficulté des boss aussi, parce Oui, que ça ressemble à Dark Souls. à ce moment-là, c'est un Ninja Gaiden aussi, hein, c'est au même niveau. Oh non, Ninja Gaiden, c'était plus accessible, non? Ah oui. Et j'ai vu un mec passer il y a passé 6 heures sur un boss, hein, sur Black Mirror. 6 heures. Ouais. Il Bon, avait lui, après, oui, mais pas. lui, ils jouent en hardcore. Il devait pas avoir de skin, je pense. Bah, ils jouent hardcore aussi, hein. Tous les jeux, ils sont en difficulté max. Bon, moi, il a de la durée de vie, on va pas se plaindre, non? C'est quoi Non, la pour logique? moi, c'est le même jeu. Ça n'a pas changé. Non, C'est le vous même. Moi, voulez. franchement, je ressens le même programme. Ça n'a Vous pas voulez changé. C'est le même programme, un en bon moins jeu? bien fait. Si vous voulez un bon jeu, j'en ai un pour vous. Il faut tester le jeu, il s'appelle Necrostory. Ça, c'est un bon petit jeu RPG tranquille. Tu démontres, tu les gagnes, après tu te bats avec eux. Faites-vous plaisir, les gars. 15 euros. J'aurais été de moi aimé qu'ils ressortent en D3. Beginnement 2, la revanche de Ouais, Gon. Ouais. mais il y aura pas malheureusement parce que le 2 il existe, hein, mais en version manga au Japon. Donc il n'y aura pas de Ce qui est marrant, 2. c'est que les mecs sont déjà en train de streamer le Dragon Ball Sparxia Zero. Ils sont déjà en live, les mecs là.
Ils se le sont procurés en démat. Là, j'ai répondu à un con là qui s'est moqué en disant ouais, les gens qui devront se le procurer en physique, ce sera le 15 octobre. Et là, il est disponible. Et là, je l'ai répondu sur TikTok. Mais non, c'est le 10 et le 11. Mais oui, mais il y en a, ils vont le recevoir le 15. Moi, je m'en fous. Voilà, hype, je joue en premier, je scie ou un truc et tout, et puis après. Ouais. Wow. Mais les gens qui se le sont procurés en numérique, le jeu leur appartient pas. Ah, le physique Mais non non. plus, hein. Ah, même que tu l'achètes Ouais. avec un Même le DVD, physique. ils Ouais. vont raccrocher le jeu plus vite que les autres. Ça C'est tout. te Tout ce donne que que je vais l'accès au voir. jeu, en fait, le CD. Avant, Amazon, ils te livraient le jeu. Ils envoyaient le jeu avant sa sortie. Maintenant, ils l'envoient après la sortie. Parce que la dernière fois, tu parlais de Zelda. Zelda, ça a été le jeu qui m'a mis une claque. Lequel? Lequel? Depuis le premier. Oh là là. Depuis le premier, j'avais pas vu de monde ouvert. Moi, c'était mon premier jeu, monde ouvert. Voilà. Ou c'est pas comme Ikea, suivez les flèches et tout. Non, non. Tu faisais ce que tu avais à faire. Tu jouais au jeu. Voilà. Point. Là, maintenant, je suis désolé, mais le black truc là, t'as... Non, tu dois suivre une ligne directrice. Oui, dans Black Sinon, Mythbook. oui, t'es obligé. T'es obligé. Donc, quelque part, les flèches, elles ne sont pas affichées, mais t'es obligé. C'est Oui, pas mais libre. c'est pas du Zelda-like. Même Elden Ring, c'est pas un monde ouvert aussi. Beaucoup de gens croient que c'est un monde ouvert, mais c'est pas un monde ouvert, Elden Ring. Quand même, Bah, si, un c'est un monde petit peu ouvert, oui et non, plus, parce que un tu petit peux. peu plus, parce que la map, elle est 1000 fois plus grande, donc il y a de quoi faire. Voilà, il y a des Elden Ring, Mais par tu. contre, si Tiens, tu c'est. compares Elden Elden Ring Ring, avec Zelda. je vais relancer une game à Elden Ring. Je vais aller le faire. Je vais aller Elden reprendre. Ring, il dit que c'est un monde ouvert parce que si tu veux, tu peux directement attaquer le boss final avant même de te faire les autres boss. Non. Il y en a qui l'a fait. Ah si, il y en a qui l'avaient fait. Hein. Non, tu peux pas. Tu es obligé de tuer certains monstres pour débloquer l'ascenseur. Non, je pense que quand tu as fini le tuto, c'est possible. Non. Tu es obligé de tuer certains boss pour aller tuer le boss de fin. Tu peux pas aller le tuer direct. Il faut que tu tues certains boss pour activer l'ascenseur là, pour monter. Jusque-là, tout va bien. Mais ça veut dire que tu peux te promener toujours. Tu vois? C'est pas Ouais. comme les jeux où si t'as pas fait le boss 1, le boss 2, le boss Quand 3. tu te promènes, tu tombes sur des mobs, le mob il te pourchasse, il te tire un coup, il te one shot. Ouais, c'est ça le Ouais, problème. parce que Après. t'es pas dans l'endroit de ton niveau en fait. Ça fait comme Elder Scroll. Exactement. Voilà. En réalité, moi, mon pote, il m'a dit, ton personnage, là, tu vas là-bas, là, sur le point de Pex, tu Pex 1h30, tu prends alors genre 15 levels, tu vas sur la boss de fin, tu lui roules dessus. Je dis, mais il n'y a aucun intérêt. Et l'endroit aussi dans le château, là c'est un donjon, je crois, un château, je sais plus, apparaît, où t'es obligé de mourir pour continuer le jeu. On va le trouver le truc là. Y a tellement longtemps que tu es là, Mastercock, tu es un modérateur. Et tiens, Attends, Fred. le jeu qui s'appelle Snake. Attends, merde, le personnage. Oh, j'oublie. Metal Gear Solid. Solid. Metal Gear. Merci, yes, Metal Gear. Metal Gear, moi, hein, je crois que c'était le 2. Il y avait un boss qui s'appelle, je sais pas, Psycho, qui était dans la psyché, un truc. D'accord. Qui sait comment fallait le niquer? Moi, je suis C'est tombé simple. bêtement sur. J'ai réussi à Ah, le buter bêtement. c'est simple, tu branches Bêtement. la manette numéro 2 sur ta console et tu. J'avais deux manettes et j'ai pas fait gaffe que j'ai pris Ah. la deuxième manette. Ah, c'est tout con. Ouais, Et mais en ça plus, c'est quoi? t'es ballot parce qu'il te le dit. Dans le jeu, il te dit comment le Oui, il tuer. le dit, oui. Il Moi, le je l'avais dit. Arrête, j'ai C'est pas comme fait le gaffe. code de Ah, bah. Beryl qu'il faut prendre sur la Et boîte. vous connaissez, là, dans Metal Gear, il y a combien de fins? Il y en a Il y a combien de deux. fins dans Metal Gear? Dans le Trois et 3. Dans Metal Gear Solid 1, Romu? Il Ouais, il y a combien de fins? quatre. Trois, il y a y en a quatre deux. fins. Non, il y en a Il y en deux. a deux. Si, Il y en a il deux. faut que, si Deux. tu te soumis, si tu résistes, À la tu torture. résistes à la torture, Meryl Silverberg, elle ne meurt pas. Mais par contre, si tu te soumets, Mary Silverberg, elle meurt et tu t'en vas avec Otacon. Et Exactement. après, et la Exactement. fin canon, et la fin canon, c'est quand tu t'en vas avec Otacon, quand tu crois que si Meryl, elle meurt, parce que dans le 4, Solid Snake, il dit, mais je pensais que tu étais morte. Quand vous faites Metal Gear Ah ouais, Solid, oui, c'est vrai. dans Patriot. Parce que quand vous faites Metal Gear Solid 2, Solid Snake, au début, il a le camouflage optique. Et quand Otacon, il lui donne, il lui dit, ah, Oui. tiens, moi j'ai un camouflage optique pour toi. Et il y en a, il connaît l'histoire, merci Fred.
Et même quand tu refais un plus, Moi... un plus dans la PlayStation 1, t'as un truc en plus. Et c'est quoi quand tu commences? De quoi? Sur Quand t'as PlayStation 1. fini, quand t'as fini les deux fins, quand tu recommences Oui. dans le menu, t'as un bonus. C'est quoi le Alors bonus? dans Metal Gear Solid Le 1, bonus. Invisible. si tu termines, attends, si tu termines la fin où tu as sauvé Meryl, on te donne un bandana avec toutes les armes et Ouais. santé illimitée. Et tandis que si tu sauves si tu finis la fin avec Otacon, eh ben quand tu recommences, c'est un camouflage optique. Et moi j'aimais bien le bandana. Un autre skin? T'avais un autre skin? Il y a combien de temps Je dans déconne, je World déconne. War? J'en sais rien parce que ce jeu-là, je m'en bats les couilles. All War, Mais c'est moi, le jeu personnellement, moi. de merde. Personnellement, moi, j'ai trouvé Metal Gear Solid 2 comme une insulte parce que tu joues avec Solid Snake pendant les petites heures et après tu joues avec Raiden. Ben si, moi, j'ai trouvé ça comme une insulte. Les Ouais, fans, mais c'est ils ont fait gueulé. exprès, c'est un choix artistique. Bon, quand Ouais, mais même, c'est n'importe quoi. Et pour sans calmer les Snake, il choses, n'y aurait qu'est-ce pas qui eu s'est passé? Splinter Cell. Ouais, mais pour calmer les choses de ce qui s'est passé, ils ont fait une deuxième édition où, pendant ce que faisait Raiden, on joue les parties avec Solid Snake pendant ce que faisait Ça, c'est la Raiden. substance, ça. Ou tu peux même faire du skateboard. Hein. Il y avait une Voilà, tout à histoire fait. où son père, c'était le premier Snake, un truc comme ça. Ouais, en fait, c'est un clone. Ben, Ah y oui, a, ben, un oui, clone, c'est les ouais, enfants. c'est vrai. C'est les Les enfants. clones C'est terribles, ouais. les enfants porteurs, oui, les enfants terribles. Et la mère porteuse, c'est Big Mama Eva. qu'on trouve dans Metal Gear Solid 3. Et dans le 4. Et Bah, en fait, il y a une on est. autre. Il y a eu Solid, Liquide Solidus. et Lidus, Solidus. qui était en fait le président Josiers, Et lui, qui c'est était le le clone président des parfait, États. lui. C'est un clone parfait et c'est le père de Raiden. Ça, par contre, je savais pas ça. Si, c'est son père. Ouais. Putain, mais attends, Ok. dans cette histoire, il y a tout le monde qui tue ses parents, quoi. Et même dans Metal Gear Solid 4, on apprend qu'en fait, que Liquid Snake n'avait pas vraiment possédé le corps de Revolver Ocelot, qu'en fait, qu'il disait que c'est Revolver Ocelot qui, avec les nanomachines, il se l'est imaginé lui-même, Il quoi, qu'il voulait l'a l'imiter. hypnotisé pour ça. Non, non, mais ça, c'était pas vrai. Encore l'histoire. Solid Snake n'avait pas possédé le corps de Revolver Ocelot. C'est Revolver Ocelot, voilà, Ah, il l'a fait qui lui-même. s'imaginait en lui qu'il était liquide, quoi. Bah ouais, pour s'infiltrer. En fait, il a Et toujours été comment il sympa. s'appelle le ninja avec son épée dans Metal Gear? Qui ça, t'as dit quoi, Romu? Comment il s'appelle l'espèce de ninja robotique dans Metal Gear? C'est Raiden. Dans le premier, c'est. Attends, c'était avant. C'était le Jack Dagger, là. C'est. Le mec qui est mort dans le 2, là. Ils ont même fait un Non. jeu. Ils ont Dans même fait Metal un Gear, jeu pas avec. solide. Non, ça c'est. Dans Non, Metal c'est Gear. avec Ah, Metal Raiden, Gear, c'est oui. dans le Revengeance. Y en a un deuxième ninja et ils l'ont Qu'est-ce que pompé. vous avez joué à Raiden sur la PlayStation à l'époque? Oui, Metal Gear. Je l'ai. Metal Revengeance. Gear Rising. Elle était bien, tu Mais. décapites les gens avec ton épée. Bien ça. Ouais, mais Mais. après, il n'y a pas eu du succès. Il n'y a pas eu du succès parce qu'ils disaient que Wow. c'est pas un jeu d'espionnage, c'est qu'un jeu d'action. Par exemple, quand tu Ah, apparais dans des ennemis. Ninja Gaiden, excuse-moi, c'est t'en fais des pièces et tu tues des becs, hein. Bah ouais. Oui, je sais, non, mais dans Metal Gear Rising, par exemple, contrairement dans les Metal Gear Solid, t'as pas par exemple le truc où il y a le point d'exclamation où ça fait le. Avec le bruit. Ting! Le pire Metal Gear que vous avez joué, les mecs, c'était lequel? Bah, si tu sais bien que c'est lequel. Hein. C'est le dernier? Bah ouais, le truc qui est pas officiel, là, le truc de. C'était quoi le nom? Lequel? Unmetal. Non. Non, le truc qui est sorti, là, qui a sans Kojima, là. Je sais Splinter mais Cell? c'est le Je meilleur déconne. Metal Gear, c'est Unmetal. Non, pas le meilleur, le pire. Oh, le. Ah. Est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes sur la tête du robot là? Je sais plus comment il s'appelle le robot là. Et que vous devez attraper le méchant, lui mettre un coup de piqûre dans le cou pour le tuer. Le boss de fin. Vous Je l'ai pas fait celui-là, je l'ai vous pas. rappelez pas celui-là, ce jeu de merde là, où il faut que tu appuies sur la manette là. Il faut que tu fasses R2 plus le machin, que tu sélectionnes la seringue et que tu piques le mec. Et après tu le tabasses. Il y en a combien qui ont jeté les manettes dans le mur parce qu'ils comprenaient pas ce qu'il fallait faire. Et pareil, dans le jeu, il t'explique, il t'a dit, pour tuer le boss, il faudra que tu prennes ce truc-là. Mais les gens, ils faisaient, tu sais quoi? Ils appuyaient sur triangle, comme ça, ils appuyaient toutes les cinématiques. Ah, c'était Metal Gear Survie. Ce Survivor. Ah, mais c'est affreux ça.
À te voir, bonjour, c'est pourquoi? Tiens, il faut tu vas faire le. C'est l'heure de faire dodo, oui. Le Skinhold Hill, le remake. Ouais, mais bah, TG, il dit que c'est pas terrible. C'est portable. Mais il y a eu un test là de notre ami Julien dans sa chaise, il a dit regardez-moi ça, c'est le Unreal Engine 5, c'est formidable. Et il montre la gueule du mec, et tu sais, tu vois la gueule du mec, à un moment, tu sais, il est à moitié plus ou quoi que ce soit, tu vois les gouttes. Ah, c'est beau ça, je connais ce truc-là. Je sais pas qui a mis la musique, mais je connais ce truc-là. Je connais. Ouais. Enfin, bah, c'est bien. Il est minuit déjà. Ouais. Ouais. Bah, ça va être l'heure hein, d'aller au lit. Hein. Ah bon, on va aller voir par avec. 18h, 18h, Romu, 18h. Ouais, 18h. 18h quoi de live? Non, pour nous, c'est 18h. Ah ouais, oui, mais chez toi, chez moi, il est minuit. Minuit. Oui, je parle au futur et vous parlez au passé. Exactement, bah voilà, écoute, hein, chacun. Des trucs intemporels. Bah si, le monde parallèle que parlent les scientifiques, peut-être. Ouais, la gueule de ton monde parallèle. De toute façon, la Terre ralentit. Donc, ah bon? Bientôt, les heures. Ralentit? Une journée va faire 28 heures. Mais non, c'est parce qu'il y a une baisse de frame rate. Ce mois-ci, c'est le mois le plus long. Hein. C'est un grand mois. Ah non, chez toi, il fera pas jour 28 heures. Il fera jour que 4 heures. La Terre en train de filer aussi. Donc, voilà. Là, ah bah là, on peut. Hein la Lune qui va quitter l'atmosphère de la Terre va comme dans le Cosmos 99. C'est pas facile. Ouais, si la Terre ralentit, là, Macron n'aura pas tort à hein, travailler plus pour gagner moins. Bah, il parle de remettre la semaine à 40 heures. Hein. Ouais, ça fait un bout de temps qu'ils veulent faire ça. Ils vont te la mettre à 45 heures, la retraite à 75 ans. Non, ça, c'est un changement. J'ai une question à te poser, Romain. De moins d'heures, en fait. Ils voulaient faire moins d'heures, et ça, c'est pas passé, en fait. J'ai une question à te poser, Romain. Dans les 40 heures, est-ce que ce sera le même système que François Fillon vous le proposait en 2017? C'est les 39 heures, on est payé 35 heures et les 4 heures de plus, on est payé gratuit non. Ou non, on est quand même payé pendant les 40 heures. Non, la seule chose que tu vas faire, tu vas bosser 40 heures, tu seras payé 40 heures. Aujourd'hui, ah bon, tu ça va. 35 heures et t'es payé 39 heures. Voilà, exactement. C'est magnifique. Mais tu galeras pas plus. Et la retraite, il prévoit la retraite pour 2030, 72 ans. Et c'est génial parce que c'est-à-dire dans une grosse boîte, ils vont pouvoir enlever des personnes vu qu'à chaque fois, il y a 4 heures par personne en plus. Ça fait encore plus de chômage. Et puis, attends, il y a une petite subtilité dedans. As-tu fait tous tes horaires? Parce que quand tu vas arriver à la retraite, ils vont peut-être te dire il manque 6 mois. Et alors? Non, mais... La retraite, comme tu la connais, il n'y en aura plus. Non, mais la retraite, 2030, ça n'existera plus. 2030, on cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Que même, par exemple, moi, je connais un pote à moi, il touche l'allocation adulte handicapé, il touche 1000 et quelques euros par mois, 1000 euros et des poussières, et il s'en sort mieux que certains, que beaucoup de retraités. Ouais, ça y est, ça commence maintenant, même des personnes qui touchent le chômage. Voilà, c'est... Oui, âge, mais c'est pour dire, c'est qu'il y en a, ils touchent même 900 et quelques euros de chômage par mois, ils s'en sortent mieux que des personnes qui touchent la retraite. Ça, la retraite, ça servira à rien dans les prochaines années. Vu notre âge, limité, hein. Combien de présidents va passer avant qu'on parle de retraite? Que nous, on rentre en retraite. Combien de présidents va arriver par rapport à votre âge? Ce n'est pas votre âge. Par rapport à votre âge, combien de présidents vous allez voir avant de rentrer en retraite, les gars? Qui va peut-être changer la game. Pour moi, c'est les projets de présidence, c'est la retraite. Salut Paco. Ah non, Romu, t'as encore deux présidents, là. Non, toi, pas moi. Oui, mon petit Paco. Salut Paco. Salut Pixel. Salut Jury. Salut Nautil. Salut Elric. Moi, il me reste 5 ans à tirer, mec. Hein. Bah ouais, mais tu n'as pas tes trimestres vu que tu n'as pas travaillé. Donc ta retraite, ils vont te la mettre plus. Ah non, mais moi je serai au minimum vieillesse. 840 euros. Ouais, mais il faut encore l'avoir, ce minimum vieillesse. Parce que c'est. Je vais l'avoir. C'est pas non, avec l'âge, ça rentre en compte. Non, ça rentre en compte, comme ça. Eh oui. Non, 55 ans. C'est pas ce qu'il dit. Travailleur handicapé, tu prends ta retraite anticipée. Tant mieux. Hein. 55 ans, moi, je me casse, je suis à la retraite.
La retraite, elle va disparaître. Mais moi, je m'en bats les couilles. Hein. Tu sais, 50-50, déjà, si tu cherches jusqu'à 55, tu sais, jusqu'à 60, t'auras déjà bien, tu sais, 60 ans. Voilà, quoi, tu vois. T'es loin, ouais. Monsieur le prochain. Ah, ben, c'est loin de ton. C'est. Voilà, quoi. Moi, bientôt, je vais pouvoir partir au Japon. Tout frais pays. Mais bon. Ouais. Mais et quand je serai là-bas sur place, je pourrai acheter. Je serai avec ma carte bleue. Bonjour monsieur, je prends ce jeu, je prends ce jeu. Je ferai des lives depuis le Japon. Et j'ai une question à te poser, Romu. Michel Barnier, le Premier ministre, vu que c'est un gaulliste, ça et tout, est-ce que tu penses qu'il va arranger les choses et il faudra qu'on peut contrer le faucheton? Ce mec-là, il a été dans tous des postes clés, dans toutes les politiques depuis ces 30 dernières années, mec. C'est lui qui a fait tous les trucs qu'on a eu dans la gueule. Je pense qu'il est là pour installer Marine Le Pen au pouvoir. Ouais, je pense. Peut-être que je me trompe. Mais... Alors, mais de toute façon, le Front National ne passera jamais en France. Ils n'aiment pas les femmes. Si, ils vont tout essayer. Ils vont tout essayer, Romu. Ils ont essayé la gauche, la droite, les centristes. Ils n'ont pas essayé les noirs, ils n'ont pas essayé les femmes. Ouais, bah, mais c'est en Amérique, tout ça, ça marche pas. Si ce n'est pas Marine Le Pen, peut-être c'est Bardella qui sera président. Vous changez juste le mec. Il devait être le Premier ministre, hein, parce que ça a été c'est le gamin qui est le plus manipulable dans la politique pour le faire ce que tu as envie. Je pense que tout le monde a envie de le prendre, lui, c'est tu sûr. Parles de qui? Parce que le peuple n'en voulait pas. Bardella, Jordan Bardella. Tu sais, si tu es avec des gens qui ont envie de faire carrière politique, carrière, ça ne veut pas dire qu'ils règlent les problèmes du peuple. C'est-à-dire qu'ils sauvegardent. Son monopole. Non, mais normalement, c'est Attal qui devait. Là, soi-disant, là aujourd'hui, il est chez Marine Le Pen. Demain, on pourra le retrouver dans un autre parti, hein, ce gars-là. Il n'a pas fini. Hein. Il est au début, lui. Hein. De toute façon, on ne peut rien y faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de tout ça? Si, on peut faire quelque chose. Bah quoi? Mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Eh ben, il faut tout arrêter. Non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt d'arrêter. On n'est pas prêt d'acheter des jeux en précommande. On n'est pas prêt d'arrêter. On se met tous au chômage. On est en full chômage. Voilà. Faites gaffe, ils ont des robots pour nous remplacer. Hein. Mais il n'y aura pas de robots. De toute façon, de toute façon, tu sais, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. La caissière est remplacée par le robot, là. Hein. Non, je vais t'expliquer quelque chose. Rien ne disparaît, tout se transforme. Ouais, il faut juste du temps pour créer de nouveaux emplois. Mais dites cette chose. Rien ne disparaît, tout se transforme. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'évolution, tu as eu plusieurs révolutions. Ouais. Ouais. Tu sais, comme quand il y a eu le train à vapeur, quand il y a l'industrialisation, il y a des tas de métiers qui ont disparu et il y a des métiers qui se sont transformés. Il n'y avait pas des chômages de masse il y a 100 ans. Ben, en fait, franchement, la vraie question qui touche à tout, c'est l'énergie. Bah ouais. On aurait dit qu'en fait, que les histoires de droite et gauche, ce n'est qu'une interface devant l'économie d'énergie. Mais effectivement, tu n'as pas d'énergie, tu peux parler jusqu'à demain. Non, mais ça quelle énergie, quelle énergie. Ben, regarde, aujourd'hui, on consomme. Regardez comment on consomme, OK? C'est-à-dire qu'il va falloir plus d'énergie pour acheter des jeux qui ne sont même pas encore fabriqués, plus d'énergie pour tout ça. Ce qui fait que l'écologie va se faire virer d'un bras de fer rapidement. C'est clair. Clair. Ton commentaire que tu as mis, il est tellement vrai, il faut que je l'épingle. Il faut que j'épingle ton commentaire. Ça, c'est un commentaire qui vaut du son pesant de cacahuète. Lequel, Romu? Bah, bougez pas, je vais vous l'épingler. Voilà. L'intelligence artificielle ne peut pas nous gouverner, elle est trop intelligente. Non. C'est la vérité. Nicolas Perret, il expliquait que de toute façon, l'intelligence artificielle, elle sert toujours les intérêts des êtres humains. Le vrai problème, c'est les êtres humains. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une IA est basée sur des algorithmes. C'est-à-dire, elle apprend par rapport à des bases de données, des bases de data.
Ça fait 30 ans qu'ils récupèrent toutes tes données, qu'ils connaissent la taille de ton string. Pour celui-là qui porte des strings, connaît la taille de ton string, la taille de tes chaussettes, ils savent tout sur toi. Ils savent tout sur toi, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu regardes, sur quel site porno tu regardes. Ils savent tout. Combien de fois tu t'astiques le barreau dans la journée, ils savent tout. Tout est data santé. Le jour où l'IA n'aura plus besoin des databases et qu'elle commencera à apprendre par elle-même, il y a eu des essais dans des universités aux États-Unis où il y avait de l'intelligence artificielle. Et le problème, c'est que l'IA a commencé à apprendre par elle-même sur des databases et après, elle apprenait toute seule. Et commençait à avoir peur parce qu'elle commençait à avoir une espèce de conscience. Et elle sortait des trucs qu'ils ne comprenaient même pas. Et quand ils regardaient le programme, ils ne comprenaient pas. Parce qu'en fin de compte, l'intelligence refaisait automatiquement ses propres scripts. Elle mélangeait tout, elle changeait tous les algorithmes, elle changeait tout elle-même. Ils ont commencé à avoir peur, ils ont débranché la prise. Ça, il y a une dizaine d'années de ça. Hein. Et en plus, le pire, c'est que... T'as tout dit, ils ont débranché la prise. Non, et pour regarder, il y avait l'autre, là, comment il s'appelle, là, celui qui était dans son fauteuil à roulette, là... Hawkins. Il a dit, l'IA c'est... Il avait peur de l'IA. Il disait, l'IA, c'est la plus grande catastrophe qui arrive sur l'humanité. Non, parce que le problème, Même James Cameron l'avait dit pour le film Terminator, il a dit, ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Il avait même dit qu'on m'a pris pour un fou. James Cameron. Moi, j'y crois pas. L'IA, elle est à la ramasse. L'intelligence artificielle, je l'ai dans les jeux vidéo. Depuis combien de temps, moi, l'intelligence artificielle, je suis au-dessus d'elle. Là, tu te trompes lourdement. Regarde la vidéo de Nicolas Perret quand il raconte l'histoire de l'IA. L'IA, ils sont obligés de la calibrer. Si elle est trop intelligente, si elle te voit quand tu es dans un jeu d'infiltration, etc., tu peux pas jouer. Ils sont obligés de faire en sorte de la brider. L'IA apprend sur moi. Mon intelligence a 1000 fois plus de RAM que l'intelligence artificielle. Ouais, je n'ai pas peur de ça. Non, c'est pas, c'est sur pas moi ça, qu'il problème. Pompe. C'est sur moi qu'il pompe. Une véritable IA qui réfléchit, ça jamais n'existe ça sera pas plus puissant qu'un humain. Pas avant des dizaines et des dizaines d'années. Mais l'IA, comme tu l'entends aujourd'hui, l'IA, tout le monde dit, ouais, l'IA, c'est Terminator et tout et tout. C'est... Non, pas maintenant. C'est pas ça. Pas maintenant. Dans 10 ans, oui. Non, mais regardez cette vidéo de Nicolas Perret, là, si tu peux l'ordonner. Déjà, c'est super, faites un truc tout bête. Non, mais faites un truc tout bête. Ça n'arrivera pas. Regardez le jour où il y aura des vrais ordinateurs quantiques. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle d'ordinateurs quantiques. Vous savez, les ordinateurs quantiques, qu'il n'y a pas de zéro, qu'il n'y a pas le 1, tout ce qui est binaire, qui seront non-binaires, c'est-à-dire qu'ils pourront travailler comme ils veulent. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, ils tournent quoi? Ça tourne combien de temps, l'ordinateur quantique? C'est des millièmes de secondes. Et après, ils surchauffent et ils sont obligés de les arrêter. Sinon, ils crament. Dans quelques temps... Ça s'améliorera. S'ils arrivent à faire des vrais ordinateurs quantiques qui tournent, c'est terminé, les mecs. Et puis surtout... Vous lui posez une question. Par exemple, vous avez une équation. Ils ont des équations aujourd'hui. Il leur faut de supercalculateurs pour trouver les résultats. Là, vous mettez la formule. Paf, la formule, elle sort même pas en une minute. Ouais, mais attention, peut-être que vous confondez des robots avec l'IA. Non. Mon micro-ondes, c'est un robot. Mon micro-ondes, quand j'en ai marre, je le prends, je le fesse par terre, mon gars. Je vais te donner un exemple. C'est rien du tout. Ah, mais attends, je vais te donner un exemple. Il y a une paire d'années de ça, tu vois, il y avait une université dans l'Est de l'Europe. Ils ont fait un... Comment t'appelles ? Ils ont pris une carte graphique. C'était 2080. Ils ont créé un algorithme spécial de calcul pour la carte graphique. La carte graphique avec ce truc-là, elle était plus puissante qu'un supercalculateur à 30 000 $. Et ce qu'il disait, c'est que toutes ces cartes graphiques, tu peux les mettre en parallèle. Ouais, mais c'est comme les PC, tout ça, avec les multicœurs. Il faut savoir aussi les harmoniser. Quoi. Vous voyez, il y a un truc bizarre. Est-ce que ça ne changera pas? Non, regarde, il y a un truc bizarre. Est-ce que tu entends la télé derrière qui s'est allumée? Vous entendez la télé, là? Oui, j'entends. J'entends, moi. Et on parle de quoi? Ouais, j'entends. Ouais. Alors les gens vont me dire, ouais, c'est ton chien. La télécommande, elle est sur le dessus du plumard. Là, il y a des trucs bizarres chez moi, la télé qui s'allume tout seul, les lumières qui s'éteignent, qui se rallument. Des trucs bizarres en ce moment chez moi.
C'est un signe. Je te rassure, moi aussi, des fois, la télé. Mais j'ai l'impression que c'est les télés connectées, ça bug Allez, pas par moment. Ma télé, mon Et nous, on appelle ça du vaudou, frère. un drone américain contrôlé de par ailleurs retourne contre son opérateur. C'est possible. C'est possible. Ah, putain. Bah, tu sais, il a une mauvaise information. Puis voilà. Ça changera quoi, oui. En fait? Ça changera quoi? Si l'humain ne monte pas de niveau, l'IA ne peut pas monter. Non, non, c'est pas ça qu'il a dit Nicolas Perret. C'est qu'il faut pas, il et faut en pas, plus, non, il faut pas leur ça donner. Pas, ça n'a pas. Il faut pas oui, leur faut pas donner la le plein pouvoir de à l'IA. On s'en fout, ça, c'est pas grave. Des garde-fous. On s'en fout. On s'en fout. Des garde-fous. Parce que nous, si on sait on sait pas fabriquer l'esprit du truc, c'est mort. On fait que. Attends, c'est artificiel. Et toi aussi, t'es oui, mais le ce n'est pas réel. Hey, écoute, ce n'est pas réel. Alors, je vais te poser une question. Arrête de crier, s'il te plaît, parce que c'est fatigant, tu te rends pas compte, mais tu as une voix déjà qui est très puissante, et quand tu as un corps, ça fait mal aux oreilles des gens. J'ai posé une question. Il y a 40, 50 ans, ou même il y a 60, 70 ans, on disait la fiction. La fiction, c'est tu sais, les voitures volantes, tout ça, on disait. Aujourd'hui, tu as la réalité qui dépasse la fiction. À un moment ou à un autre, tu sais, tout ce qui est fiction, ça devient la réalité. Comme les téléphones portables, les machins, les toits, tout ça, on disait, ouais, c'est... ce sera jamais. Puis aujourd'hui, toi, tu as un téléphone portable, tu peux appeler ta copine qui est à l'autre bout de la planète, tu peux voir en face cam. Aujourd'hui, à un moment ou à un autre, bah, je pense que tu sais, la réalité elle sera dépassée par. Enfin, la fiction sera dépassée par la réalité. Tu vois. Donc aujourd'hui, tu dis, ouais, l'IA. Mais quand tu vois ce qu'elle est capable de faire, l'IA, tu fais un truc tout bête, tu vas sur ChatGPT, tu vois. Je te donne un exemple. Tu vas sur ChatGPT, tu dis, hello. Fais-moi un prompt, enfin, fais-moi une description ou pour un partenariat tout en anglais, pour tel truc, t'appuies sur texte, le truc qui te sort un bordel toujours. Mais une fois sur ChatGPT, une fonction, c'est un outil, ça fait pas peur. Oui, ça. Non, mais ça fait pas peur. Mais une fois remue sur ChatGPT, j'ai dit, écris-moi un scénario d'un court-métrage, je veux le thème, tout ça et tout. En 30 secondes, il m'a tout écrit, ChatGPT. Bah oui, mais c'est pas pour ça que c'est cohérent. Que le début. Non, mais c'est que le début, ça. C'est pas pour ça qu'il y a une machine Terminator qui va apparaître devant moi pour m'exécuter. J'y crois pas. De toute façon, ils n'ont pas la conscience. C'est des calculs. Mais ça n'a pas de... Voilà, c'est un Chine ou au Japon. Je sais pas si c'est un Chine ou au Japon. Ils ont créé des robots humanoïdes aussi. Oui, mais à quoi ça sert s'ils n'ont pas la conscience? Non, mais le truc, c'est que... Voilà. Regarde, quand on voit notre société, la façon dont les gens deviennent méchants, la façon dont tu es jugé, etc., on ne doit pas avoir peur des robots à la Terminator. Ce qu'on doit avoir peur, c'est de devenir des robots. Non, mais c'est ça justement le problème qui est dangereux, c'est qu'elles n'ont pas de conscience. Mais oui, mais tu vas programmer le robot, tu vas lui dire, va dans un village, va tuer les gosses. Regarde, il fera ce que tu vas lui dire parce qu'ils n'ont pas confiance. Comme Nicolas Perret, il prenait les médecins, par exemple, en exemple. Tu ne peux pas donner une IA, en fait, le droit de faire une intervention parce qu'une IA, si elle n'a pas l'information qu'il faut pour faire son raisonnement, elle va le modifier. Et d'ailleurs, je l'ai vu récemment sur un truc par rapport à une IA. Donc, ça veut dire que si la personne, il faut te couper le bras, je ne sais pas, tu as un truc... Le truc, il faut pas lui donner la possibilité de le faire parce que une erreur, tu peux pas. En fait, tout ce que tu peux faire avec cette IA, c'est l'utiliser en tant qu'assistant pour avoir genre plusieurs avis. Alors le problème, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je vais te donner un exemple tout simple. Aux États-Unis, il y avait un mec qui avait une tumeur dans le cerveau. Ouais, d'accord, tu m'avais dit. Ouais. Ils étaient tous là en train de se poser la question comment on peut l'opérer? Comment on peut opérer sans faire des dommages irréversibles? Ils étaient tous là en train de se poser la question, comment on peut faire. Et il y avait un mec qui l'a demandé à l'IA. L'IA lui a dit en passant par là. Ils se sont regardés comme des bolosses, ils ont dit, mais il raconte n'importe quoi. Mais en fait, c'est ce que je viens de te dire, parce qu'en fait, elle a été consultante dans cette histoire-là. Non, mais en réalité, tout simplement, ils ont fait comme l'IA. Ils ont dit, de toute façon, le mec, il va crever. Testons, on verra bien. Ouais, et ben ça, c'est sorti, maintenant, il y a une nouvelle technique d'opération. Tu vois. Le problème, c'est, tu sais... Mais c'est pas une intelligence inventée par l'IA, ça serait la réflexion de 1000 Einstein, c'est tout. Non mais imagine-toi jusqu'à où l'IA va, je te donne un exemple. Non, simplement, elle a vu le problème de façon différente qu'un humain n'aurait peut-être pas eu. Mais donc du coup, elle a assisté en donnant un point de vue. Ce sont des calculs. Voilà, c'est comme s'il y avait un médecin... qu'elle a fait plusieurs fois. C'est-à-dire en fait, c'est une simulation qu'elle a répétée je ne sais combien de fois pour arriver
a un pourcentage de temps. Il ne faut pas de simulation encore. Une IA ne fait pas de simulation. Et comment elle cherche alors? Comment elle donne des réponses? Par quoi elle passe? Elle donne par ce qu'on appelle les algorithmes et les databases. Quand tu demandes à ChatGPT, crie-moi un prompt ou quoi que ce soit, elle va chercher quoi Mais tu ne trouves pas que c'est... Tu trouves pas que c'est super dangereux parce que l'algorithme, s'il n'y a pas certaines informations, je ne sais pas, le fait que le cœur, si tu fais ça, tu meurs, si elle n'a pas cette information, elle ne le prendra pas en compte. Du coup, elle va te donner une mauvaise information. Elle l'a déjà parce que ça, c'est dangereux. Et comment les médecins ont fait avant? Bah oui. Bah avant, les gens, ils mouraient. Ouais, le mec, il serait mort. Avant, les gens, ils faisaient des autopsies, ils s'entraînaient, ils étaient obligés de voir si ça fonctionne, ça fonctionne pas, ou un truc, ça prenait plus de temps. Aujourd'hui, nous avons des calculs qui permettent d'avoir une avance. C'est ça, l'IA. L'IA, pour moi, c'est une interface sur un écran. Ce qu'il faut faire, et ça, c'est Nicolas Perret qui disait une fois de plus ça, c'est que l'IA, en fait, il faut savoir l'utiliser. Parce que, en fait, le problème, c'est que, par exemple, dans le travail, disons, pour être le meilleur, en fait, il faut utiliser cette IA pour prendre de l'avance, parce que les autres le feront. Tu vois, en fait, l'IA, il faut juste la prendre comme un outil. C'est pareil. Regarde ton téléphone, il a de la mémoire pour stocker. Quand tu as Internet, par exemple, tu vas sur Google, tu as un truc, tu ne te souviens plus, tu le cherches. En fait, tout ce qu'on a autour de nous, ce sont juste des outils pour, en fait, un peu comme Cyberbug, tu vois. C'est des trucs en plus. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais quand tu vois tout ce qui arrive, tu vois, des outils. Ces outils-là, en réalité, tu vois, comme, regarde, je te donne un exemple. Aujourd'hui, la culture, les bouquins, tout est accessible. Enfin, tout, la culture générale, toi, tu peux devenir super intelligent. Si tu te mets à lire, tu es curieux, tu lis, tu prends plein d'informations et après, tu deviens intelligent. Aujourd'hui, tu vois, l'accès même, au savoir, il est accessible à tout le monde. Après, non, il faut faire différencier. Tu ne deviens pas intelligent, tu deviens cultivé. Non. C'est pas pareil. D'accord. Tu viens de cultiver. Aujourd'hui, tu regardes. Tu vas n'importe où. Les gens sont de plus en plus débiles. Bah ouais. Niveau intellectuel planétaire. Pourquoi? Parce que les gens ne réfléchissent pas. Ils cherchent directement la réponse. Non, c'est pas une réflexion. Ils ne mémorisent pas. Non, mais le niveau intellectuel mondial, ils ont fait des tests dernièrement. Des tests de QI sur des enfants et tout. Ils ont regardé. À part dans certains pays, mais au niveau planétaire, les gens sont de plus en plus cons. Mais c'est normal, ils sont abreuvés de trucs, TikTok, etc. Ça monopolise le cerveau, ça les abrutit. C'est quoi l'intelligence, en fait? Bah, c'est une capacité de réflexion. Ça, c'est une bonne question. L'intelligence, pour moi, c'est de survivre à l'oppression. C'est ça l'intelligence, ça ne va pas. À l'oppression, c'est vrai qu'en ce moment... C'est-à-dire, on veut... Regarde, nous les humains, on a des rats, ok? On ne sait pas exterminer les rats. Donc, le rat est intelligent. Ouais. Enfin, c'est pas un mec qui s'est créé des... Non, il sait survivre à son environnement. Survivre à l'environnement, c'est ça l'intelligence, c'est tout. Salut Pelos, donc c'est le vrai là où c'est encore le compte. Tu prêtes tes comptes, toi, faut faire attention, hein. Ça y est, on a compris, on sait le fameux mot de l'histoire maintenant. Avec. Après, t'es en train de streamer ton jeu là, Dragon Ball Z. T'es en live? Bah, qu'est-ce qu'il fout là, ton ref? Eh ben voilà, il est en live. Donc c'est ton frère. Tiens, on va lui faire coucou. On va lui faire un coucou bébé. Hein. Allez faire coucou bébé. Il est en live. Coucou bébé. Ah, il est sur quelle plateforme? Il est sur PC, gros. Il a un gros PC. Ah, j'ai compris. Tu prêtes ta chaîne à ton ref. Pelos. T'aurais pu le dire que c'était ton frère. Je me demandais qui c'est qui faisait des lives sur ta chaîne. C'est ton frère. Et ça doit être Fouad qui est encore sur TikTok en train de regarder les nanas à poil. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses à mémoriser. Qui fait que c'est très bien d'avoir une intelligence artificielle qui te met ton calendrier, en fait, tu vois. Moi, je ne traîne pas sur Facebook, je reste sur Facebook juste pour avoir le calendrier de mes amis, connaître leur anniversaire, je ne retiens jamais ça. Putain. Jusque-là, c'est un outil, en fait. Je ne pense pas que c'est si dangereux qu'on ne le croit, c'est le progrès, quoi. Il y a juste un problème, c'est que tu n'arrives pas à mémoriser, c'est que tu n'as pas trouvé la bonne solution pour mémoriser.
La mémoire, ça se travaille. Hein. Et tous les jours. C'est des petits trucs à la con. Petits trucs à la con. C'est des mémotechniques. C'était des problèmes de mémoire. Demande à Fouad. Lui, Fouad, il a pris Meumeu. Et maintenant, il nous le ressort à tous les sauces. Meumeu lent. Meumeu rapide. C'est la seule chose qu'il a mémorisé. C'est comme les ça va, il a pas grand chose à mémoriser. Il a pas grand chose à mémoriser là. Mais c'est non, vous mais... qui m'avez traumatisé c'est avec énorme. Ça. Hein. C'est énorme. Maintenant, tu sais, il nous dit, vous m'avez, c'est un traumatisme à cause de nous, voilà, à cause de moi parce que je joue à Mario Kart. De toute façon, on va arriver à. Mais je sais pas vers quel. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, quand tu regardes le monde. Peu importe où tu regardes, c'est la daube. Oui, la mémoire, faut la stimuler. Oui, la mémoire, faut la stimuler. Tu peux aussi travailler ton regard. Tu sais, regarder, ça travaille la vue. Je dis pas non, mais comment peux-tu travailler ta mémoire quand tu es rempli de fausses informations ? Voilà. Il est là le souci. Et quand tu mémorises un paquet d'informations et que à la fin c'était faux, faut que tu réapprennes. Donc en fait, on fait que réapprendre tout le temps. Quoi. C'est le cycle de la vie. Réapprendre, enfin, tu as quand même la base. Hein. La base, c'est les maths. C'est-à-dire, les maths, c'est la base. La lecture, c'est la base. Il y a plein de choses, c'est la base. C'est la base. Tu as la base. Et après, parce ça... que là, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Il calcule plus vite que nous, il lit plus vite que nous. Point, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Et puis, il a une facilité, contrairement à nous. Il a accès à une bibliothèque avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire Google et tout. Donc, ok, ouais, c'est une avance. L'intelligence, mais ça nous fera rien. L'intelligence artificielle, que tu veuilles ou pas, elle est plus intelligente que toi. Bah non, parce que tu lui... elle ne réfléchit si, pas. Non, non, non. Ce que je fais, l'intelligence artificielle ne sait pas le faire et n'a toujours pas compris et ne comprendra jamais. Elle peut pas le faire. Non, non, elle a plus de... C'est la différence entre la culture et l'intelligence. L'intelligence, à la base, c'est le savoir. Oui, mais attends, Romu, bon. Attends, il y a tout plein de types d'intelligence artificielle. De chaque pays, ils ont leur truc. Ils ont chacun leur base de données. Les bases de données, c'est les bases de données internationales. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si. Moi, je pense que Nicolas Perret, par rapport à ce domaine, il a quand même pas mal bossé son sujet. Il faut regarder ce livre, il est très intéressant. Chaque truc, ils ont leur propre base de données. Et quand si tu as elle parlé... apprend sur nous et oui. Que nous sommes en 2024, elle ne va pas être très intelligente. Hein, comme, qui a la plus grosse base de données mondiale ? Après, non, Bill moi Gates. Je pense que la plus grosse base de données, c'est celle qu'il faut avec les informations les plus pertinentes pour le travail. Non, mais qui a la plus grosse base pertinente, de données ? Mais qui a dit que c'est pertinent ? Qui lui dit que ça c'est bon ? Qui lui dit ça c'est vrai ? Qui lui dit ça c'est faux ? C'est pour ça qu'ils peuvent enregistrer des milliers et des milliers d'heures de conversations. Ne sait même pas se poser la question à lui-même de sa propre existence. Voilà. Donc, il n'est pas prêt. Non, mais c'est juste des informations et t'en fais ce que tu as à faire avec. C'est pas Google. Je suis désolé, c'est pas Google. Qui a la plus grosse database sur la planète ? Ça, mais tu sais qu'il l'avait dit dans sa vidéo, mais je ne me rappelle plus. C'est Meta, c'est Facebook qui est le plus gros database. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas des informations, genre le fait de ton anniversaire, tout ça, tu vois c'est... Non, mais quand tu parles de data-données, c'est des data-données, ce sont des moindres conneries, mec. Bah oui, mais tout sur ça... Ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, quelle heure tu t'aimes... Mais quand je te dis « savent tout sur toi », ce n'est pas une connerie ce que je te dis. Ça Romu, combien de personnes font des comptes qui donnent une fausse adresse, un faux truc et tout, d'accord ? Non, mais dans... si... non, mais si non, l'intelligence mais... artificielle se base sur tout ça, non, parce il que a toi, du boulot. Toi, hein. Tu vois le prisme sur l'individu, alors que les données, c'est par rapport à la masse. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est combien de gens vont acheter Sparking Zero. Ils s'en foutent que toi, tu l'achètes ou un autre. Oui, c'est la masse. Tu vois, il faut toujours voir les informations sur plusieurs prismes. Donc, ça va dans un sens marketing, ça n'a rien à voir dans le réel. Mais de toute façon, c'est le nerf de la guerre, de l'information, c'est le commerce. Même les guerres, même l'énergie, c'est toujours des histoires de guerre, c'est toujours par rapport à ça. C'est avoir l'ascendant sur l'autre. Non, mais la guerre... Et puis, il faut avoir l'énergie pour le faire tourner aussi. Mais bien sûr, mais c'est ça. Quand tu parles de guerre, la guerre, en réalité, je suis désolé, mais la guerre, ça a toujours été. La guerre, en réalité, la guerre, c'est bien. Pourquoi la guerre, c'est bien? Bah, tu sais, ça fait marcher l'économie.
Dans les Voilà, guerres, c'est là où tu as eu les plus grosses avancées sur, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait les avions et tout ça. Et puis après, tu vois les voitures des années 50 américaines. En fait, ça ressemblait aux avions quand tu as les feux et tout ça. En fait, c'est toujours là où la technologie évolue. la voiture volante, elle est sortie, les gars. De toute façon, la D'accord? voiture volante. Sauf que le scientifique nous a répondu que tu croyais qu'on allait faire une bagnole volante pour chaque personne. Non, mon gars. Il y a un avion, il y a un truc à trois roues là qui Mais vole, voilà, c'est parce ça. qu'en fait, le problème, c'est que si de moi, on démocratise les voitures volantes, ok, il faut avoir des compétences bien supérieures à un simple permis, donc ça va coûter cher. Et le Quand code de la... Voilà. il va avoir un accident, tu vas pas rentrer dans ton poteau à côté de chez toi, On tu vas s'en shooter une fout. dizaine d'immeubles, tu vas tuer une Mais non, mais cinquantaine de on s'en fout personnes. parce qu'en réalité, En fait, c'est les une voitures, hérésie. C'est non, mais les ils le voitures, feront c'est pas jamais. toi qui vas les piloter, ce sera par IA comme le Google, Mais la quand c'est Google qui l'IA le a problème, et quand il y aura une IA, ça Il n'y sera a pas qui de sera. problème. C'est Il n'y aura qui pas est de problème. responsable quand il y a une IA? Ça, c'est un truc que les assurances sont en train de se poser la question. Il y a deux IA, il y a un accident. C'est qui paye? Bah c'est l'IA qui a fait l'accident, qui est Non, en tort. mais l'IA, elle s'en Il y a fout. des caméras partout, il y a des capteurs partout, ils sauront qui a fait la. Qui a Vous fait avez une l'erreur, assurance, l'erreur. il y va avoir l'expert qui va passer, il va vous donner la réponse. Mais non, mais le Voilà. problème, c'est que quand il y aura des gens qui sont morts, une IA, elle s'en fout d'être responsable de ça. Mais regarde, aux États-Unis, tu as bien des voitures électriques. Quand tu appuies sur le frein, elle accélère. Ah voilà. Et elle fonce comme ça tout droit et elle rentre, elle finit dans une banque. Et c'est estampillé. Donc ça veut dire que ce gars-là devait mourir. Non, mais Qu'est-ce que pourquoi? ça veut dire en fait? En réalité, la voiture, elle a eu un problème, elle a un Mais dysfonctionnement. bien sûr. De toute On vous façon. bourre de l'électronique partout, les Eh calculateurs. ben, normalement, ça ne devrait pas être possible parce que Mais si on nous le si. vend comme on nous le dit, Non, c'est voiture voilà. moderne. C'est De le toute même façon. intelligence artificielle que j'ai dans mes jeux vidéo, je le défonce. Non, mais Non. moi je te dis, de toute C'est pas la façon, même chose. les IA, Tu sais, c'est. une intelligence artificielle dans un jeu vidéo, s'ils te le mettent à fond, t'auras beau essayer de Mais l'onglet voilà, vite, tu il pourras pas, te et tu seras frustré. pourras Parce pas. que ça c'est pareil, Nicolas Perret Si, en on va parlait. trouver une En fait, méthode. tu On vois, va quand tu trouver. joues. Il n'y aura pas de méthode. On a toujours trouvé. Non, Non, il n'y aura pas de méthode. quand tu joues, tu as en fait un certain niveau pour que tu aies du plaisir, pour que tu puisses jouer, genre dans Splinter Cell, tu vas pouvoir aller sur le mur, contourner le gars. Alors que dans la réalité, si toi tu es dans une pièce un peu en sombre, dans la pénombre, je vais te voir, je vais t'entendre. Donc, si toi en tant que joueur, tu vas être frustré. Et le but du jeu vidéo, c'est d'avoir du plaisir. Donc, il faut que tu puisses te sentir fort. Donc, il faut que ce soit pas trop dur. Donc, ça ne peut pas être réaliste. Après, t'as des jeux qui Est-ce sont pas. que l'intelligence artificielle prend appui sur des gens intelligents, comme Bien vous sûr. dites? Mais bien sûr. J'ai l'impression qu'il prend appui sur toute l'intelligence. Non. Mais c'est Toute. l'intelligence de masse. Tu vois? Ben, s'il est dans la masse, pour Mais moi, il est dans la merde. en réalité, t'as tout faux. En réalité, t'as tout faux. Imagine-toi le jour que t'as l'IA, une IA. Aujourd'hui, l'IA, elle est limitée par rapport, on dira, est-ce qu'ils sont capables de te sortir en puissance? Parce que l'IA, que tu veuilles ou pas, c'est des problèmes de calcul. Eric, il s'en va? Non, non, il stream en même temps. Il stream quoi? C'est très le jeu? Gâteau robot. Gâteau roboto. Oh là là, putain, t'as pas trouvé plus naze? Un chat? Le chat robot. Le chat robot. Oh putain. Ah, je me casse. Je voulais l'essayer. Il est en promo là, sur Amazon, c'est pour ça. Gâteau pour moi. Ah bah c'est bien. Il est minuit 33, moi je vais clôturer ce live. Moi je vais vous laisser. Donc Et demain il y a piscine avec poney. Merci à vous. Salut Jerry. Vous pouvez aller sur le live de Paramount, les bords Salut tout du le monde. Dragon Ball Z, Fighter C'est Z. Paco. On va vous À mettre le plus, à lien. plus. On va mettre le lien.